toutes et bonjour à tous. Et bienvenue aujourd'hui pour le test de Assassin's Creed 2, parce que oui, on continue notre redécouverte des jeux de la série qu'on avait déjà commencé à revoir avec le test du 1, et en attendant le test d'Assassin's Creed Valhalla qui nous prend un petit peu de temps parce que c'était un jeu immensément long. Donc en attendant, on vous propose des tests des anciens jeux pour le plaisir de redécouvrir tout ça. Donc, je vous ai montré la boîte PS3 mais aussi la boîte PS4, puisque vous pouvez aussi y jouer avec la Ezio Collection pour un modique prix de 50 balles sur Amazon. Je crois que j'avais chopé à genre 20 balles parce que c'était en déstockage chez Carrefour, un truc comme ça. Quoi. En tout cas, nous, on y a joué sur PS3 pour VGM et sur Steam pour RL et moi. Exactement. Et donc là, on joue sur PC. Sur PC, via sa version Steam. Oui, c'est pas, PC, quoi. C'est pas la PS3. Ça c'est clair. Ça, c'est pas la PS3. Ouais. Donc, Assassin's Creed 2, il est sorti le 19 novembre 2003 sur PS3 et Xbox 360, et un petit peu plus tard sur PC en 2010. Et après le succès du premier épisode, c'était un jeu qui était très très attendu, mais qui avait aussi la lourde tâche d'approfondir et d'améliorer la formule, puisque le premier épisode avait de nombreux défauts que nous avions déjà abordés dans notre test du jeu précédent. C'est ça. Qu'on vous invite à consulter, évidemment, si ce n'était pas déjà fait. Si vous voulez dire pourquoi pas regarder un super test Assassin's Creed, il y a le nôtre. Voilà. Je vous redirige vers ça. D'ailleurs, juste un petit parallèle qui a été fait quelques années plus tard avec Watch Dogs. C'est que, en gros, quand tu disais que Assassin's Creed 2 avait la lourde tâche de faire mieux que le 1 et de corriger les défauts, etc. Voilà, c'est encore pire pour Watch Dogs. Oui, mais du coup, dans la campagne marketing de Watch Dogs, ils étaient en mode, de Watch Dogs 2, ils disaient « Oui, Watch Dogs 2 sera comme le Assassin's Creed 2 par rapport au premier. » Ouais, c'est marrant parce que du coup, je voulais justement dire que c'est un jeu qui, du coup, dans l'ensemble, a été acclamé et qui fait partie de ces jeux dont on a gardé l'image de la suite qui a sublimé la formule du premier jeu, comme l'a fait par exemple Uncharted 2 aussi, sorti la même année et la même période, à un mois d'écart avec Assassin's Creed 2, donc ça c'est assez balèze. Et moi, qui n'avais pas du tout aimé à l'époque le premier jeu, et bon, dans le test qu'on a fait récemment, vous avez vu que ça allait beaucoup mieux, moi à l'époque, j'avais pas fait, tu vois, genre je l'avais pas acheté. J'avais d'autres choses à faire, j'avais Batman Arkham Asylum, Uncharted, Ratchet, ça me suffisait, tu vois. Mais je l'ai emprunté à un pote plus tard, et effectivement, moi, ça a été genre... en fait, c'était vachement sympa. Une révélation. Non, pas encore. Ah, pas encore, ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, j'avais quand même bien aimé, j'étais à fond dedans, et même si c'était pas été un grand jeu coup de cœur, c'est un jeu que j'avais bien aimé quand même, quoi, qui m'avait réconcilié avec la série. Après le 1 qui m'avait vraiment déplu, toi et Red, je sais que tu es un gros fanboy de ce petit Assassin's Creed 2. Ouais, c'est pas un euphémisme, hein, c'est vraiment genre... Mais je pense que beaucoup de nos abonnés vont probablement dire la même chose dans les commentaires, mais vraiment, Assassin's Creed 2, c'est mon jeu du cœur, quoi. Ça me replonge dans... Quel âge tu avais? Je sais pas, j'avais... 10 ans. Ouais. Non, en plus, tu l'as fait, comme tu l'expliquais dans le test du 1, tu as fait le premier jeu de la saga pour la sortie de Révélation, donc en 2000. C'est ça, ouais. Il avait 15 ans. En 2000, 2009, mais donc il avait 15 ans à la sortie, mais il a sorti, mais moi je l'ai fait en 2011, ouais, donc 17, ouais, c'est ça. Mais ça a fait jeune, cela dit. Oui, mais oui. J'étais jeune au début des choses. C'est vrai. Quand on y pense un instant. C'est vrai. Non, mais voilà, effectivement, c'était. Enfin, j'avais enchaîné Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, et du coup Révélation quelques temps après, quelques mois après. Et franchement, le 2, c'est mais quel pied, quoi. Je suis tombé amoureux de la Renaissance italienne, je suis tombé amoureux de du personnage principal, etc. J'avais envie de lui faire la... mais... et puis l'OST, bon, surtout, on va en reparler plus tard, mais l'OST aussi qui a réussi à... Exactement. Qui est tellement marquante que du coup, le jeu, il en devient marquant, tu vois, grâce à ça. C'est vrai que ça... Mais on va reparler de tout ça plus tard, hein, dans tous les cas. Et la question qu'on peut se poser quand on se lance dans Assassin's Creed 2 en 2020, enfin fin 2020 ou début 2021 pour quand on sort ce test, oui. Et pour VGM, qui l'a lancé aussi lui en début 2021 en ce qui le concerne, on peut se poser la question, mais qu'en est-il de nos jours, mine de rien? Il a déjà 11 ans, le gaillard, il a pu subir les offres du temps, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous, à beaucoup de jeux également. Du coup, pour vérifier tout ça, moi j'ai acheté le jeu sur Steam, avec tous ces DLC, par chance c'était en promo, donc je les ai eu pour 2€. Ça valait le coup quand même, et des achats... Franchement, ça va faire un trou dans ton budget, mec. 2€, franchement. Un demi-kebab. Ouais, c'est vrai, un demi-kebab. Ouais. Je mange plus de kebab, donc c'est vrai. Donc, comme d'habitude, on va répondre à... C'est-à-dire, c'est toi aussi, t'as subi les affres. On va tâcher de répondre à cette question, que vaut-il de nos jours? Et ça va être le principal objet de notre test, mais avant cela, comme à notre habitude, on va d'abord passer par une partie sur la création du jeu, et avec une partie développement, et aussi une partie sur le contexte historique. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours...
utiliser le sommaire qui est dans la description ou dans la barre de timeline de la vidéo pour vous guider et aller aux parties qui vous intéressent le plus. Exactement. Mais on vous recommande de suivre parce que c'est quand même intéressant. Ouais. Donc voilà, le développement de ce jeu commence peu de temps après la sortie du premier Assassin's Creed 2, donc au tout début de l'année 2008, et l'équipe est encore une fois dirigée par Patrice Désilets. Patrice Désilets qu'on avait déjà présenté dans le test précédent, et qui est le creative director du Prince of Persia, Les Sables du Temps, et ensuite du premier Assassin's Creed. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est dans sa masterclass qu'il a donnée à Jeux vidéo Magazine à la Cité des Sciences à Paris, en 2017, je crois, que Patrice a donné plusieurs détails sur comment la nouvelle époque a été choisie pour Assassin's Creed 2. Parce qu'évidemment, vous savez que le 1 se passait au Moyen-Âge, en Jérusalem et tout ça, mais que le 2 se passe pendant la Renaissance italienne à Venise et à Florence. Ouais. Donc, alors moi, je me suis demandé, mais pourquoi ce choix? Alors déjà, bon, évidemment, c'est un choix intéressant, mais qu'est-ce qui les a guidés à prendre ça plutôt qu'autre chose? En fait, visiblement, ils savaient qu'ils allaient changer d'époque parce que c'était... déjà un truc qui avait été réfléchi dans la pendant que le 1 se développait, genre vu puisqu'il y avait l'animus, c'était l'occasion, c'était facile de changer d'époque puisque notre héros peut aller d'époque en époque en fonction de ses ancêtres, donc il y avait déjà l'idée de développer ça au cours d'Assassin's Creed 1. Et pour l'époque du 2, comment ils l'ont choisi? En fait, ils sont réunis en réunion, les créatives et les producteurs d'Ubisoft Montréal qui étaient dessus, et ils commençaient à énumérer les époques qui étaient intéressantes et tout, pour qu'ils en citent une, ils en citent une deuxième, et ensuite une troisième, donc ils citent la Renaissance italienne, et là ils ont un déclic genre « Oh !» Et ils ont même pas réfléchi à une quatrième époque, ils ont direct choisi, dès que ça a été évoqué, direct, ça a été genre « Ok, celle-là, c'est celle qu'il nous faut, quoi. Mmh. » Et une des raisons qui a facilité ce choix, c'est parce que Patrice a lui-même vécu en Italie, à Naples, pendant la Renaissance italienne. Donc franchement, il était familier, quoi. Ah, c'est bon, hein. Du coup, en fait, il a imposé son choix aux autres, il a fait « C'est parfait, c'est ça. » Peut-être. Non, en fait, du coup, il a vécu à Naples pendant un an, il parle un peu l'italien, et il adore la culture italienne, et il avait envie de parler de cette culture, en fait. Donc du coup, puisque voilà, t'as ce boost créatif, et ça te met dans la bonne direction, et ils se disent « De toute façon, c'est une belle époque, donc c'est un bon truc. » Je glisse ça là parce que c'est l'occasion, je sais pas si j'aurai le temps de revenir dessus ensuite, mais Assassin's Creed 2 est d'ailleurs devenu un jeu de référence en Italie. Un espèce de symbole national, en fait. Ouais. Patrice raconte qu'il discute parfois avec des Italiens, et qu'ils lui disent que ça fait du bien d'avoir un jeu qui parle de l'Italie, comme... De son histoire, c'est etc. Ça et tout, parce que, genre, il raconte ça comme ça, il dit, pour une fois qu'un jeu des Italiens, c'est pas Mario, quoi. Ça fait plaisir, tu vois. Tu m'étonnes. Et donc, c'est vrai que c'est cool, dit comme ça. Donc voilà, vous avez les bases du projet, et alors qu'il avance tranquillement, ce petit projet, il vit son petit bonhomme petit de chemin. Projet. Oui, voilà, en septembre 2008, alors que ça fait quelques mois, 7-8 mois, que le jeu est en 8-9, enfin, bref, ça fait quelques mois que le jeu est en cours, et qu'il doit sortir à la fin de l'année 2009 et qu'il ne sera pas repoussé, l'équipe, d'un coup, reçoit des instructions venant de l'équipe éditoriale. Vous savez, c'est la célèbre équipe éditoriale, en l'occurrence, on parle bien de l'équipe de Serge Asquet. Serge Asquet, vous le connaissez, si vous ne le connaissiez pas, vous le connaissez désormais grâce au scandale qui sont sortis sur lui dans l'année 2020. Et qui ont mené non pas à sa démission, mais en tout cas il fait plus partie des... Ouais, c'est ça. Son éviction. Il est toujours à Ubisoft, hein? Bah non. Non, il est parti. Au début, il est pas parti, et il a fini par partir, mais c'était en deux temps, effectivement. Il a été poussé vers la sortie. Ouais. Effectivement. Donc ça a été le principal directeur du pôle éditorial qui acceptait tel projet, ou qui poussait les projets dans telle ou telle direction, pendant près de 20 ans, en fait, finalement. Mmh. Et donc, du coup, et c'est cette équipe éditoriale dirigée par ce monsieur-là, qui, depuis, on sait que c'était pas quelqu'un de bien, a donné ces instructions-là. Il y avait ses contrariétés. disons, voilà. Ses contradictions. Il dit, il faut développer plus de features. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de mécaniques de jeu. Et pas qu'un peu, hein. On demande aux développeurs d'Assassin's Creed 2 de développer plus de 230 nouvelles features. D'accord. Et c'est énorme en si peu de temps, vous imaginez, vous êtes en septembre 2008, le jeu sort en novembre 2009, et d'un coup on dit « Ouais, il te manque 230 features dans ton jeu !» ça pique un peu, tu vois. Surtout qu'il n'a pas été construit pour, donc... C'est ça. Et donc du coup, il manque parmi ces features-là, pour vous donner des exemples, c'est le système monétaire, la villa, toutes les features de combat, améliorer les assassinats, les tombeaux, la notoriété, tout ça. Enfin, tu vois, c'est beaucoup de choses pour que le jeu soit beaucoup plus grand, parce que les reproches, c'est à cause des reproches du 1, où tout le monde disait qu'on se faisait chier dans le 1, c'était un des grands reproches qui, déjà à l'époque, ça a traumatisé les développeurs du 1, parce que dès qu'on leur fait des interviews et tout, sur tous les interviews du 2, tu vois, on pose toujours la question,
Alors le jeu était quand même bien répétitif, comment vous vous comptez faire pour améliorer et tout, donc même encore en 2017 dans son masterclass, il fait oui le jeu était répétitif et tout, genre tu sens que ça les a traumatisés un peu tu vois, ce reproche là, même si il était un peu plus légitime, parce que c'était quand même répétitif effectivement, mais en tout cas on sent que cette décision de faire 230 nouvelles features, ça venait de ça quoi. Et l'équipe est grande déjà, c'est une grande équipe, c'est 300 personnes. 300 personnes, c'est la plus grande équipe d'Ubisoft à l'époque. Et l'une des plus grandes du marché en général en 2009 quoi. De nos jours, il y a des équipes de plus de 2000 personnes, mais à l'époque, c'était déjà il y a 11 ans. Donc c'était des grosses équipes. 300 personnes, c'est déjà énormissime quoi. Mais c'est relativement peu quand il faut développer autant de choses aussi rapidement, tout en construisant un nouveau monde, une nouvelle histoire, etc. L'équipe elle est dispatchée dans trois studios. Il y a d'abord évidemment Ubisoft Montréal qui s'occupe de tout le gros cœur du jeu. C'est vraiment l'équipe centrale. Ensuite, tu as Ubisoft Annecy qui vraiment s'est occupé de la villa. Tu as Ubisoft Singapour qui s'est occupé des missions linéaires. Alors j'imagine que ça veut dire les tombeaux, comme on est en train de faire là. J'imagine que c'est ça qu'ils appellent mission linéaire. Je ne sais pas trop. Et c'est Patrick Plourde qui raconte ça dans son Making of d'Assassin's Creed 2 qu'il a présenté à la Game Development Conference, donc la GDC. En 2010, donc quelques mois après la sortie du jeu. Donc Patrick Plourde, il occupe le rôle de lead game designer sur Assassin's Creed 2. Et pour revenir un peu plus sur sa carrière à lui, c'est celui-là qui après sera le creative director de Far Cry 3 et de Child of Light, donc pas un petit bonhomme. Et peu avant les scandales, il a rejoint l'équipe éditoriale d'Asquare aussi. Mais bon, rien n'est tombé sur lui, donc on ne sait pas s'il était méchant ou pas. Même si on sait que des anciens de Child of Light sont partis à cause de lui. Bon, c'est après. À cause de lui, on sait pas, mais en tout cas. Je sais que dès que le nom est cité, ça fait pas plaisir généralement. Après, pourquoi, comment, on n'a pas le contexte, enfin, on n'a pas le détail parce que les personnes ne sont pas exprimées, donc à partir de là, on peut pas tirer des conclusions. Oui, le fait est que. C'était dans l'équipe éditoriale. C'est ça, il a été accueilli. ça semble. Je fais une parenthèse pour dire qu'il n'est pas tout seul à être lead game designer sur Assassin's Creed 2, puisqu'il y a aussi Olivier Palmieri, qui est beaucoup moins connu, et qui a auparavant été un des game designers de Rayman 2 et de Rayman 3, plus tard le lead level designer sur le Rayman Legends quand même. Donc je tenais à le citer parce que je n'en sais pas plus sur son rôle sur Assassin's Creed 2, mais bon, mine de rien, c'est un bonhomme avec un beau petit parcours. Donc Patrick Plourde, il résume la situation ainsi. D'habitude, dans un projet, on commence sur un gros scope, on a beaucoup d'ambition, et on les diminue petit à petit pour rentrer dans les délais. Ouais. Pour Assassin's Creed 2, c'est tout l'inverse. On avait un petit scope, et petit à petit, on a fait « tu rajoutes ça, tu rajoutes ça, tu rajoutes ça », et jusqu'à la fin, quoi. Donc c'était chaud. Le scope est devenu de plus en plus immense au fil du temps de développement, alors qu'on ne te donnait pas de temps en plus. Et il y avait si peu de temps pour développer chaque feature du jeu, qu'il n'y avait pas de place à l'erreur, pas le temps de peaufiner, ils avaient droit à un seul essai par feature du jeu, quoi. Il savait qu'une fois qu'elle était finie, il pouvait pas revenir dessus après les playtests, c'était mort quoi. Genre, ou alors il la cut ou des trucs comme ça, tu vois, mais genre il pouvait pas prendre le temps bien peaufiner quoi. Ça a été rien. C'est ça, donc il fallait que dès le premier jet, ce soit aussi parfait que possible du premier coup. Donc ça c'est assez compliqué. Et pour s'assurer que le jeu était toujours bon, ils ont fait énormément de playtests dans le dernier tiers de la production pour affiner un peu le design et se rendre compte des problèmes qu'il pouvait y avoir. Donc c'est un processus de création assez lourd, donc pour que tout soit créé dans les temps, il fallait constamment prendre des décisions de game design rapidement, dès le début, et pouvoir les transmettre aussi vite que possible aux programmeurs. Du coup les designers passaient leur journée à concocter des documents de design, qui passaient ensuite des étapes de validation vers la plus haute sphère. Plourde, il dit que c'était 3 heures de réunion par jour minimum, pendant 6 mois, pour que tout soit décidé. Et juste pour ça, parce que sinon il y avait d'autres réunions, donc là c'est chaud. Et il dit, dans ce genre de jeu, dans ce moment, c'est compliqué parce que t'as pas vraiment le temps de réfléchir, et en tant que créatif, il faut que tu sois courageux. Genre, c'est difficile de dire, ok, il faut que je prenne cette décision, mon jeu sera ça, tu vois. Et là, quand t'as aussi peu de temps, passer le temps de vérifier d'abord si ça marche bien, faut que tu prennes des décisions courageuses, quoi. Et c'est vraiment pas facile, quoi. Après, visiblement, ça se forme plutôt bien, quoi. Si ça se passe bien, en tout cas, parce que tu peux très bien, ça peut très bien pas aussi bien se passer que ça. En tout cas, ils ont fait tester 200, enfin, fait approuver par les plus hautes sphères d'Ubisoft, 200 documents de design en 6 mois pour définir toutes les features qui seraient dans Assassin's Creed 2. J'ai du mal. Assez balèze en tout cas, et surtout un très gros rythme de travail. À mon avis, ils faisaient un peu plus que 35 heures. Mais heureusement pour eux, c'est à payer car le jeu a été un plus gros succès qu'Assassin's Creed 1. Il s'est mieux vendu sa première semaine et il y a eu 8 millions de copies en seulement quelques mois. En gros, c'était un très gros succès et en plus, il a eu le succès d'estime qu'on lui connaît et que Ubisoft attendait, parce qu'il voulait que le jeu soit un carton critique et commercial,
Évidemment. Donc voilà, ouais, pour son développement, il y aura d'autres parties que je vais mentionner dans les autres parties, tu sais, direction artistique, tout ça. On parlera un petit peu plus de détails de certains trucs en particulier. Mais ça, c'était pour le gros truc de comment le projet est né et comment il s'est développé. Maintenant, on passe au contexte historique, comme je vous l'avais promis. Donc voilà, Assassin's Creed 2, il s'étale sur la période, une grande période d'ailleurs, de 1476 à 1499. On aura l'occasion d'en reparler pour le jeu, ce que ça raconte, et en pleine Renaissance italienne. La Renaissance, pour faire simple, c'est la fin du Moyen-Âge. C'est l'époque où la vie commence à être moins dure, moins austère. Au Moyen-Âge, c'était quand même très austère. Et les gens, ils mouraient très jeunes, on mourait à 30 ans, c'est la famine, la guerre, la maladie, enfin bref. Donc du coup, à la Renaissance, on renaît, littéralement. On a le temps de nouveau de penser à la culture, aux arts. On n'a pas le temps juste de penser que tu vas peut-être mourir demain de la peste. Bah, surtout, des perspectives un peu plus alléchantes. Oui, c'est surtout que la culture avait un vrai essor, en fait. Ça, hein. C'est vraiment... C'est pas genre tu peux plus réfléchir à la culture parce que oui. t'as moins peur de mourir ou quoi que ce soit. C'est vrai, y a pas de culture en fait. C'est plus que c'était moins réprimé par la religion, les choses comme ça, etc. Quoi, et l'État et les, enfin voilà quoi. Du coup là, les artistes sont développés, et beaucoup de peintres, beaucoup d'architectes, beaucoup de tout ça quoi. De poètes. Enfin, du coup là, l'art était en essor et les gens qui s'intéressent à l'art d'autant plus, tu vois, c'est forcément lié. Et c'est ça qui dit qu'on renaît, oui. le genre humain. Oui, est-ce que vous croyez qu'après le Covid, il y aura la Renaissance numéro 2 ou... Franchement, c'est possible. Parce que là, on va vivre une période austère. On est dans une période austère. Oui, c'est ça. Mais pas autant que... Puis la culture rip. Hein, tu... La culture rip. Et puis c'est vrai qu'actuellement, on craint de mourir pas de la peste, mais du Covid. Les liens sont là. Bah, j'espère que ça va juste durer moins longtemps que le Moyen-Âge, quand même. Parce que bon. Le Moyen-Âge, ça durait quand même. Sinon, c'est chaud quand même. Comme durer 1000 ans, quoi. Sinon, on verra pas la Renaissance. Peu de chance. Effectivement. Donc, la Renaissance, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Voilà. Enfin, c'est surtout mieux pour les catégories sociales les plus aisées, parce que les pauvres, bon, Il reste pauvre. C'est pas beaucoup mieux, mais il y a des progrès quand même. Hein, mais c'est pas. Bon, c'est... Ouais. Les meilleurs côtes, les riches, oh là là. Là, ils sont contents. Par contre, mais les riches en Moyen-Âge, c'était pas ouf pour eux. Donc voilà, il y a quand même du progrès petit à petit, quoi. Et la Renaissance, elle trouve son point de départ, bah, justement, avec les Renaissances italiennes. Et elle-même, elle trouve son point de départ dans la ville de Florence et dans la région Toscane, en général, là où démarre l'aventure d'Ezio dans le jeu. Ça a débuté à la fin des années 1300, avec donc un grand intérêt pour les arts, la littérature, la poésie, la philosophie, l'architecture, la sculpture, etc. Et petit à petit, ces intérêts se développeront dans toute l'Italie du Nord, donc là où se trouve Florence, en fonction de... notion de géographie, je précise, hein. Oui. Et iront jusqu'au sud, c'est-à-dire à Rome. Donc pour ces les grands noms artistiques bien connus, évidemment Léonard de Vinci, Michel-Ange, Machiavel, Raphaël, et d'autres noms, enfin je ne sais pas tout citer, quoi. Le contexte politique de l'Italie à cette époque-là, ce qui a favorisé, c'est justement à se trouver dans un meilleur contexte politique, et c'est justement ce qui a favorisé l'expansion de la Renaissance, parce que c'est un contexte de paix dans le nord du pays, qui ne vit aucun combat pour la première fois depuis longtemps. Mmh. À cette époque, en fait, l'Italie était régie par beaucoup de cités-états, qui se trouvent essentiellement dans le nord, donc c'est là où c'est le pays était le plus riche. Donc t'avais, parmi les cités-états, t'avais Florence, t'avais Milan, t'avais Venise, qui étaient les trois plus principales puissances, mais ce ne sont pas les seuls, des Pise, par exemple. Ouais. Rome, par contre, était super pauvre. À l'époque, Rome, c'est la pauvreté, hein. C'est pas du tout une cité où il fait bon vivre, ça ira de mieux en mieux, mais à cette époque-là, les grandes cités italiennes, c'est dans le nord du pays. Oui, effectivement, mais t'avais, enfin, ce truc de gros fiefs, de trucs comme ça, etc., c'est effectivement ce que t'avais aussi en Allemagne, ouais. Avant qu'il y ait une Allemagne unifiée, tu vois, dans l'idée. C'est-à-dire que... pour le Japon, je sais pas, mais en tout cas, en Allemagne, t'avais plein de petits... ils appellent ça des Länder, tu vois. Ok. Et en gros, c'est bah oui, c'est parce que l'unification a été faite assez récemment, je crois. Mais c'est juste que oui, c'est des régions qui peuvent vivre complètement indépendamment les unes des autres. Okay. Et qui dépendent pas d'un gouvernement, etc. Quoi. Ça a été... maintenant, elles dépendent du gouvernement, mais oui, ça reste les Landes. Oui. Oui, bah c'est comme les régions. Enfin, à l'heure actuelle, le fonctionnement en Allemagne et en France, c'est le même, mais à l'époque, c'était vraiment plein de petits trucs indépendants, des mini-pays, quoi. Comme le Vatican est resté une cité-État en Italie, Florence, oui, c'est ça. C'est resté, alors que Florence était une cité-État à l'époque du même type, quoi. Mm-hmm. Ou Singapour, enfin, tu vois, par exemple. Et donc, ces cités sont indépendantes, comme on l'a dit, et elles se font guerre entre elles, sinon c'est pas drôle, au Moyen-Âge.
et ça continue encore pendant les années 1400 encore, tu vois. Mm. Et pour citer un grand sage du nom de Wikipédia, durant la première partie de la Renaissance, se déroule une guerre quasi permanente sur terre comme sur mer entre les six États qui luttent pour la suprématie. Ouais. À savoir que toutes ces batailles se faisaient surtout grâce à des mercenaires qui avaient tout intérêt à prolonger les combats le plus longtemps possible pour rester payés et le plus longtemps possible pour rester en vie aussi, tout en prenant le moins de risques possible du coup. C'était donc des sièges qui étaient très longs et très statiques où il y avait finalement peu de bastons. Quoi. Ouais. Mais bon, c'était quand même des périodes de guerre. Quoi. Et en 1454, Milan et Florence signent un traité de paix, le premier depuis des décennies. C'est ouf, quoi, quoi. Et Venise, de son côté, bah, c'est la puissance maritime numéro 1 et donc quasiment intouchable, donc on la laisse faire ses bails. Tu vois. Donc c'est quasiment dans le contexte du jeu. Quoi. Mm. Et ça explique donc pourquoi ces villes sont les plus flamboyantes et sont les plus riches, et ce sont celles qui ont eu l'expansion du courant artistique le plus tôt. Parce que vraiment, tout allait bien, quoi. Donc, donc je fais un grand pas en avant pour parler de comment la Renaissance italienne s'est terminée. C'est qu'un des premiers événements historiques qui bouleverse l'Italie, qui mettra fin à la Renaissance italienne, c'est l'arrivée au pouvoir à Florence du moine Girolamo Savonarola. J'ai essayé, ça va passer. Il est venu au pouvoir de 1494 à 1498 et il instaura une dictature théologique, donc sous signe de la religion, du coup, évidemment, c'est un moine, à Florence, et mettra le feu à énormément de livres et d'œuvres d'art. Cet événement, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le bûcher des vanités. Ah. Loin de là. Et notre bon Ezio, il se frottera à ce dictateur, puisque un des DLC de la série 2 s'appelle le bûcher des vanités, justement. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait un temps un DLC. Il y avait un truc, ouais. Je détaillerai à peu près les DLC plus tard, mais là, je citais quand même. Voilà. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, bah, c'est Borgia qui fait buter ce dictateur. Dans la vraie réalité de la vie, en tant que pape. Quoi, tu veux dire que Assassin's Creed dérive un petit peu de l'histoire, mais non. Je comprends que tu doutes. Ah non, mais rien n'est vrai. Tout est permis. Voilà. Exactement. Donc ça ira mieux pour Florence après que ce dictateur parte, mais c'est quand même un premier événement qui signe des complications dans la Renaissance italienne. Et d'autant plus dans les années 1500, parce que dans les années 1500, bah, les autres pays à côté commencent à aller mieux. Et ils se disent, bah, l'Italie, ça va trop bien. Et du coup, bah, on veut de l'argent. Ils envahissent le pays, quoi. Par exemple, t'as les armées françaises qui ravagent le nord du pays, détruisent les cités, t'as... Désolé, les gars. C'est le deal. C'était nous, bon, bah... Pardon. Et... Mais il y a aussi les armées espagnoles et allemandes qui foutent le bordel, y a pas que nous, quoi, ça va. Et surtout, dans la foulée, bah, il y a l'Inquisition qui se met en place dans les années 1550, bref, c'est pas le top. Hein. Heureusement, bah, ces idées italiennes ont le temps de se propager dans le reste de l'Europe, donc c'est cool pour nous. Pour l'Italie, c'était un peu moins bien après, mais pour nous, c'était cool. Pour continuer dans cette partie historique, je vais revenir sur un petit encart en creusant un peu plus deux sujets qui sont abordés dans le jeu. Le sujet des Médicis et le sujet des Borgia. Mm. Donc d'abord, les Médicis, pour comprendre leur histoire, il faut savoir que dans ces années-là, un siècle plus tôt, ou peut-être davantage, j'ai pas de connaissances précises sur le sujet, j'avoue, bah, c'était le début des banques et des grandes banques d'Europe. Et les Médicis, bah, ils avaient grave de la thune, et ils ont fondé leur banque à la fin des années 1300. Leur banque, elle a un petit succès, puisque c'est la plus grande d'Europe, c'est la plus puissante d'Europe, et après plein de petites magouilles politiques et de conflits internes diverses et variés, ils prennent possession de Florence, ça veut dire qu'ils la gouvernent ouais, Florence. On va les voir juste après les Médicis. Effectivement. Et c'est surtout via Laurent de Médicis, que l'on sauve très tôt dans le jeu d'ailleurs, que ce pouvoir s'exerce le plus. Il atterrit au pouvoir très tôt, il a que 20 ans, il est au pouvoir après le décès de son père, et il fonde le Conseil des Sept, qu'il préside lui-même, et c'est sous son règne que Florence arrive à son apogée. Cependant, ce n'est visiblement pas forcément grâce à lui si Florence est à son apogée, car il est moins fort en commerce que ses parents, et la fortune de Médicis diminue pendant son règne, de même que ses relations extérieures avec le pape. Le pape va d'ailleurs s'allier avec la famille Pazzi, dans ce qu'on appelle la conjuration des Pazzi, dont le but est d'assassiner Laurent de Médicis. Ouais. Ces conjurations prendront place en 1478, 2 ans après le début des aventures d'Ezio. Alors, y aurait-il un lien dans le jeu, peut-être? C'est exactement ce qui est en train de se passer dans le jeu, là, tout de suite. En fait. Ok, d'accord. C'est pour ça. Là, va y avoir... La conjuration des Pazzi. C'est ça. C'est la prochaine mission, ou celle-là, par exemple. Mais je vous spoil la mission qui arrive alors, parce que la conjuration échoue et Laurent de Médicis survit. Pas sans faire, mais non, putain, t'es sérieux, on a déjà... On a pu mettre en pause et attendre qu'on y soit. Cette conjuration, c'est d'ailleurs après ce regain de popularité, parce que vu qu'il a survécu et tout, il a regagné en popularité, c'est grâce à ça qu'on le surnommera Laurent le Magnifique. Ah bah oui, c'est pas du bon stylo. Les Médicis garderont le pouvoir à Florence pendant encore très longtemps. La fille de Laurent deviendra reine de France, c'est Catherine de Médicis, la célèbre. Ouais.
Donc voilà pour les Médicis. On parlait maintenant des Borgia, qui sont une autre famille très importante qui sont abordées dans le jeu. Déjà, il y a eu un premier pape de la famille des Borgia, qui n'est pas Rodrigo, mais qui est Alphonse de Borgia. Mais celui qui nous intéresse, c'est son neveu, puis son, qui est devenu ensuite son fils adoptif, donc Rodrigo de Borgia. Okay. Borgia, pourquoi Borgia? C'est parce qu'en fait, c'est une ville espagnole, et il vient de là-bas, c'est pour ça que dans le jeu, il appelle l'Espagnol, souvent. Oui. Donc avant qu'il devienne pape, il était connu... C'est pas l'étranger. Avant qu'il devienne pape, il était connu pour être corrompu et pour ses orgies. Il était connu pour ça, Rodrigo de Borgia. Ah oui. D'ailleurs, les historiens ont de forts soupçons slash des convictions qu'il a acheté les cardinaux pour être élu pape. On ne sait pas exactement si c'est sûr et certain, mais surtout parce que les autres candidats, ils avaient aussi tenté de corrompre les cardinaux. Dans quelle belle époque. C'est juste celui qui a donné le plus de thunes qui a gagné finalement. Ouais. Mais si c'était pas lui, ça aurait été un autre. Donc au final, bon, bah, est-ce qu'on peut vraiment l'en blâmer? Et Rodrigo de Borgia, il a amené des prostituées au Vatican, il a organisé une giga orgie pour fêter le mariage de sa fille. Ah, c'était la belle époque quand même. Il avait 70 ans le mec, et il a invité plein de prostituées, et il a organisé un concours de celui qui tiendra le plus longtemps. Sérieux? Et dans ce qu'il appelait un concours de virilité. Cet événement s'appelle le banquet des châtaignes, et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait les prostituées continuaient à se dévêtir et tout. Et après, les mecs, ils ont balancé des châtaignes sur le sol et les prostituées se baissaient pour les ramasser. Du coup, on appelle ça le banquet des châtaignes. Le mariage de la fille de Rodrigo de Borgia, quand il avait 70 ans. Oh putain, c'est ça. C'est trop sale. C'est incroyable. Mais en même temps, on vit plus les trucs comme ça. c'est le jeu et de moi, je trouve que c'est un peu dommage. T'imagines, c'est pour le mariage. C'était mieux avant. T'imagines si Macron, il commençait à faire ça, enfin, tu vois, genre... Pour le mariage de... T'en sais rien. Hein. Bah, pour fêter la fin du Covid, gigantesque orgie sur les Champs-Élysées, on invite tout le monde et on met des châtaignes sur le sol. Non, avec le jeu de l'olive, aujourd'hui, c'est le jeu de l'olive qui l'a remplacé. C'est un autre délire, on va pas rentrer dans... C'est à peu près la même chose... On a juste changé de nom de fruit, quoi. Bref. Et du coup, a priori, il n'y avait pas trop d'embrouille entre les Médicis et Borgia. Pas connu en tout cas, ou pas trouvé sur Wikipédia et là, autres. On voit les Médicis. C'est les Medici. Ah, pardon. Parce qu'en fait, à l'époque, le pape qui a essayé de tuer les Médicis, c'était pas Rodrigo de Borgia. Donc, a priori, il n'y avait pas trop d'embrouille entre Borgia et les Médicis. En tout cas, j'ai pas trouvé et c'était pas le plus important. C'est normal parce qu'il n'était pas au pouvoir. Oui, mais après, tu vois. Ouais. Parce que dans le jeu, c'est un peu lui ça, c'est la conjuration des Pazzi. C'est ça. Ah. Lui, c'est Lorenzo. Non, enfin, Laurent, quoi. Mais Lorenzo. Ah non, c'est lui, Lorenzo. Son frère, il se ressemble. Il y a son frère qui meurt, par contre, je sais plus son nom. Mais il y en a un qui doit être mort. Il prend. Voilà. Je crois que lui, il ne réchauffera pas, même si. Ouais. Donc, là, lui, moi, c'est je me dis, qu'est-ce qu'il fout? Il regarde, il attend. Il regarde. Bah, il se dit, ça ne me regarde pas, ces histoires. Il est venu pour le sauver. C'est pas ma vie. Non, mais voilà. Mais mais juste, je vais faire un tout petit. T'as fini sur les Borgia ou pas? Pas encore, tout à fait. Bah, vas-y, lâche-toi. C'est juste pour dire que voilà, il n'y a pas trop d'embrouille avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est César Borgia, le fils de Rodrigo, qui sera encore pire en termes de corruption et de méfaits, puisque c'est lui qui inspira le prince de Machiavel. Donc, pas rien quand même. Hein, quand c'est toi-même dont Machiavel parle dans Le Prince, c'est quand même que t'es pas mal. Je vais pas rappeler ce que c'est que le prince de Machiavel. Bah, tout le truc d'être machiavélique, ça vient de toutes les définitions que Machiavel a définies. Donc justement, le prince, après, c'est un ouvrage philosophique avant tout, donc je l'ai pas lu, je ne vais pas dire le détail. Mais en gros, bon, c'est toi qu'on prend comme référence pour parler de quelqu'un de machiavélique, c'est quand même que tu t'imposes un peu ton domaine, quoi. Ouais, c'est ça. T'es plutôt pas mal. Saviez-vous, c'est beaucoup plus efficace de se battre avec la double lame. Ouais. On en reparlera après, mais effectivement, ouais. J'ai découvert ça à la fin du jeu, j'ai fait oh, bon. Ouais. Ah, mais ça, on parlera plus de César de Borgia plutôt dans Brotherhood, puisque c'est le sujet de Brotherhood. Et bref, avant de passer au jeu, juste pour dire que pour respecter la fidélité historique, l'équipe s'est entourée d'historiens, évidemment, spécialistes du genre, qui ont pu donner leur avis sur la manière dont ils ont recréé les villes, mais aussi sur la manière dont les personnages parlent, pour veiller à ce qu'ils respectent le phrasé de l'époque. C'est classique. Enfin, c'est classique de nos jours, à l'époque, c'est sûrement pas peu commun encore, et très bien. Oui, effectivement, parce que moi, je voulais juste appuyer sur le fait que quelques années après la sortie de Assassin's Creed 2, Il y a la série Borgia de Canal+, je crois, qui est sortie peut-être un ou deux ans plus tard, après Assassin's Creed 2, qui relate de tous les excès de Borgia, etc. Je crois qu'il y a un épisode qui s'appelle Borgia des Châtaignes. J'avais vu ça, t'as vu ça sur Google, et j'avais vu genre le nombre d'épisodes et tout, saison 2, un truc comme ça. C'est que si tu veux lancer l'épisode, je pense que c'est une version censurée, cela dit. Mais effectivement, mais apparemment c'était une bonne série, donc je mets ça ici. Si jamais vous voulez creuser. Exactement. juste par rapport au contexte historique, je voulais juste appuyer sur un truc qui va peut-être influencer sur mon avis du jeu et sur pourquoi est-ce que je le kiffe autant. Mais c'est parce que quand j'étais petit,
J'avais participé à un spectacle vivant où c'était plein de figurants, etc. C'était un spectacle vivant qui se passait dans le Val d'Oise et tout, mais qui s'appelait Leonardo, je crois. Et du coup, t'avais 200-300 personnes, et en fait, c'était la vie de Léonard de Vinci, etc., okay. Mise en scène, avec la musique qui représentait la Toscane, il donnait un petit peu le contexte historique de sa vie, sur les Médicis, etc., etc. Donc du coup, c'est un truc qui m'était totalement familier, en fait, quand je suis retourné dans le jeu, et donc, je sais pas à quel point ça a vraiment, genre, influencé mon appréciation du jeu, mais en tout cas, ça... Ça jouait, quoi. Ça a peut-être joué, ouais, effectivement. C'est possible. En tout cas, c'était cool, ça. Ouais. Du coup, on va passer maintenant à la partie sur l'histoire du jeu. Et on va commencer par dresser l'histoire d'Ezio, d'abord. Hein. Oui. En faisant un petit synopsis global. Mm-hmm. Et donc, c'est l'histoire d'Ezio Auditore da Firenze. Ouais. Petite parenthèse, d'ailleurs, Ezio est un prénom dont l'origine grecque signifie aigle, ou celui qui vole. Donc, encore une fois, un prénom en lien avec l'aigle, comme l'était Altaïr. Voilà, exactement. C'est toujours sympa à savoir. Et son histoire commence, en réalité, non pas en 1476, comme je l'avais dit plus tôt, mais en 1459, puisqu'il démarre à la naissance d'Ezio, qui fait office de tutoriel pour comprendre les mouvements de base. Et plutôt une bonne idée. Hein. C'est une excellente idée, je trouve. Bon, malheureusement, déjà utilisé un an plus tôt par Fallout 3. Hasard ou inspiration, puisque dans le rush et tout, peut-être pas. Probablement inspiration quand même. Hein. L'histoire ne le dit pas, parce que tu peux très bien ne pas savoir que c'était là et tout. Ouais. Mais, en tout cas, c'est une vraie volonté de Patrice Désilet. Qui voulait qu'on puisse suivre l'évolution d'un héros du premier jour de sa vie jusqu'au jour de sa mort, dans l'idée. Et Ezio, d'ailleurs, sans doute le seul héros de jeu vidéo dans lequel on a un tel suivi, puisque, alors ça se fait pas au sein d'un seul jeu, mais tout au long de la trilogie, puisque tout le principe de Révélation, le dernier de la trilogie, c'est que ce soit la fin de la vie d'Ezio. Après, perso, je l'ai pas fait, donc je saurais pas en dire plus, et je veux pas dire spoil ou quoi, parce que juste je l'ai pas fait, c'est plus de l'interprétation qu'autre chose. Mais a priori, de ce que c'est censé quand même de la raconter... La fin. Quoi. Donc c'est une belle histoire, et qu'on puisse raconter ça en jeu vidéo, je trouve ça quand même assez stylé, finalement. Mm. Et donc voilà, Ezio d'ailleurs, même pour AC2, parce que j'ai dit que c'était aussi tout au sein de la trilogie que Ezio allait évoluer, mais même rien qu'au sein de Assassin's Creed 2, l'ambition était déjà de suivre un héros, un personnage, pendant plusieurs décennies, parce que le vrai jeu, donc passé tutoriel, il commence, comme j'ai dit, en 1476, et il se termine en 1499, donc il s'écoule donc 23 ans entre le début de l'aventure et la fin. C'est vraiment ce que dans les making-of, ils disent que le jeu se termine en 1503, donc j'imagine qu'il y a eu des petits changements de dernière minute sur les dates, donc c'est assez drôle, quoi. D'ailleurs, c'est un truc qu'on remarque absolument pas dans le jeu, le temps ouais, qui passe, c'est un reproche dont je reviendrai plus tard, c'est un super parti pris, mais est-ce que c'est vraiment bien fait, au moins dans AC2, on va voir ça tout de suite. Donc le point de départ de l'histoire, c'est que tout commence quand Ezio a 17 ans, il mène une vie frivole, il grimpe dans la chambre des filles, il se bat dans la rue contre ses adversaires. Le début du jeu, moi je trouve vraiment incroyable. Ouais. La mise en situation, quand j'ai lancé le jeu, j'étais pas du tout chaud pour Assassin's Creed 2, pour le refaire, parce que j'avais déjà fait aussi comme tout le monde. Et quand je l'ai lancé, vraiment la manière dont c'est fait, la petite intro, la petite tutoriel, et puis juste après, la manière dont c'est fait avec la musique, sa vie, comment tu vois qu'il vit sa vie avec son frère, avec ses amantes, etc. C'est vraiment... C'est vraiment super bien fait. La scène avec son frère sur le toit, elle est incroyable. Ouais. Franchement, même en le refaisant en 2021, ça a pas pris une ride niveau mise en scène et tout. Tu dis, wow, il y a eu un gap de fou, quoi. Franchement, ouais. Au début, en tout cas. C'est ça. Et surtout, malheureusement, les Pazzi conspirent contre les Médicis, on en a parlé tout à l'heure. Et puisque la famille Auditore, qui est une famille fictive en vrai, hein, et dans l'histoire du jeu, elle est du côté des Médicis, et les Pazzi commencent leur conjuration en s'en prenant aux Auditore. Donc du coup, il y a tout un prologue où on passe du temps avec chacun des membres de notre famille, notre mère, notre sœur, notre père, notre grand frère et notre petit frère, avec des scènes vraiment très sympas, comme on l'a explicité, jusqu'à ce que malheureusement, les Pazzi arrivent à faire condamner les Auditore pour trahison et exécutent notre père et nos deux frères sur la place publique. Est assez vénère en fait, c'est assez début, parce que franchement, moi je m'en rappelle pas. C'est tout début du jeu, moi je me souvenais qu'il mourait, après comment c'était fait, je m'en souvenais pas. Et ouais. C'était plutôt bien fait en vrai. Franchement, c'est vraiment. Y'a pas vraiment de hors-champ. Hein. Le hors-champ, ça se passe vraiment sous tes yeux quoi. C'est plutôt bien fait, et puis surtout, même encore maintenant, alors bien sûr, la mise en scène a un peu vieilli, ça reste assez efficace. Et donc c'est qu'à l'époque, je pense que ça devait vraiment être très bien fait. Ouais, moi j'en gardais un souvenir fort quoi, je m'attendais pas trop à ça quoi. Et le deuil fait vraiment partie des thèmes abordés par le jeu, et c'est d'ailleurs plutôt bien fait, au moins en début du jeu, je dirais. Il y a quelque chose que j'ai jamais capté moi-même, mais c'est Patrice Désilet qui en parle dans sa masterclass, c'est que dans Assassin's Creed 2, les collectibles sont des plumes. Alors les plumes,
si on ramasse des PV, c'est parce que notre petit frère nous a demandé de le faire avant de mourir. Et ça va plus loin que ça, c'est parce que dans la quête où avec ton petit frère, il nous disait de faire ça, le frère disait, va me chercher 3 plumes, et Zoro il fait, bah, pourquoi faire? Et son frère répond, bah, c'est un secret, je te le dirai quand tu reviendras. Sauf que, bah, c'est la dernière fois que tu le vois. Du coup, bah, tu n'auras jamais la réponse dans le jeu à cette question, qui est une question toute simple et toute bête, mais c'est une vraie volonté de design de la part de Désilet, parce que selon lui, la mort d'un personnage dans un jeu, c'est pas grand-chose. C'est pas facile, enfin, pour que le joueur ressent quelque chose, c'est pas évident. Et tu tues des gens tout le monde tout le temps dans un jeu, enfin la mort d'un personnage ça représente pas grand chose, donc il voulait trouver un moyen de signifier la perte, et donc pour que le joueur perde quelque chose, il s'est dit bah voilà, là tu restes sur une frustration, t'as pas eu la réponse, t'as pas eu la finalité de cette histoire, et dit que bah c'est comme ça dans la vie, quand tu perds quelqu'un, t'as pas toujours la finalité de ce que tu voulais avec cette personne, et c'est ça qu'il voulait transmettre. Et dit qu'il a longtemps reçu des messages de fans qui voulaient savoir le secret du frère et tout, et apparemment, il a une vraie raison, enfin, il a vraiment trouvé une vraie réponse à cette question, il n'a pas juste dit ça comme ça. D'accord. Mais il dit qu'il ne la dira jamais. Bah oui. C'est dommage, ça cacherait tous les faits. Oui. Alors, il dit, bon voilà, maintenant je m'en souviens vite fait, parce que ça y est longtemps, mais il y en avait vraiment une, quoi. Et bref, voilà, ramasser les plumes en collectible, bah, en fait, c'est perpétuer la mémoire de notre frère. Il y a beaucoup de symbolisme dans cette quête annexe, et c'est assez bien joué de sa part. Voilà. Perso, ça m'a rien fait de spécial en soi, mais... tu sais, ce côté le secret et tout, j'avais même pas trop capté. Ouais, c'est mais ça, c'est parce que c'est pas, ils insistent pas trop dessus. Moi j'ai capté quand même, je me posais la question, tu vois. Mais je me suis dit que peut-être que t'aurais la réponse soit à la fin de la quête, soit que tu l'aurais pas. Mais bon, du coup, tu l'as pas. Parce que je l'avais fait, j'avais platiné à l'époque, hein, mais... Ah bah moi aussi, ouais, du coup. Zéro souvenir. Mais voilà, en tout cas, la fin des morts des gens de la famille, bah là, je m'en souvenais, donc ça m'a pas fait grand chose au coup. Si ce n'est que c'était bien fait, mais j'ai pas eu genre... Oh ouais, je m'en souvenais. Mais à l'époque, je pense que ça a dû me choquer, ou j'ai dû au moins être attristé avant de m'en faire mourir comme ça à l'écran. Enfin, ouais, c'est quand même ça, pas tous les jours, quoi. Allez. Du coup, voilà, bah, Assassin's Creed 2, c'est avant tout une quête de vengeance, d'abord contre les Pazzi, puis ensuite contre tous les membres de la Conjuration. Et ça tombe bien, parce qu'il semblerait, pour Ezio, que sa famille soit liée aux assassins. Oh, mais non. ça, en vrai, quand tu... Du coup, juste après l'exécution... Enfin, juste avant l'exécution, en fait, il récupère la clé du coffre où il y a toute la tenue de l'assassin de son père. Je ne sais pas encore ce à quoi ça correspond, voilà. À ce moment-là. Ouais, truc ça. Assez classique au final, mais c'est pareil, encore une fois, c'est assez bien fait. Et du coup, j'étais vraiment pas mal dedans, quoi. C'est simple, mais là, à ce moment-là, c'est bien foutu. Tu fais, ouais, t'as envie d'avoir la suite et tout. C'est clair. Et donc. assez violent ce qui t'arrive. La paraplégie Gavi, là, mon gars. J'ai survécu à ça. Du coup, Ezio va devoir poursuivre l'héritage de sa famille et adopter les valeurs du groupe des assassins. Il le fera d'abord pour lui-même, pour se venger, puis il le fera pour la justice. Il est marqué dans les trailers, par contre. Hein, ouais. C'est vraiment comme ça. Il se battra d'abord pour lui-même, puis pour la justice. Voilà, trailer américain. Il sera aidé dans cette tâche par son oncle Mario, qui lui aussi fait partie du clan des assassins, et il lui enseignera les valeurs, machin, sans lui en parler tout de suite, de tout le bordel, assassin versus templier, ça, il dira ça plus tard. Et en faisant ça, Assassin's Creed 2 il corrige un des défauts de Assassin's Creed 1, qui n'était pas vraiment un pour moi, en tout cas pas quand je l'ai refait, mais qui a été vraiment reproché à l'époque, c'est qu'on incarnait un maître assassin alors que nous, en tant que joueurs, on était débutants. Et du coup, bah, l'assassin, il faisait des trucs de débutant, quoi. Parce qu'on t'apprenait tous les trucs du métier alors que t'étais un maître. Bah, c'était expliqué par tu as été destitué, blablabla. Et t'as perdu tout ton équipement, mais bon, même malgré ton équipement, tu es quand même censé être badass, quoi. Enfin, oui, bah, mais bon. Du coup, j'y corrige cet aspect-là, parce que dans Assassin's Creed 2, on a une vraie origin story avec un perso qui n'a pas été éduqué comme assassin, mais qui fait déjà du parcours pareil. Hein. Ouais, c'est clair, il avait un peu ça dans le sang quand même. Ça sentait. Comme Harry Potter, il avait ça dans le sang. Et ensuite, il va enfiler le costume, et puis quand on y pense deux minutes, en fait, ça fait très début de film de super-héros, en fait. L'héros, il perd sa famille, il enfile le costume, reprend le relais, machin et tout. Mais ça marche plutôt bien. Et l'idée, c'est qu'en fait, on peut beaucoup plus s'attacher à Ezio, déjà par le simple fait qu'on voit son visage, alors qu'Altaïr, il gardait toujours sa capuche, mais aussi parce qu'il y a beaucoup plus de contexte, on le voit évoluer, tout ça, et ça marche d'autant mieux... Bah oui, parce que tu vois sa famille, ses amours, comme ça, quoi. Et ça marche d'autant mieux que, bah, AC2, il a énormément de cinématiques. On en voit là, mais dans le 1, t'en as pas des cinématiques comme ça, t'as juste des cinématiques in-game. Ou alors, si t'appuies sur une touche pendant les phases d'assassinat, quand tu discutes avec le mec mort, un petit peu de mise en scène dans un décor tout flou. Ouais, mais t'avais quand même un tout petit peu de mise en scène des fois, tu sais, quand t'introduisais un méchant ou un truc comme mais ça, tu vois. Mais c'était in-game toujours. Oui, oui, non, mais là, pareil, c'est in-game, mais. Tu veux dire, là, t'as une vraie cinématique. Non, il y avait des vraies cinématiques dans Assassin's Creed 1,
Bah, tu sais, par exemple, le gars qui te... Enfin, qui va casser les jambes, on a vu ça dans le test, mais qui avait cassé les jambes d'un malade ou un truc comme ça, etc. Ah, là, ça se passe sous tes yeux pendant que tu joues, en fait. Oui, et t'avais... La caméra se recule un peu pour que tu le vois d'en haut, mais t'étais... T'avais quand même une touche aussi pour avoir une vue cinématique... Ça, je l'ai jamais fait de tout le jeu, en fait. Ouais. C'est pour ça que pour moi, il y a... Non, mais même, c'est pas comparable avec ce qui est ici. Non, bien sûr, alors là, c'est complètement différent. Il y a vraiment un niveau au-dessus. Ouais, c'est ça. Franchi une étape. C'est clair. Et en plus, elles sont régulières, elles sont plutôt bien fichues, et mine de rien, bah, ça change pas mal de choses, on est bien plus facilement immergé dans ces histoires. Mais quoi, comme on l'a dit, l'histoire d'AC2, elle est longue, et il faut qu'elle tienne plus de 20 ans. Donc des ennemis, et Dieu, il n'y en aura pas qu'un seul, il y en aura plein. Et on continuera de découvrir de nouveaux noms qui participent à la conspiration, etc., etc. Contrairement au 1, le 2 n'est pas, cependant, pas une succession d'assassinats. Enfin, si, il y aura toujours des assassinats à faire, mais c'est pas juste le seul but, tu vois. Il y aura plus des péripéties, le jeu est davantage construit autour de péripéties plutôt qu'autour de personnes qu'il faut exécuter. Donc il y aura des événements qui forceront Ezio à quitter Florence, ensuite à aller s'attarder dans des petites villes en Toscane, puis revenir à Florence, puis aller à Venise, voilà, c'est vraiment porté par des péripéties. Et là, le scénario sera vraiment nous faire vivre des choses vraiment variées. On en parlera plus tard quand on parlera des missions, mais c'est un truc qui réussit plutôt bien, genre il arrive à créer de chouettes contextes, comme avec le carnaval de Venise, notamment, qui est certainement une des séquences les plus célèbres de ce jeu-là. Oui, et surtout qui a été présenté, c'était un des tout premiers trucs de présentation de... Ah oui, la cinématique en image synthèse, la cinématique, là. Incroyable encore, cette cinématique en image synthèse. Ouais. Tu la revois quand tu laisses le jeu tourner sur l'image, le menu principal. Et à chaque fois, je me dis, mais putain, ces cinématiques qu'ils faisaient Ubisoft, c'est des jeux aussi bons. Mais incroyable. Mais surtout, après, il y avait une vidéo de gameplay aussi du carnaval à Venise, etc. Okay. Où, alors, c'était plus un proof of concept ou plus une vertical slice qu'autre chose, quoi. Parce que, je sais plus, mes souvenirs sont très flous parce que c'était une des premières conférences de 3 que j'avais vues et qui était en 2009, du coup. Mais en gros, ouais, c'était genre, tu commences au carnaval, après tu prends une machine volante, et après t'arrives et tu assassines quelqu'un, et c'est la séquence s'arrêtait là, quoi, en fait. Et ce que tu retrouves pas vraiment dans le jeu, au final. Ouais, en fait. Mais effectivement, le carnaval de Venise, séquence incroyable, visuellement, etc., c'est vraiment un chouette moment, quoi. Et ce qui participe aussi au fait qu'on est bien à fond dans le truc, c'est que Dio, il est très bien entouré, puisqu'on verra accompagné de Léonard de Vinci, de Machiavel, mais aussi des membres restants de sa famille, et d'autres personnages qui sont plutôt bien mis en avant. Ça aide à rendre l'univers vivant et crédible. Moi, je trouve ça top, quoi. Franchement, c'est une idée de génie d'avoir Léonard de Vinci, qui est le Q de James Bond, de Ezio, quoi, enfin, qui crée des gadgets et tout, c'est ouais, hyper clairement, stylé, Léonard de Vinci, c'est pas juste tu le croises, c'est ton bro, quoi. C'est ouais, le mec que tu vois du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et les développeurs sont super fiers de l'avoir mis jeune, parce que le seul portrait qu'on connaît de Léonard de Vinci, c'est quand il est âgé, il a fait son autoportrait, il était vieux, barbu, tout ça. Et là, ils sont tellement fiers qu'ils restent jeunes tout le jeu. Oui, c'est vrai. Mais d'après les textes de l'époque, Léonard était décrit comme un des plus beaux mecs de Florence. Donc, ouais. Tu vois, ils l'ont fait beau gosse, mais en fait, c'est historique. Ouais, c'est ça. Il avait aussi fait de la prison pour ce début. Bon, après, ça, c'est un autre problème. D'époque, on va dire. Et en trame de fond, petit à petit, un autre ennemi viendra pointer le bout de son nez, le vrai grand méchant du jeu. Rodrigo de Borgia, bien sûr, mais non. En parlait tout le temps au tout début, et qui aspire à devenir pape. Mais ça, on le sait pas dans le jeu tout de suite, mais on le sait en vrai quand tu connais un peu son histoire. Ouais, parce que moi, quand j'ai fait le jeu à l'époque, je savais pas du tout. Hein. Je savais pas qui était ce mec. Moi, je me rappelais pas non plus. En faisant, j'avais complètement oublié. Moi, ça avait marqué qu'à la fin, on se tape contre un pape. Quand même. ça, je savais. J'ai oublié la réalité historique et tout derrière, quoi. Okay. Parce que depuis, j'ai fait des jeux Assassin's Creed où la réalité historique, c'est pas le principal. Mais ça range avec, quoi. Oh, surtout... T'as fait quoi? T'as fait Assassin's Creed 1, 2, Origins? Je parlais juste d'Origins. Voilà, c'est ça. Et en même temps, Origins, il se passe tellement loin que c'est un peu difficile de coller à la réalité. Ils sont loin. En tout cas... Et dans tous les cas, ils sont loin de la réalité. C'est des conclusions, là, à traumatiser VGM comme il faut. Et donc voilà. Mais voilà, on sait qu'il fait ses petites magouilles, Rodrigo de Borgia. Et puis surtout, dans cet univers-là, c'est un Templier, donc du coup un ennemi juré de Dieu. Mais non. Et donc il est à la recherche d'un fragment, le fragment d'Eden, qui pourra lui donner des pouvoirs. Donc voilà en gros tout le contexte qui constitue l'histoire d'Assassin's Creed 2. C'est une histoire qui est riche, foisonnante, qui peut être prenante, et qui était vraiment cool en 2009. Et bon, je vais mettre un peu à me faire taper sur le dos, parce que je vais mettre à parler un peu de ce qui m'a déçu. Puis ouais, vous renchérir ou pas, ou défendre... C'est sérieux? Ouais, je vais parler de mes déceptions. Ok. Vous pourrez renchérir pour dire ce que vous voulez. Voilà.
Voilà pourquoi je trouve qu'en 2021, bah, pour moi, cette histoire a quand même pris un sacré gros coup de vieux. Et ça me plaît quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Après, c'est peut-être moi aussi qui a pris un gros coup de vieux. À l'époque, j'avais que 18 ans après tout. Maintenant, bah, je suis peut-être plus regardant. J'en ai un peu plus. Ah, vous faites plus 11, hein, c'est facile. Surtout pris un coup de vieux. Je sais pas, mais toi, c'est pas facile. Peut-être que moi, tu vois, j'ai pris un coup de vieux. Peut-être que j'ai mûri. Que tu t'es peut-être bonifié avec le temps. Comme un bon vin. Mûri, je sais pas. Mais c'est une question. Ça dépend. Si tu parles d'un fruit qui grossit avec le temps, c'est bien mûr. Un fruit, ça peut être trop mûr, effectivement. Bon, bah, c'est une question. Bon, bah, salut. Je laisserai répondre à ces questions-là dans les commentaires. Je pensais que le gars est assez mûr. Pour les femmes mûres. Donc voilà, rassurez-vous, je vais quand même pas trop taper sur le jeu. Je sais qu'il a peut-être un grand fan, mais il y a aussi d'autres grands fans qui nous regardent qui ont peut-être fait oh mec, fais gaffe. Non, mais en vrai, ça va. Chacun a le droit à son avis. Ouais, c'est ça, mais voilà. Ça dépend quel avis. Donc voilà mes déceptions. Déjà pour commencer, je trouve que le début du jeu est super bien. Il fonctionne à mort. Parce que il raconte la mort de la famille, la vengeance, c'est ultra prenant, mais en fait après je trouve qu'il fait traîner son histoire en longueur, sans vraiment avoir beaucoup de matière quoi. Au début il a à fond sur la vengeance et après bah ça traîne tellement longtemps que je trouve que quand t'es au bout de la quatrième personne, cinquième personne qu'on bute sans trop savoir pourquoi, bah ça devient vite assez creux en fait et pourtant le jeu il parle beaucoup quoi, c'est très herbeux, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de cinématiques, mais le quatrième ou la cinquième personne que tu butes, tu t'en fous un peu, au bout d'un moment t'es plus trop dans l'énergie de ce début ou... Surtout que, juste pour une parenthèse, c'est qu'il y a un moment, bah, juste après cet endroit-là, là, je crois, ouais. T'as genre 5-6 bah, tués sur la carte dans l'ordre que tu veux. Ouais. Et elles sont un peu claquées au sol, les 5. Oui. Donc c'est sûr que ça aide pas à te dire que eux, c'est des grands méchants conspirateurs, alors que, en fait, parce que là, on a vu, on t'a tué, du bétail, quoi. T'as tué Paddy, le numéro 1, le grand et tout, ouais, donc c'est là, là, c'était le grand mec, et après, c'est des petits sbires, quoi, donc... D'ici ton chemin jusqu'à Rodrigo de Borgia, tu vas taper quand, surtout quand des petites cibles dont tu te bats un peu les couilles. Alors, t'as quelques grands noms historiques que tu as buté, qui font partie des vrais gens, qui ont fait des trucs pas bien et tout, en vrai, donc c'est des trucs plutôt sympas, mais dans l'idée, je trouvais que bah, petit à petit, le cerveau, il s'essoufflait, en fait, voilà, je peux le dire. Okay. Je trouve que le jeu, il dure trop longtemps. Okay. Et c'est corrélé à un autre problème du jeu, qui est pour moi celui des ellipses. Ça rejoint ce que tu allais dire, VGM, qu'on voit pas le temps passer, parce qu'en fait, le jeu, il a des ellipses temporelles tout le temps. T'as tous les chapitres, on saute 2 ou 3 ans. Et il le dit même pas. Si, si, il le dit. En fait, il affiche l'année. Il affiche la date. Mais en fait, il faut suivre les années, quoi. C'est ouais, ça. Personne fait ça. Bah, c'est ça. C'est... Enfin, à part toi, peut-être. En fait, c'est tout le problème, c'est qu'effectivement, genre, ça te dit. Bah. 1476 au début, et après 1478. Là, t'es en 1478 normalement. Et après, ce sera 1484. Mais tu fais pas gaffe, en fait. J'avais rien remarqué, à un moment, il dit où de l'histoire, il fait. Ça fait désormais 10 ans que ma famille est morte. Et je fais what? Là, gros, t'as la même tête. J'ai jamais rien capté qui s'était. Mais tous tes potes ont la même tête. Personne n'a changé. Et t'es là, mais. Attention, et à la fin du jeu, ils mettent une barbe à Ezio. Oui, mais pour la dernière mission. Et là, tu te dis putain, il est badass. Et là, j'ai enfin l'impression qu'il y a du temps qui s'est passé. Cela dit, quand t'as fait le DLC comme moi, en fait, la barbe, il l'a du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas une barbe de 3 ans. C'est... Après, quand tu compares le modèle 3D de Ezio au début du jeu et à la fin du jeu, c'est pas le même. Clairement, il a changé. Ouais. Bah, je pense qu'il y a. C'est un petit peu. Genre, il change un petit peu sa coupe de cheveux, etc. Mais en fait. La base est la même. Oui, la base est la même. Mais en fait, ça vient vraiment. Alors, je sais pas si on en avait parlé dans le tasse du 1 pour le coup, parce que j'étais un peu concentré sur le jeu. sur jouer. Mais effectivement, en fait, c'est vraiment la conséquence un peu nulle de leur choix de direction artistique, où en gros, bah, il faut que Ezio ait la même tête que Desmond Might. Et il faut que Desmond Might ait la même tête qu'Altaïr, mais on voyait pas avec la capuche. Oui, bah tu le voyais moins, mais effectivement, ils avaient en gros, c'était genre, il faut que Ezio ait la même tête que Desmond Miles, parce que tu passes par l'animus et que du coup, bah Desmond, il est dans la peau de Ezio et du coup. En fait, c'est bien fait, parce que tu ne dirais pas que c'est le même personnage, même si effectivement, ils se ressemblent bien, mais le contexte, les costumes et tout ça, les cheveux. Oui, voilà, ils se ressemblent beaucoup quand même. Mais effectivement, c'est ça le problème. Donc du coup, tu as la même tête, enfin, tu as le même visage quasiment pendant tout le jeu. Et du coup, tu vois pas vieillir, quoi. Vieillir, tu vois pas plus de rides quand c'est 10 ans plus tard. C'est pas que lui, parce que genre, tu vois, Claudia, sa sœur, au début, elle a 15 ans, à la fin du jeu, elle a 40 ans, elle a la même tête. C'est ça. Attends, et en plus, elle te dit toujours la même réplique. Hein. Mais tout le temps. Qui est « Do you want to look, have a look at the book ?» Et puis c'est tout, et elle a pas bougé depuis de son bureau. Tu veux regarder le livre ? Ouais, c'est ça. Et puis pareil, t'as l'architecte qui est à côté, là, qui a la même gueule, qui est resté debout pendant 40 ans. Puis la mère aussi, elle s'est pris 15 ans dans la gueule. Ah, sans bouger. La mère, ça fait 25 ans qu'elle pleure son fils, au bout d'un moment, remettez-en, quoi. Genre, je sais que c'est triste, mais quand même, au bout d'un moment. Je veux dire, passion. Parce qu'en fait, t'as pas cette taille, c'est triste, mais.
Parce qu'en fait, tout le jeu, tant que t'as pas apporté les plumes, elle pleure dans la chambre. Je veux dire, au bout là, oh non, elle prie. Ouais. Genre, elle prie comme ça pour 25 ans pour l'âme de son fils. J'ai dit, au bout là, c'est bon, quoi. Ah, c'est triste, hein. Ce sera une douleur toute ta vie, mais bon, fais un peu autre chose, quoi. Fais quelque chose, meuf. C'est bon, ça va pas aller, quoi. Non, mais oui, effectivement, il y a ce problème-là, et ça, c'est vraiment... Alors, c'est un truc qu'ils vont corriger dans Révélation, où ils vont s'affranchir de cette limite-là de... Tu vas voir vieillir Ezio dans Révélation, parce que il aura plus la même tête que Desmond aussi, déjà. Ouais, ok. Et... Mec, qui en saurait. Ah, c'est une vidéo, ça. C'est quelque chose, hein. Oh putain. Ou c'est peut-être ça, c'est Maxi en soirée. Non, c'était avant, quoi. Genre, qui se prend pour Sparda. Bref. Mais du coup, voilà, c'est effectivement un gros défaut du jeu. Tu vois pas les années passées. En fait, le truc, c'est que il se passe un truc. T'as le petit ellipse temporelle, on te montre la ville où tu vas aller avec la nouvelle date. Donc, si tu suis, tu vois, mais bon, en vrai, tu suis pas. Mais même si t'as suivi, en fait, le jeu reprend pile où il s'était arrêté. En fait, il s'est rien passé entre. Ouais. Genre littéralement, il se passe un truc et la suite, c'est comme si c'était écoulé une nuit, quoi. Il n'y a pas un changement de paradigme, à part à la fin. Ouais. Vraiment à la fin, il se passe 10 ans, puis d'un coup, on te dit, Rodrigo Borgia, il est pape. Ah bon? D'accord, ouais, ça, depuis 5 ans, ah d'accord, ok. Donc voilà, enfin, c'est... Je me suis endormi combien de temps? Voilà. c'est trop bizarre, enfin, t'as l'impression qu'il se passe rien pendant des années où tu joues, et du coup, c'est... où tu joues pas. Ouais, c'est du coup, ça. Tu comprends pas, en fait, c'est assez bah oui, voilà. Pas très bien fait, quoi. Les personnages ne vieillissent pas, la ville ne bouge pas vraiment non plus, etc. Ah, la ville, elle bouge un peu. Il se passe des trucs dans la ville, il y a des bâtiments qui sont pas construits, qui sont construits ensuite, ça c'est assez bien fait. Ah, ok, cool. Moi, j'avais pas remarqué, effectivement. Ouais, il faut faire ensemble. En fait, c'est l'endroit où tu fais des échafaudages, à la fin du jeu, il n'y a plus d'échafaudages. Ah, c'est en fait, tu le vois dans les transitions temporelles où on te montre justement la ville où t'es, et t'as un changement, et tu montres le nouveau modèle, et tu changes un peu quelques trucs. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Mais pour les personnages, moi, c'est ça qui fait que pour moi, toute l'histoire autour de Rodrigo de Borgia, c'est un pétard mouillé parce que, genre, c'est un mec mystérieux qui fait que de répéter pendant tout le jeu que son plan se passe bien, etc. Et ça reste creux. Tout fait partie du plan. Et au final, son ascension va être complètement secondaire parce que, sur son pouvoir en tant que pape, parce que le principal truc qui kiffe Borgia, enfin qui veut, c'est le fragment d'Eden. Et sans doute, tout ce que Borgia fait d'intéressant dans l'histoire se passe pendant les ellipses du jeu. À un moment donné, il te parle du fragment, au bout d'un moment, il va le chercher dans une ellipse. Il revient, il a le fragment. Là, tu lui pètes la gueule, tu récupères le fragment, enfin... Et après, il y a un nouvel ellipse, et là, il est pape. Enfin, je veux dire, moi, je pensais vraiment que le jeu allait raconter l'ascension au pouvoir, ses complots, la manigance, j'avais hâte de voir ça, et en fait, ça se passe pas pendant que tu joues. Ouais, ouais. Moi, ça m'a vraiment frustré. Et je dis, mais en fait, du coup, le jeu, il raconte quoi? Enfin, il raconte juste Ezio qui bute des gens, et tous les sujets politiques importants, ou même, si tu veux rester vraiment dans les trucs très Assassin's Creed avec le fragment d'Eden, pourquoi pas. Mais dans ce cas, fais en sorte qu'on joue ces moments-là. Que tous les climax se passent quand tu joues pas. Enfin, c'est trop bizarre. Pas tous. Non, pas tous. Disons que. Ceux que j'attendais en tout cas. T'as fini de déblatérer assez... Voilà. Voilà. Juste pour donner le contre-argument de ça, je trouve que c'est pas l'ambition du jeu scénaristique en tout cas. Ouais. Pour moi, c'est vraiment. Tu l'as cité tout à l'heure par rapport à la campagne marketing du jeu. Effectivement, genre au début du jeu, tu commences par une simple histoire de vengeance. Putain, à chaque fois, il est en train de triper. En fait, il arrête pas de faire des pickpockets. Ah, non, c'est le poison. J'utilise le poison. J'ai jamais utilisé tout le jeu. Je me suis dit, putain, c'est vraiment un truc. Tiens, je vais essayer pour voir. En fait, c'est rigolo. C'est juste drôle, quoi. Ça sert à rien. Mais pour moi, en fait, le scénario, c'est vraiment l'histoire d'Ezio. Comment est-ce qu'il commence sa vie, quelqu'un de très. Très égoïste, égocentré, etc. etc. Qui s'inquiète que de sa famille. Qui s'inquiète que de sa famille, etc. Et du coup, t'as cette histoire de vengeance. Et là, du coup, il va un petit peu dépasser sa propre image, son propre intérêt, etc. Et va essayer de venger sa famille. Un truc qui participe à ça, c'est que au début du jeu, c'est un noble, etc. Et après, dès que sa famille aurait été bannie de Florence, etc., ou assassinée. Plus neuves et du coup il va devoir traîner dans les bas-fonds avec les prostituées et les pauvres et tout ça, donc c'est ça, ouais. Mais ça se voit pas trop dans le jeu parce que le mec vit comme dans sa villa super riche, bon, oui, c'est ça. Certes, mais il va comme s'allier, ses potes ce seront plus les nobles, ce seront les prostituées qui sont pauvres, à qui donnent des sous, enfin tu vois, la guilde des voleurs, les choses comme ça, etc. Enfin vraiment le petit peuple, et en fait du coup effectivement, donc voilà, donc à la base c'est quelqu'un centré sur lui-même, après il s'intéresse à la vengeance de sa famille.
Et puis après, arrive un moment où là, il se rend compte que, ah bah tiens, t'as telle population à San Gimignano ou à Florence, ou etc. Où t'as tel quartier en fait qui est régi par des personnes qui abusent de leur pouvoir et de leurs avantages, etc. Et dans le sens où, je vais défendre le petit peuple, tu vois. Ok. Et du coup, genre, ça, c'est vraiment une progression, genre, où vraiment... Batman, le mec. Bah, c'est ça, en fait. Et, enfin, c'est... Milliardaire, mais défend le petit peuple. C'est ça. et en fait, c'est un truc qui fait son charme. Les Borgia, c'est intéressant, tu vois, mais c'est pas vraiment le but premier du scénario. Pour moi, le but premier du scénario, c'est vraiment montrer... Qu'est-ce que quelqu'un d'égoïste à la base peut s'améliorer, s'approfondir, devenir plus centré vers les, enfin plus tourné vers les autres et défendre les autres. Égoïste à la base. Enfin, non, ouais. C'était fort égoïste. C'est plus que c'était un noble qui se souciait. Il était jeune, quoi. Il se souciait de lui. Il avait des petites conquêtes à gauche, à droite. Il s'en foutait des conséquences de. Un jeune, quoi. C'est ça. Mais bon, ça c'est normal. C'est la jeunesse. Bien sûr, c'est la jeunesse. Mais voilà. Écoute, Végel, t'étais égoïste toi aussi. Bon. Ça. Mais du coup. Non, mais je veux dire, c'était un ado, quoi. Tu vois. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais dans tous les cas, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir. Cette progression-là. Après, j'avoue que je n'ai pas spécialement ressenti ce truc-là dans le jeu. Bah après, c'est vraiment quand tu analyses. Enfin, ouais, c'est pas quelque chose que tu ressens au premier abord, mais dès que tu fais un petit peu attention au fond, c'est quelque chose auquel tu peux faire attention. Et là, tu te rends compte un petit peu plus. Bah, déjà, tu avais ça dans le premier Assassin's Creed. Je te rends compte un petit peu plus que, bah, du coup, Ezio rentre de plus en plus dans son rôle d'assassin, tu vois. Pas malgré lui, mais de son propre chef, tu vois, dans l'idée. Et ça, je trouve ça cool parce qu'au lieu qu'on lui dise « Bah non, maintenant, il faut que tu t'occupes du petit peuple », bah il le fait de lui-même, tu vois. Oui. Et c'est plutôt cool aussi. Et c'est vraiment... Alors, du coup, c'est ce qu'on disait... je termine ma phrase, mais ce qu'on disait dans le premier Assassin's Creed, c'est vraiment genre... les assassins, ça pourrait être un petit peu les gens qui s'occupent du peuple, vraiment les gens de gauche, entre guillemets. tandis que les autres, tous les Borgia, tous les petits... Ils veulent le pouvoir, ils sont intéressés uniquement par le pouvoir, ils sont intéressés uniquement par leur recherche, par leur puissance personnelle, etc. Donc plutôt les gens de droite. Tu vas avoir des problèmes, hein. Bien sûr que je vais avoir des problèmes. Je grossis volontairement le trait dans tous les cas, quoi. Mais effectivement, et du coup, ça me fait doucement rire, encore une fois, on l'avait déjà dit dans notre test du premier, mais ça me fait doucement rire quand ils disent que les jeux Ubisoft, il faut pas les politiser, alors que c'est quand même dans l'ADN de la série, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Mais... Oui, t'as toujours eu des trucs... Mais bon... Mais parce que c'est historique. Oui, c'est la politique. les gens qui conspirent, c'est les méchants. Voilà, c'est ça. Et les gentils, c'est ceux qui arrêtent les conspirations. Mais au fond, Laurent de Médicis, c'est un mec super riche. C'est ce que j'allais dire, si tu dis ça, mais en fait, tu sauves Laurent de Médicis qui est putain de bourge à la tête de la ville. Et puis Ezio, il est bien de thunes. Et le mec qui a le. C'est Jeff Bezos, quoi, tu vois, à Florence. Donc Ezio, le mec de gauche qui sauve Jeff Bezos, je sais pas, tu vois. Puis il a la tête de sa propre ville où il y a. Où il a tout le monde à sa. Après, tu peux être de gauche et riche, tu vois. Ça n'empêche pas. C'est mon ambition. C'est-à-dire que Médicis. C'est son ambition. Disons que les Médicis, ils sont pas là en mode ah oui, je vais essayer de m'enrichir personnellement. Alors qu'en vrai, si, tu vois, mais dans le jeu, ils sont pas présentés comme ça. Dans le jeu, ils sont montrés comme des gentils, complètement innocents. Tu sais, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des nobles à la tête de la ville, quoi. Oui, bien sûr. Mais t'as les gentils nobles et tu as les méchants nobles. J'entends ton analyse, mais je suis. Comme tu as les gentils chasseurs et les mauvais. Okay. Ça partage trop, quoi, parce que je pense que Ezio, de toute façon, ça n'a pas trop de sens comme itigame. Mais c'est vrai. Ça peut être une analyse, je pense. Alors, est-ce qu'elle est légitime ou pas? C'est la mienne. Voilà. Débattez-en dans les commentaires. La partager, en tout cas. Et voilà. Moi, je trouve que mes déceptions, elles sont d'autant plus décevantes, du coup, que du coup plus fortes, plutôt, pour moi, parce que Assassin's Creed 1, c'était un jeu que je trouvais imparfait, mais qui avait des choses à dire. Mmh. Et le 2, j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'idées. Énormément d'idées, peut-être trop, parce que finalement ça a fait qu'il a pas grand chose à dire, il veut mettre beaucoup de choses. Il te met ce personnage là, etc., plein d'histoires. Au final, l'ensemble ne raconte pas grand chose, je trouve. Et ça se sent d'ailleurs dans les assassinats, les fameux Requiescat in pace, quand tu tues quelqu'un. Il dit rien, il dit jamais rien. Ils disent rien, ils disent deux lignes et c'est tout. Alors que ces moments
où Altaïr tuait des gens dans les assassinats du 1. Après, ils faisaient leur confession. Ils faisaient leur confession, t'avais un truc un peu plus profond. Ils essayaient de remettre en doute Altaïr sur ses convictions bah, politiques, etc. Et. Putain, le stalker. Et bah voilà, enfin, et du coup, bah là, dans le 2, ils disent jamais rien. Moi, je me rappelle, j'étais hyper marqué par le Request Cat Impatché à l'époque. Ouais. Ils m'avaient genre waouh, tu vois. C'est la mais de nos jours, j'ai découvert de nos jours, je m'aurais même pas. Ah non, non, la, la côté, la poté, c'est quand même quand est-ce qu'il continue le conjugue parce qu'il tue deux personnes en même temps. Ça, bon, faut aimer le latin après. La potéose, bon. Non, non, en fait, non, comment on dit fort, du coup bon. Non, c'est mais. Oui, mais voilà, tu vois, en fait, il y a un changement de ton aussi par rapport à Altaïr, et c'est pour ça que. Enfin. Ouais, mais changement de ton, on pique pas que tu racontes des choses inintéressantes. Non, non, bien sûr. Non, mais enfin, il y a un changement de ton dans le sens où Altaïr, il est un peu plus. Et un peu, il partage un peu plus, tu vois, les gens, enfin, il va leur dire, bon, ok, t'as fait des conneries, t'as été dans le péché, tu vois, dans l'idée, mais repose en paix désormais, quoi. C'est une dimension... Alors qu'Altaïr, au début, il est vénère, il dit crève bâtard et... C'est ça, ouais. Et pendant tout le jeu, il fait crève bâtard, je crois. Hein, Ezio non, non, Altaïr. Ah, je pensais à Ezio. Non, non, pas du tout, au contraire, Altaïr, il y a une vraie évolution. Ouais. Et puis, surtout, enfin... Moi, je suis d'accord que c'est une vraie déception pour moi. À chaque fois, je m'attendais. À la fin, je m'attendais plus à rien. Mais oui. Au début, je m'attendais à chaque fois à ce qu'il y ait un discours dans Assassin's Creed. À chaque fois, il y avait 30 secondes et une minute de discours où il parlait de trucs, tu vois. Il aurait pu te parler de la conspiration, de machin, etc. À chaque fois, le méchant mec, il est là, c'est. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ou alors, ouais, je regrette peut-être un petit peu. Non, pas déjà. En fait, c'est ça. C'est genre, il fait genre. Je regrette pas ce que j'ai fait. Et là, Joe, il fait. Alors, meurs. C'est ouais, c'est vraiment décevant. Parce que c'était un moment. En fait, ce moment sert à rien dans Assassin's Creed 2. Bah, en fait, c'est ça. Dans le 1, il servait vraiment au propos et au scénario. Dans le 2, il sert juste à ce que tu mettes la plume et à faire un moment un peu stylé. Tu vois. Ce qui est stylé quand tu te venges au début, mais qui après, ça rentre dans la routine. Et bah, c'est ça, en fait. J'espérais une évolution au début, genre au début il est vénère, du coup il cherche pas trop à les. Parce qu'il se venge, voilà, c'est ceux qui ont tué ses parents. Ça, c'est normal. Mais après, il cherche jamais à creuser, donc en fait, comment Ezio il évolue et tout, bah en fait, ça lui permet pas d'évoluer. Contrairement aussi, à Altaïr en fait. C'est aussi parce que les méchants sont pas creusés du tout. Bah oui. Parce oui, que c'est ça, et ça, c'est un autre point, c'est que dans Assassin's Creed 1, et c'était une bonne surprise du jeu, c'est que même si les méchants sont méchants, c'est un peu simplifié, mais voilà, dans l'idée, un mec qui vend des esclaves, il est persuadé qu'il le fait pour les bonnes raisons. Après, voilà. C'est pas. Un débat. Il y a débat. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de débat. Je prends pas parti. Mais si, parce que tu vois, typiquement, il y avait un médecin qui disait moi, les fous, ok, je fais des expérimentations dessus, mais maintenant, ils sont tous dans la rue, alors qu'avant, ils étaient tous chez moi. Tu sais, le mec, il était persuadé de leur donner une maison. Ouais, il y avait tout un truc comme ça. Voilà. Et. L'inverse. Et d'ailleurs, il y avait des conséquences dans le jeu, parce qu'après, une fois que tu avais tué le médecin, en fait, les fous, ça y est, étaient en ville de nouveau dans la rue, alors qu'avant, il est. Certes, ils étaient expériences sur eux, mais au moins ils étaient nourris et tout. Voilà, c'est ça. Et après, ils étaient revenus dans la ruche. Alors que là, les méchants Assassin's Creed 2, ils n'ont jamais aucune motivation. Mais ils n'ont jamais aucune motivation propre, même, tu vois, à part Borgia qui veut devenir pape et tout, parce qu'il veut ça, ok. Lui, à la limite, c'est un peu creux. Paddy, okay. Le premier, ok, tu vois. Paddy, le premier, mais parce que le début du jeu, il est bien, on va dire. Et vraiment, c'est vrai que. Moi, je te rejoins un peu gars, quand même, sur le fait que c'est vrai que sur le long terme. Il a rien d'intéressant à raconter vraiment. Ça m'a pas empêché d'être d'apprécier. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que j'ai lancé le jeu, j'étais hyper hype au début, trop bien. Et vu que j'avais le hype, une bonne surprise, j'étais parti. Allez, à ce que tu racontes-moi tout ce que t'as à dire. Et j'étais en mode, bah il allez, a... allez, allez, raconte. Il l'a fait dans. Et dans là, il y a le générique de fin. Allez, raconte. Mais raconte non, pas. Mais après, je suis d'accord avec vous dans ce sens-là. C'est-à-dire que t'en tires pas une leçon ou t'en tires pas quelque chose. Enfin, une. T'as l'impression que après c'est un problème du scénario quoi, dont je vais parler juste après, sur lequel je vais rebondir aussi. Mais effectivement, au final, quand tu finis le jeu, t'es pas en train de te dire « Ok, là j'ai vécu une vraie aventure, voilà ce que j'en ai tiré comme leçon pour moi, etc. » Tu vois, c'est un scénario où tu subis les événements, en fait. Tu vois l'évolution des dieux, etc. Mais c'est pas genre, t'es pas motivé pour assassiner qui que ce soit, etc., etc. Et du coup, ça c'est un autre problème, quoi. C'est que... À part au début, évidemment. Oui, à part au tout début, voilà. Mais là, le problème, c'est qu'effectivement, l'implication personnelle du joueur, t'es pas en train de te dire, ah ouais, vraiment, je vais sauver le petit peuple qui a trop de taxes sur en tant que marchand. Quoi, tu pourrais éventuellement, si jamais on t'avait fait un focus dessus avec un méchant et tout, on t'explique ce qu'il fait de mal dans la ville et tout, tu fais ok super, on va dégommer ce mec là, c'est un gros bâtard. Ouais, et lui il prend pas le temps de faire ça, il dit va faire ce mec là, pourquoi?
parce qu'il fait partie de la conjuration qui assassine tes parents. Et moi, c'est... Ah bah d'accord, j'y vais, tu vois. Et ouais, moi, j'ai même été plus loin un peu dans le raisonnement, c'est que, tu vois, il y a un moment, je me dis, bon... Je me dis, en fait, on te dit tout le jeu. Ça, c'est en partant du principe que Assassin's Creed 2 aurait été peut-être plus intelligent, tu vois. Enfin, plus intelligent, plus... Intéressant. Plus intelligent aussi. Je cherche un truc plus poussé, tu vois. Pardon. C'est qu'en fait, on te dit depuis le début, oui, tu en fais partie des assassins, les assassins, c'est les gentils, et machin, etc. Mais dans un jeu fait par d'autres auteurs, en fait, potentiellement, les assassins auraient été les méchants dans l'histoire. Ou alors, pas forcément les méchants, mais les Templiers, pas les méchants, et les assassins, pas les... En fait, en gros, les Templiers et les assassins, c'est juste des... Clairement, les nobles qui se tapent dessus, et tu vois. Et les assassins, ils étaient vachement plus nuancés dans 1 d'ailleurs. Ouais, en plus. Et y a plein de leurs défauts qui étaient mis en avant. Alors là, c'est genre des. C'est les princes, quoi. Genre, c'est les bons, c'est les gentils. Enfin, c'est des super-héros, quoi. C'est les aventures. En vrai, puis c'est voilà, pouvoir, c'est un peu les princes de contes de fées aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Ils sont tout blancs, ils ont pas de défauts. Ah, Ezio est vénère au début, mais. Sa colère est compréhensible, et puis après, ça vénère. Enfin, mais les assassins, ils sont pas remis en question jamais, tu vois. Mais moi, il y a vraiment plusieurs moments où je me suis dit, en fait, là, vous me dites, nous sommes les assassins et les Templiers sont les méchants. Moi, je me disais, bah, j'ai pas de preuve de ça, en fait. Là, c'est ce que tu me dis, mais moi, on m'a appris un peu, enfin, avec plein d'œuvres de manière générale ou dans la vie ou quoi, peu importe, à un peu questionner, réfléchir et à te demander si ce qu'on te dit, c'est pas de la merde. Et c'est ce qu'on te dit de faire. Et là... faire. D'ailleurs, dans Assassin's Creed 1, tout ce qu'on te disait de faire, au final, ça servait. Enfin, le truc qui était un peu contre toi, finalement, tu vois. Donc, même le 1 le faisait un peu. Le propos du 1, c'était ça. Le propos du 1, c'était réfléchir quand on te dit de faire un truc. Et bah, le 2 annule un peu ça. Mais après, c'est très classique. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Et sans que ça ait beaucoup impacté mon expérience, c'est vrai que j'aurais beaucoup plus apprécié le jeu s'il avait été moins creux à ce niveau-là. Et du coup, ouais, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, effectivement, au bout d'un moment, une fois que la vengeance d'Ezio est terminée, et que tu passes dans cette deuxième phase du jeu où Ezio est un peu plus centré sur. Sauver le peuple, etc. En fait, il ne dit jamais vraiment comme ça. En plus, oui, non, mais bien sûr. Ça reste la conjuration, le seul truc qui va abattre. C'est ça. Hein. Oui, non, mais jusqu'à bien la sûr. Fin, c'est la conjuration. Oui. Non, mais enfin, voilà. Enfin, je grossissais le trait encore une fois, quoi. Mais voilà. Donc, une fois que tu as fini ta vengeance, en fait, c'est vraiment. Tu m'en avais parlé parce que tu avais fini Assassin's Creed 2 avant moi. Mais du coup, c'est à partir du moment où tu arrives à Venise, là, il y a un énorme ventre mou, en fait. Ah ouais, de ouf. Et scénaristiquement, en fait, il se passe pas grand-chose. On présente la guilde des voleurs, pourquoi etc. À Venise pourquoi t'es à Venise, tu sais pas trop. C'est parce que, bah, voilà, hein, c'est parce que... Mais si, parce t'es que à Venise parce que Borgia... Parce que Borgia, il... Mais Borgia, voilà, il fait rien. Enfin, tu sens pas vraiment la menace de Borgia, déjà, et puis... Et puis t'es pas... Alors, tu rencontres ça, t'as guide des voleurs, ils sont sympas et tout, mais y a rien de... C'est ça, voilà. Pas de substance, quoi. Et du coup, pendant quelques heures, t'as ce passage-là, ce ventre mou qui, effectivement, n'aide pas à faire en sorte que t'aies l'impression de suivre un scénario, quoi. T'es un petit peu genre... bon, ok, je fais ça parce que c'est mon prochain objectif, mais ça s'arrête là, tu vois. T'as pas vraiment de motivation personnelle, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas du tout choqué tout ça. Ben, moi non plus. Et je pense peut-être parce qu'on a vu des jeux qui maintenant corrigent un peu ça, et puis le gameplay était encore un peu nouveau à l'époque et tout. Et surtout parce que. Le coup de mot de milieu de soirée, c'est encore d'actualité. Enfin, bien sûr, pas sûr. Pour nous en temps du Covid. Mais je pense que c'était surtout parce que t'étais content de. Ah, tu découvres une nouvelle ville, tu découvres Venise, etc. Ça restait quand même un monde ouvert assez incroyable aussi pour l'époque. Ça. Quand tu voyais Venise ou autre, ce qui maintenant nous impressionne plus du tout parce qu'on a déjà vu mille fois. On a déjà vu, et puis le monde ouvert, ils ont. On level up, quoi. C'est ça. Je crois qu'on peut dire ça là, quand on regarde là. Effectivement, il y a eu du level up depuis Assassin's Creed 2. Quoi. C'est clair. Mais bref. Donc du coup, voilà, je pense qu'on peut passer à la fin. Non, c'est le problème, c'est que il y a une autre déception à mentionner, qui est celle de la fin. Alors déception ou non ? Alors, on va voir. En tout cas, c'est matière à débat. Déjà à l'époque, c'était une désillusion pour moi, total, et pour beaucoup de gens aussi d'ailleurs. Ouais, moi aussi, je m'en rappelle. Bah, je me suis arrêté là pour 10 ans, enfin, jusqu'à Origins, après j'ai plus touché à Assassin's Creed. Et pourtant, je me rappelais pas de la fin, mais je savais que c'était... Tu savais que c'était traumatisant. Ouais. Patrice Desilets, il disait en interview à l'époque, je vous promets, à la fin d'Assassin's Creed 2, vous direz, waouh, je l'ai pas vu venir. Hein. Ah bah ça, mec... Ah, pas vu venir. Ça... T'as pas menti, hein, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que c'est une bonne idée. Hein. Ouais. Alors je dirais que ça passe mieux aujourd'hui parce qu'on a l'habitude des délires d'Assassin's Creed maintenant, mais quand même, on se serait peut-être passé de ces délires d'Assassin's Creed. Mais bon, comme maintenant ça fait tellement partie du truc. Mais avant d'arriver à la toute fin, il y a déjà une séquence de révélation sur la confrérie des assassins, mais moi qui m'a fait spammer, genre. Ah, je crois que c'est même pire que le jeu. Pire que le jeu. Pire que le jeu. pire que la fin, je pense. Pour moi, ce moment, cette révélation sur la confrérie des assassins, là, je me suis dit.
Non, enfin non, tu fais pas. Tu peux pas. Quel est l'intérêt de faire ça, tu vois, je veux dire, c'est. J'ai même envie de le spoil. Je peux pas. Mais franchement, t'es là, tu fais mais pourquoi? Genre, ok. Je sais pas trop ce que c'est, si tu parles d'une scène de groupe vers la fin du jeu. Tu vois. Et puis en plus tu te dis. Enfin, ok, votre jeu était scénaristiquement pas très intéressant depuis quelques jours, mais c'était pas grave. Depuis quelques jours, tu quelques heures. Depuis quelques heures, mais c'est pas grave. Mais là, c'était pas nécessaire de faire ça, c'était vraiment pas nécessaire. Ouais, ça apporte rien en plus. Ça apporte rien, et puis ça n'a pas puis de sens. Puis la scène est vraiment niaise à crever, quoi. Déjà, je trouve. Oui, mais ça n'a aucun sens. Non, c'est pas que je parle, quoi. Si, si, moi si, je si. Vois, mais. Je trouve super niaise, et j'y crois pas, j'y crois zéro en fait. Sur mon niveau de. Tu sais, comment on appelle ça déjà, la. Truc de crédibilité, enfin. Ouais, de. Voilà, j'ai oublié le terme, merde. Oui, voilà, non mais. Voilà, on a l'idée, quoi. Enfin, en gros, la résistance à accepter qu'un truc est crédible ou pas, tu vois. T'as un jeu, j'ai amusé. Bah voilà, zéro, quoi. Genre, voilà, c'est zéro crédible, j'y crois pas. Genre. Alors. Trois pas du tout. Moi, j'avais bien aimé. À l'époque, à l'époque, j'avais bien aimé, dans le sens où je trouvais ça vraiment classe, quoi, en fait, dans l'idée. Quand t'es enfant, je comprends. Non, mais j'ai même pas ça, non, mais c'est vrai, quand t'es enfant. T'es vraiment classe comme ça. Oui, ça fait classe, mais c'est pas le cas. C'est quand t'es enfant, je comprends parce que t'étais un gamin, bon voilà. Non, mais c'est surtout parce qu'on faisait pas mieux scénaristiquement et tout. Ouais, t'avais pas encore fait les trucs genre MGS et tout ça à l'époque. Oui, c'est vrai. Je dis des exemples au pif, mais. Je sais qu'à l'époque, Assassin's Creed, t'as ta référence en plein de trucs, et après t'as fait MGS et c'est toute ta référence. Tu disais quand même que c'était un jeu d'infiltration. Bah, Assassin's Creed, c'est un jeu d'infiltration. Et après, t'as fait MGS, t'as fait bon. Après, bon. Il y a un peu d'infiltration. Un peu. Non, mais en vrai, cette séquence-là m'a pas choqué. Je trouvais ça assez classe. C'était. Enfin, voilà, à chaque fois. La scène est jolie visuellement, mais bon, après. Ah, je sais pas, moi, je trouvais ça vraiment classe, quoi. C'est. Les paroles qui sont annoncées sont assez solennel et ça m'avait un peu marqué, tu vois, vraiment, genre, je voulais le mettre en citation sur Facebook, tu vois, tellement j'étais un petit peu edgy à l'époque, tu vois. Mais c'est pas d'avoir les citations qui se disent, c'est même le simple fait de ce que ça veut raconter, quoi. C'est genre l'idée même du truc. Pour moi, c'est du même niveau que les révélations de Spectre de James Bond, tu vois. D'accord, ok, bon, ouais. Ok, mais en tout cas, enfin, moi, en tout cas, à l'heure actuelle, quand j'ai refait le jeu, j'ai trouvé que ça avait vieilli, quand même. Et que ça faisait un peu vraiment un peu gnangnan. On est d'accord. Quand même, on est d'accord. Mais non, voilà. Je pense qu'en vrai, je peux pas dire pourquoi sans spoiler, mais je pense vraiment que quand t'es enfant, c'est un truc qui est cool, quoi. Parce que c'est le genre de truc que t'as envie de voir, quoi. Tu vois. Même ado, ouais. Mais moi, je pense que j'avais ni a priori négatif ni positif sur ce truc, quoi. Je sais que la vraie fin m'avait vraiment fait chier à toute fin, mais que ça, j'avais aucun souvenir, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Et la vraie fin, il y a pas grand-chose à en dire. Je dirais que bah c'est le grand wow que j'ai censé faire. Bah en fait, je trouve que c'est juste frustrant de s'arrêter là, en fait. Que dans tous les cas, peu importe si t'es ce que ça raconte à toute fin, le truc vraiment à la toute fin des histoires de jeu. Petit cliffhanger, je trouve qu'il est frustrant. Parce que déjà, tu comprends pas. Comme dans le 1, quoi, tu sais, il s'arrête en mode. Ouais, mais même, c'est encore pire parce que là, tu comprends vraiment pas. Et en plus, tu te dis, oula. Ouais. Tu te dis, oula, où est-ce que ça va avec ça? Et tu te dis, oula, ils arriveront jamais à expliquer un truc pareil. Et au final, bon, bah. Ça, je sais pas. Tu verras. On verra plus tard. Je sais pas si c'est un avis sur la toute fin, moi. Bah... Chez Kyo, c'est pareil, il avait détesté. Enfin, pas trop, mais c'est la fin de Brotherhood surtout qu'il avait détesté. Ah ouais, oui, ouais. Plus que celle de. Ouais. De... Mais non, en fait, il y a vraiment deux écoles, effectivement, pour cette fin d'Assassin's Creed 2. T'as l'école de. Ouais, genre, tu rejettes en bloc et t'es. Genre, t'es en mode bon, ok. Ouais, ok, c'est parti un peu trop loin. Moi, j'avoue qu'à l'époque, j'étais. Hyper hype. J'étais hyper fan, je me disais un tout petit peu. Non, j'étais hyper hype parce que j'étais en mode waouh, c'est ouf quoi. Enfin, genre vraiment, j'étais choqué et je me disais. T'avais un vrai mystère. Enfin, on va expliciter ça plus tard dans les jeux suivants, dans tous les cas, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui va devenir vraiment central dans les jeux suivants. mais voilà, c'est vraiment. C'est quelque chose qui relie. La fin d'Assassin's Creed 2 d'Ezio dans cet opus-là, avec Desmond. Ouais. Voilà. Et donc, en gros, bah, moi, j'étais en mode, j'étais sur le cul, j'étais en mode, ah putain, j'ai trop envie d'en savoir plus, etc. Quels sont les mystères qui vont être dévoilés, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter, enfin voilà, des trucs comme ça, parce qu'il y a toujours eu ce mythe. On va en parler plus tard dans les tests suivants, mais il y a toujours ce mythe qui était déjà très présent à l'époque en 2000,
2009-2010, etc., même un petit peu avant, de quelque chose qui a précédé l'humanité, tu vois, oui. dans l'idée, et... Alors ça, c'est dans tout Assassin's Creed, mais c'est vrai que même ils auraient pu me faire ça, mais sans la toute fin qui était bizarre. Quoi. Oui, enfin, oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, moi, ça m'avait hypé parce que j'étais en mode « Ah, dans quelle direction est-ce qu'ils vont aller de ce côté-là ?» Et bien, nous verrons bien ça dans le test de Brotherhood, par exemple. En attendant, on va maintenant passer à l'histoire du présent, parce que oui, on n'a pas fini avec l'histoire. Parce qu'en plus, c'est un scénario d'Ezio, et il y a bien sûr le scénario du présent avec Desmond, qui lui est toujours plongé dans l'animus et revit les souvenirs de ses ancêtres. Voilà, si jamais vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Mais non. Les choses évoluent très vite pour lui, car dès l'introduction, on le libère de sa cellule où il était dans Assassin's Creed 1, donc chez Abstergo. Il avait passé tout le 1 là-bas. Et c'est ni plus ni moins que Lucie qui le libère, celle qui avait été déjà identifiée comme une alliée dans le 1. Est-ce que c'est vraiment Lucie? Bah, quoi ? Oui, Lucie, ah oui, oui, d'accord, on va parler, t'inquiète. On s'échappe, on se tabasse, et ça c'est ouf, parce que c'est la première fois que Desmond a son propre gameplay désormais, il n'est plus condamné à de la marche, il a même appris un peu quelques mouvements de son ancêtre Altaïr, et il sait un peu se battre. Je me rappelle que la première fois, je m'attendais pas du tout à ça, et que j'avais trouvé ça vraiment cool. Que je me dis, ouais, Desmond, il fait des trucs, tu vois. C'était assez stylé. Il sait faire quelque chose. Genre, ouais, bah, marcher, aller dans l'anus. Il a vraiment sa première aventure, je m'attendais pas à ça, et c'était cool. On s'installe dans un endroit secret en compagnie d'amis de Lucie et on le plonge dans l'animus. De temps en temps, Lucie elle va sortir Desmond de l'animus pour qu'il développe ses capacités physiques. Voilà. Cette fois, tout ça c'est structuré très différemment par rapport au premier, c'est-à-dire que dans le 1, on revenait vers Desmond à la fin de chaque séquence. Et voilà, à la fin de, c'était tous les quelques assassinats, les séquences terminées, et on venait voir Desmond, son histoire évoluait. Et moi, je les aimais bien parce que ça donnait beaucoup d'importance au présent et ça le développait et tout. Là, dans le 2, c'est à la fois important, et en même temps, ça commence à être mis de côté, dans le sens où il y a une grosse séquence d'intro, une grande séquence de conclusion, mais au milieu du jeu où tu fais tout Ezio, bah, tu as quelques petites scènes, mais vraiment pas longues. Hein. Ouais, c'est ça. Et de temps en temps... Il y a un très peu. Ce qui fait que, bah, en fait, moi, ça, l'effet que ça me fait, ça, c'est que, alors que j'étais pas trop d'accord avec Jeanne dans Test du 1, où moi, j'aimais bien être sorti du passé pour aller dans le présent et tout, parce que je vivais cette histoire avec autant d'intérêt que celle de d'Altaïr, et ben là, en fait, vu que les séquences en présent sont tellement rares, bon, c'est encore pire dans les jeux récents de Assassin's Creed, que du coup, quand on te ramène dans le présent, tu fais « Ah oui, il y a ça, c'est vrai. » Tu vois, genre, et puis, pas dans le bon sens du terme, mais t'avais déjà ce sentiment-là, VGM dans le premier, toi. Bah, je pense que... Attends, « Ah oui, ouais. Ça, c'est vrai », c'était plus que moi, ça me saoulait, parce que ça me plaisait pas plus que ça. Et au début d'Assassin's Creed 2, bah, non, c'est l'inverse, je me suis dit, peut-être que il avait raison, en fait, c'était peut-être stylé, le présent. Le présent, parce que le début, pareil, est vraiment très cool, moi je trouve, avec Desmond, c'est assez efficace et tout. Ouais. Et... Oui. Mauvais plan. Oui. Et... mais en fait, après, il n'y a plus rien. Il y a trois séquences dans le présent dans le jeu, et puis les personnages sont sympas et tout, mais ça raconte rien. Et puis, franchement, ça me faisait chier à jouer, quoi. Franchement, en fait, le problème... oh, vas-y, Desmond, monte sur trois caisses, casse-toi, c'est bon. En fait, c'est bien qu'il y ait plus de gameplay, et en même temps, c'est pas bien parce que... vu que Desmond il a des capacités moins fortes que celles d'Ezio, en fait, t'as l'impression d'être dans un sous-gameplay du jeu. Ah oui, et puis dans un endroit, enfin, tu passes ton temps à grimper sur des trucs stylés, et puis d'un coup on te demande de grimper sur un bout de caisse, tu vois, t'es là. bah, franchement, c'est pas fun, c'est pas le fun. Donc, Et puis, vu qu'il y a moins le côté narratif du 1, qui racontait quand même pas mal de choses, et qu'ils avaient voulu un peu le truc, ça évolue pas en fait trop du côté du Desmond dans le 2. Bah après, ouais, à la fin ça conclut, mais à la fin quoi. Après, je pense qu'il y a pas grand chose à raconter parce que en gros, dans c'est le. C'est le problème. Ah, oui, non, mais disons que une fois que dans Assassin's Creed 1, dans le présent d'Assassin's Creed 1, on te disait, on Desmond alors, t'étais un petit mec qui se faisait des fights dans les bars ou des trucs comme ça. Bah, ouais. Tu vas pas la répéter, enfin il y a beaucoup moins d'intérêt à te ramener dans le présent pour creuser Desmond, tu vois, dans l'idée. Ah, tu pourrais creuser d'autres choses, je sais pas. Enfin, je peux creuser ce qui se passe avec les Templiers à Abstergo, quoi, tu vois, parce que c'est genre en mode oh, Abstergo vient de se rendre compte qu'on est parti, ils vont nous trouver en 30 secondes, t'es là, mais attends, c'est bizarre, enfin, Je comprends même pas, tu vois, enfin, ils peuvent pas te trouver en 30 secondes, à moins que tu sois pucé, je sais pas, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui n'ont pas, qui ont peut-être des réponses, hein, mais qui en ont pas dans Assassin's Creed 2, et qui auraient pu être plus intéressants que de grimper sur des caisses, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas... Mais voilà, effectivement, ça manque un petit peu. Après, tu peux retourner dans le présent à n'importe quel moment. Oui, oui. Si tu veux. Ouais, bah là en ce moment... Dans le 1... Mais sur pause. Ouais, déjà dans le 1, mais là, tu peux faire pareil, tu peux aller... Retourner dans le présent. Non, quitter, ouais, c'est juste quitter et... Fermer la mémoire. Non, fermer la mémoire, c'est fermer la séquence en cours, enfin la mission en cours. Ah non, quitter, tu reviens au menu principal. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah alors, je sais plus. Bah, je crois que c'est parce que t'es dans une mémoire et du coup, tu peux pas rentrer dans le présent. Mais bref, en tout cas, tu peux y retourner quand tu veux, tu peux discuter avec les personnages, t'as trois acolytes, t'as Lucie du coup qui est là,
Tu as Sean qui est l'espèce de... Qui est insupportable. Qui est insupportable, mais bon, qui est, il fait pour, hein. Oui, non, mais là, l'IA, il m'est arrivé exactement la même chose dans ma partie. L'IA s'éteint à partir du moment où tu tues leur dirigeant. L'IA a fait « Ouais, c'est oh bon. Non, c'est bon. C'est bon, j'arrête. » Et donc, ouais, t'as Sean, t'as Lucie, t'as Rebecca. Et donc, voilà, ils ont chacun un rôle particulier pour aider Desmond dans ses quêtes. Et franchement, ils sont pas très intéressants. Ils sont pas très intéressants. Clairement, tu retournes pas dans le présent, sauf quand t'y amènes, quoi. Donc, oui, c'est ça. Donc bon, ça c'est vraiment... Enfin, tu sais, ils te présentent une nouvelle équipe, tu te dis « Oh cool, une nouvelle équipe !» et tout, et en fait finalement, ils ne font pas grand-chose, donc c'est un peu dommage. Autre détail, moi j'ai remarqué que Desmond, il change de personnalité. Bon, c'est un mec énervé, et qui avait un peu la rage et tout. Moi j'aimais bien ce côté-là, même s'il pouvait être insupportable peut-être, je sais pas. Mais on a un mec qui fait des blagues, même dans la séquence d'intro où il s'échappe, genre Lucie, elle le délivre, et puis Desmond, il rigole, il est content, tu vois, enfin... Moi, en fait, le problème de ce truc, c'est que j'ai vraiment enchaîné les deux jeux. Genre, un jour, je termine le premier, et le deuxième jour, je commençais le deux, tu vois. Ouais. Et du là, coup, t'as bah, vu direct le contraste. Bah, genre, je fais, attends, mais quoi, Desmond, il s'est passé combien de temps, là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es drogué? Genre, t'as pris un petit pilule du bonheur, t'es sous extasie, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, je comprenais pas. Que, tu vois, j'ai remarqué zéro différence. Ouais, bah, du coup, ça m'a déstabilisé, j'ai pas trop aimé, du coup. Mais en fait, je trouve moins intéressant comme ça, mais bon, après, je peux comprendre que, pour certains, le côté un peu plus personnage rigolo, ça peut être plus un sympa, un petit peu boutantre, hein, voilà. Non, mais en gros, moi, je pense que... c'est tout simplement un effet de Uncharted qui était sorti en même temps que Assassin's Creed 1. Sauf que c'est le même doubleur, en fait. Bah, c'est... Voilà, Desmond est doublé par Nolan North, qui double aussi Nathan Drake dans Uncharted. Et dans Uncharted, bah, Nathan Drake, c'est un petit bout en train, il fait des petites blagues, et tout comme ça. J'ai vraiment dit, en fait, là, c'est devenu Nathan Drake. C'est ça, ouais. C'est Nathan Drake, mais avec les Templiers. Avec moins de charisme. Avec moins de charisme. Ouais. Mais bref, et du coup, donc il y avait ça, et puis surtout, bah, après, on va reparler un petit peu, mais Uncharted dans... Oula. Uncharted a un petit peu influencé dans le gameplay, au niveau des tombeaux, tu vois, dans l'idée, parce que ouais, c'est quand c'est un petit peu pas trop plus... Uncharted, ça c'est plus du Tomb Raider, Prince of Persia. Oui, clairement. Ouais. Ouais, ok. On en parlera pour Uncharted, et on verra les impacts d'Uncharted 2 dans Brotherhood. Oui, ça c'est mais, sûr. Mais pour revenir à un autre détail à citer, c'est que bah, un point très important pour toi, mon ami VGM, c'est que Lucie a maintenant le corps d'une bimbo. Alors dit comme ça, tu vois, vraiment pour un mec pervers. C'est clair. C'est hyper important pour toi, hein. T'es content maintenant. Non, c'est juste que... Quand j'ai lancé le jeu et que j'ai vu Lucie, franchement, j'ai été choqué parce que... Disons que Lucie, je trouve que c'est un personnage dans 1 qui est assez intéressant. Moi, j'avais pas spécialement d'affect, mais qui est assez intéressant. Et surtout, un autre truc qui la rendait intéressant, c'est que c'était, surtout à l'époque, un peu progressiste dans le sens où... C'était une meuf random. C'est une meuf random, totalement, tu vois. Elle était pas spécialement et plus belle elle que... Elle était jolie, mais elle était pas... Enfin, c'est une fille normale, quoi. Ça dépend de tes goûts, quoi. Mais moi, je la trouvais... Elle était pas moche, quoi. Bah, je sais pas. Moi, je trouve Maxi, mais bon, après, c'est. Non, mais voilà, je veux dire, je juge pas, ça dépend de tes goûts, quoi. Après, y a pas de, problème avec ça. C'est pas la question. C'est juste que dans tous les cas, c'est pas le débat, quoi. Dans tous les cas, c'est que c'est une meuf normale, c'est pas une bimbo, c'est pas une Lara Croft, c'est pas une Elena, même, tu vois, pour prendre Uncharted, c'est pas une meuf, Chloé. Tu la vois, Chloé, Jill Valentine, enfin bref, voilà, toutes les meufs du jeu vidéo qui sont ultra canon, quoi. C'est une meuf que tu peux croiser dans la rue et qui est un peu plus normale en fait. Et puis d'un coup, là, je lance Uncharted 2. Et là, j'ai vu Lucie, j'ai pas compris quoi. Et Lucie, déjà, enfin, alors qu'il s'est rien passé entre le 1 et le 2, parce que ça, les deux s'enchaînent, bah, elle a dû faire une cure, je sais pas, mais elle a perdu 30 bah, kilos, tu vois. Elle a peut-être mangé un peu plus de fruits, quoi. Et bah, c'est plutôt l'inverse, quoi. Elle a rien bouffé depuis. C'est même pas possible qu'elle ait rien bouffé entre les deux jeux, puisque les deux jeux s'enchaînent, tu vois. Non, mais clairement, elle est très amincie, limite maigre dans celui-là. Limite maigre, ouais. Et puis, ils ont changé sa couleur de cheveux un peu, tu vois, son look. Enfin, ils l'ont transformé en bimbo, quoi. Alors, bimbo. Pas bimbo non plus, mais... Pas bimbo, mais ils ont transformé en meuf... En top modèle. En meuf un peu canon qui correspond au canon de beauté. Wow. Et moi, j'ai trouvé ça ultra dommage, parce qu'en fait, j'ai vu ça, j'ai fait, putain, vous aviez un personnage que vous aviez les moyens de développer et qui était totalement un peu random, et que peut-être vous pouviez développer son charisme et tout comme ça, et vous l'avez changé pour que ça corresponde au stéréotype, et je trouve ça dommage, parce que même si c'est un truc qu'on fait plus maintenant qu'en 2011, bah sur le moment je me suis dit vraiment c'est dommage quoi, des bimbos dans le jeu vidéo franchement on a assez, t'as pas besoin de d'en rajouter dans assez justement tu vois, je veux dire c'est pas... Il y en a assez dans assez. C'est ça. Oh, voilà. Non non mais après moi je vois ce que tu veux dire. En fait quand je pense que ta côte c'est quand même flagrant quoi. Oui voilà, mais le fait est que je pense que c'est juste
surtout qu'ils ont refait les modèles 3D de Desmond. Ah, bah, une petite pause. Ils ont refait les modèles de tous les personnages en fait, et du coup c'est pour ça que bah ils ont peut-être dû revoir quelques trucs, etc. Desmond il paraît un peu plus un peu moins con, tu vois, dans... enfin, ouais, là, c'est pas ça, là, s'ils ont vraiment revu toute la direction... Ouais, alors Desmond, c'est... Il même s'il est un changement de modèle 3D, mais c'est le même, quoi. Ah, oui, bah, oui, oui, c'est le même. Bah, tu pouvais pas lui en rajouter ça. Je peux te dire ce qu'il a dit, Serge, hein. Il a dit « Cette meuf, elle peut pas avoir une importance si elle est comme ça dans ses séquences. » Ouais, bah, ce que j'allais dire, c'est l'influence Serge. Bah, bien sûr, et enfin, de l'édito, quoi. Il faut qu'elle soit comme les prostituées. Voilà, ils ont dit « Voilà, vous les voyez, elle, bah, jouer la même chose pour la personnage principale. » Et puis, ça s'est passé, quoi. Franchement, c'est parlé comme ça, quoi. Si tu mets la tête de Lucie, c'est le même modèle, quoi. C'est possible. Bref, du coup, la suite du présent, c'est le sujet 16. Alors, le sujet 16, c'était déjà un mystère du premier, et c'est d'ailleurs comme ça que Stanley le cliffhanger du 1. C'est vrai. C'était comme ça, et c'était, c'est un peu ce qui vient raviver l'intérêt du présent, parce qu'il y a tous les mystères qui entourent le sujet 16, et en fait... Que, sachant que toi, Desmond, est le sujet 17. C'est ça, et en fait, tu le sais pas, et moi j'ai vu ça dans un Wikipédia, peut-être une révélation plus tard, mais le sujet 16, c'est aussi un descendant de Dio, quoi. Et du coup, en fait, il est déjà parcouru ici avec toi, c'est pour ça qu'il a pu laisser des messages, il est venu là avant toi, théoriquement. Mmh. Et du coup, il a laissé des messages dans le... Dans l'animus. Dans l'animus, dans les endroits où tu vas, et toi, bah, qui est le nouveau qui balade dans les souvenirs d'Ezio, et ben, tu vas pouvoir voir les réponses, enfin, les mystères, et donc découvrir la clé du mystère, enfin, qu'est-ce qui te cache, qu'est-ce que Abstergo cache, et tout ça, et donc tu vas résoudre des puzzles, qui sont un peu spéciaux, mais que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve très bon. Soudoyer le héros. Ouais, mais moi je veux pas le soudoyer. Bah, tu peux pas, hein. Malheureusement, c'est pas comme dans Assassin's Creed 1, voilà. Si, bref. Tu peux le soudoyer. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que t'avais tous ces puzzles là qui étaient vraiment, vraiment sympas. Je sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être réagir à cette question, non? Par hasard. Tu sais, les puzzles du présent, enfin que t'as dans le jeu là, les. C'est les espèces de petits mystères où tu vois les tableaux. Oui, quand tu te mets en mode comme ça et que tu vois. Oui, tu vois le petit. Bah, y en a un à gauche là, si tu regardes à gauche, je crois. Bah, remets-toi en vision d'aigle. À gauche, t'as un petit truc qui scintille là, entre les deux tours. Bah, et, si tu veux y aller pour nous montrer. Ouais. En espérant que ce soit pas un truc trop difficile parce que parfois. C'est vraiment c'est trop corsé, dur, et parfois t'as des trucs où je, même avec la réponse, tu galères à avoir le sens. Mais comment genre, ça se fait Les trucs, j'ai vraiment bien la solution parce que j'ai tout fait. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup parce que je trouvais ça sympa, mais... Enfin, chercher le glyphe, en fait, faut chercher le glyphe comme ça sur certains bâtiments. Bon, déjà, ça m'a saoulé. Et bon, parce que tu vois, là, en 2021, enfin, j'ai pas le temps de faire ça, tu vois, franchement, voilà. C'est juste totalement personnel. Et après, t'as un truc... Voilà. Mmh. Avec des trucs qui te changent un peu de... Et du coup, là, en fait, généralement, il faut trouver une pomme dans le décor. Ouais, bah, pas que ça. Après, ça change beaucoup. Après, t'as des codes, des messages à décrypter, enfin, des trucs. Ouais. Et parfois, t'as des réponses, ça sent vraiment un peu tordu, quoi. Ou, enfin, je voyais la logique, et enfin, je comprenais la logique du truc, mais je comprenais pas où est-ce que tu voyais la réponse pour avoir la clé, enfin. Ouais, quelquefois, j'ai besoin de la solution parce que là, je comprenais pas le truc. Celui-là, je l'ai fait en plus. Par chance, c'était un des 3 ou 4 que j'ai fait, peut-être. Et sur celui-là, là, je trouvais pas la pomme. Impossible, quoi. Impossible. Pourtant, normalement, t'as pas un bip-bip. Ouais, normalement, là. Auditivement, ouais. Ah ouais, oui. Là, franchement, impossible de l'avoir. Ouais, ouais. Et en fait, au bout d'un moment, il t'aide quand même. Le mec dans l'animus, il te dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas un truc à cet endroit-là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, il y a des petits puzzles comme ça, ils sont plutôt sympas, originaux en tout cas. Et la fin, c'est ça, Belges après la Coupe d'Europe. Tu vas... Oh, la marge du sel. La Coupe du Monde, mais pas la Coupe d'Europe. La Coupe du Monde, c'est pas la marge du sel. C'est nous qui étions salés à la Coupe d'Europe. C'est vrai. Et donc, bref, du coup, le truc, c'est... qu'est-ce qu'on pensait des puzzles? Bah, moi, je parlais du coup, là où ça menait, à la fin, c'était une petite... Ah, tu veux pas encore réagir sur les puzzles? Oui, non, mais après, t'as des puzzles qui sont assez intéressants, qui sont un peu bâtards, etc., où t'as des... Tu dois faire pivoter les disques et faire en sorte qu'ils s'alignent, etc., t'as des trucs un peu sympas. Après, t'as d'autres trucs où c'est vraiment, t'es en mode, effectivement, ouais... Quel est le fuck? pourquoi c'est ça, la solution? Je comprends pas la solution, enfin... Généralement, tu sais, quand on te dit genre, tu sais, un problème de maths ou un truc comme ça, on te dit ah bah voilà la marche à suivre, etc. Et c'est là, tu fais ah, ok, d'accord, ok, j'ai compris. Bah là, du coup, t'es un petit peu en mode je comprends pas trop. Ouais, voilà, enfin. Donc là, on a ça, quoi. Et donc en fait, à chaque fois que tu réussis un de ces puzzles-là, tu obtiens un bout de la vérité. Et la vérité, c'est un truc qui te révèle un peu l'origine de l'humanité.
et théoriquement. Mais du coup, le sujet 16, c'est complètement optionnel. C'est lié à ça. Et c'est lié à ça. Moi, j'ai pas la réponse du sujet 16. Tu vois. Bah, en fait, moi non plus, au stade où j'en suis dans, dans l'Exar, après avoir fait Brotherhood, tout, j'ai pas la réponse sur le détail, tout ça. Mais c'est juste que. En fait, il y a plus de révélations sur le sujet 16 dans Révélation. C'est évident. Voilà. Et du coup. Et bah en fait c'est juste un truc perché en fait sur un peu sur Adam et Eve, c'est un peu bizarre. Et si jamais vous êtes sur PC, vous avez la flemme, vous pouvez regarder cette vidéo, bon, c'est sur YouTube en vrai, hein. Vous n'avez pas besoin de faire ça, mais si vous l'avez sur PC, dans les fichiers du jeu, il y a la vidéo sur VLC, comme ça tranquille. Tu peux l'ouvrir sur VLC, ouais tranquille, bah t'as pas l'audio je crois. Je sais pas si t'as l'audio en fait dans le jeu. Mais en tout cas, aussi, dans le jeu t'as l'audio. Mais Adam et Eve ils parlent et tout. Ah bon ? Ah j'avais oublié ça. Bref, et du coup effectivement ouais, j'ai regardé un petit peu les fichiers. J'ai regardé les fichiers d'installation du jeu, en fait c'est une vidéo que tu peux faire sur VLC à l'heure actuelle. C'est un petit peu dommage. Ouais, bizarre, je pense qu'à l'époque ça devait pas être un truc compatible VLC, etc. Tu vois, j'en sais rien. Mais à l'époque, enfin moi ce truc-là, à l'époque, j'étais hyper déçu de la vidéo finale. Et je sais que Naxi par contre était super à fond. Bah moi aussi, mais comme toutes les révélations du présent entre guillemets sur les anciennes civilisations. Révélations, moi j'étais archi fan, Naxi aussi, enfin voilà, c'était vraiment le truc qui nous donnait à tous les deux envie de faire les Assassin's Creed suivants. Ah, c'était votre génération, c'est pour ça. Bah, ouais. 3 ans d'écart, ça faisait beaucoup. C'est la différence entre un enfant et un adulte, apparemment. Allez, voilà. On peut dire ça comme un petit autoclash, voilà. Allez, non, il va sur les. On parle vite fait des acteurs. Donc en anglais, on a dit c'est Nolan North, toujours pour Desmond. Et c'est toujours l'actrice qui a fait des films, des séries, machin, Kristen Bell, qui fait la voix de Lucy. Et dans la nouvelle team de Desmond, on a aussi Danny Wallace, c'est un comique britannique qui prête son apparence et sa voix à Sean. Donc, on sent vraiment qu'il a 3 lignes de dialogue, il est insupportable, donc dommage de mettre un guest pour ça. Mmh. Cela dit, Sean, il a bien de la chance parce qu'il est dans beaucoup d'épisodes de la saga et il a eu le temps d'être là très longtemps. Et voilà, et donc Ezio, en anglais, il est doublé par Roger Craig Smith, qui est un doubleur régulier dans les séries et films d'animation et jeux vidéo également, enfin c'est un doubleur prolifique. Pour citer un peu ce qu'il a fait, il est Chris Redfield dans toutes ses apparitions à partir de Resident Evil 5, donc probablement dans Village également. Il a été Batman dans Batman Arkham Origins, donc voilà. Okay. Et en français, Desmond, il change de voix, ce n'est plus Xavier Fagnon qui fait la voix de Desmond. Ouais, j'aime beaucoup la voix des Zio en anglais. Ouais, franchement, il y a un mix d'italien-anglais qui est un peu surfait et qu'il faut prendre un peu au second degré parce que tu vois, sinon autant jouer totalement en italien. Ouais. Mais franchement, ouais, j'ai trouvé vraiment... vraiment bien, vraiment sympa et ça m'a bien plu. Non, moi aussi, moi j'ai adoré le doublage est vraiment très efficace en anglais d'Ezio. Ouais, mais voilà, franchement très très efficace. Et puis généralement, enfin tu sais, la direction artistique, la direction audio du jeu qui consiste à faire que tout le monde a un accent italien à couper au couteau, c'est super vraiment marrant, un intérêt à jouer au jeu. Ça, ils ont continué de le faire au fur et à mesure de la saga, hein, parce que oui c'est ça. C'est pareil pour les Odyssée, elle avait, enfin ils ont un accent grec et tout ça, et puis pareil pour ils ont un accent viking pour dans Valhalla, enfin encore de nos jours c'est. Alors que tu vois c'est pas quelque chose qu'ils avaient fait dans Assassin's Creed 1 où tout le monde avait un accent américain quoi. C'est vrai, là ils ont commencé un peu davantage inclure. Le lieu dans le manière dont il dirige les acteurs. Ouais, c'est marrant, je trouve. Et en français, comme je disais, Desmond, il change de voix, ce n'est plus Xavier Fagnon, et c'est Nicolas Charbonneau-Colombet, qui... et puis moi, j'aime beaucoup moins ce Desmond-là, et je ne suis pas fan de son doublage non plus. C'est peut-être aussi dû à son... à sa voix. Ça n'a pas dû aider en français. Non, je pense peut-être que j'aurais préféré Desmond si j'avais fait le jeu en anglais, mais je savais pas en fait que sur PS3, il y avait une version VOST. Ouais, j'ignorais complètement. C'est assez à noter. Moi, non, Après, je l'ai fait en VF sur Steam, donc j'aurais clairement pu le mettre en anglais. Mais vu que j'avais bien aimé la VF du 1, je me suis dit, tiens, je vais refaire le jeu comme je l'ai fait à l'époque. Mmh. Voilà. Et puis, la VF, en soi, est de qualité globalement. Parce que Ezio, il est bien doublé. Il est doublé par Gilbert Lachance, en français. Et que je trouve très bon. Et là aussi, on retrouve le côté accent italien et tout ça. Et les mélanges de mots italiens, mélanges de mots français, ça marche bien. C'est du tout bon. On peut maintenant parler du game design. Vous le savez, c'était de loin ce qui avait été le plus critiqué dans le premier opus. On avait parlé dans notre thèse, évidemment, mais pour résumer, c'était une structure trop répétitive, des missions peu inspirées, à l'exception des assassinats, bien évidemment, et un monde vide de choses intéressantes à y faire. D'ailleurs, j'ai vu une interview de Desilet, où il dit au sujet des 400 drapeaux qu'il fallait ramasser de manière complètement annexe, évidemment, dans le jeu, il disait « Ces drapeaux ne servent à rien, et c'était le but ». Je voulais montrer que collecter des choses dans un jeu pouvait être absurde. Ceux qui les ont tous cherchés sont fous. Merci pour eux. Je suis sûr que Nexil l'a dû. C'est clair. S'il n'y a pas de trophée pour le jeu, il l'a pas fait. Ouais, s'il y avait des trophées, il a pas. Non, il n'y avait pas de trophée pour Assassin's Creed 1. Il avait déjà du succès par contre.
Oui, par contre, il y avait déjà les succès, mais je sais pas s'il y avait ça comme succès. Le Xanax, il avait 10 ans à l'époque. Mais non, mais du coup, tu peux faire le même constat avec les pubs dans les coups. Ouais. Non, parce que t'as un truc scénaristique, il y en a moins déjà, et puis t'as à côté les pubs de ton frère, tu vois, t'as un truc. Puis t'as un trophée à la fin. Il y a un trophée à la fin. Et donc, je vais redonner la parole à Patrick Plourde lors de son talk à la GDC 2010 qui explique comment l'équipe a fait en sorte que la structure de Assassin's Creed 2 ne soit cette fois-ci pas répétitive. Donc, en fait, pour s'assurer que le jeu soit tout le temps fun, il explique qu'il y a eu un grand focus sur trois mécaniques centrales, les trois piliers de gameplay. Donc, les trois piliers, c'est la navigation en 1, donc le parcours, tout ça. Ouais. En 2, c'est les combats. Et en 3, c'est l'infiltration en se mêlant à la foule. Les trois piliers de gameplay du jeu. Il note par la même occasion que si le 1 était aussi répétitif, ce n'est pas parce que les missions étaient toujours les mêmes. Il dit que par exemple, tout le monde. Enfin, Tetris, c'est tout le temps la même chose, mais personne ne trouve Tetris répétitif, tu vois. Donc, c'est pas une question de faire tout la même chose, le problème. C'est une question de. Ça marche pas intéressant. C'est ça, avant tout. Il dit que le problème venait du fait que les missions du 1 ne reposaient pas en fait sur les piliers de gameplay du jeu. C'était des trucs annexes, tu t'assieds sur un banc, t'appuyais sur triangle, t'avais fini ta mission, tu vois. Mmh. Tu utilisais pas les piliers de gameplay du jeu. Et du coup, de fait, c'était pas une chose intéressante. Du coup, les répéter, c'était un truc encore plus cruel, quoi. Pour le pauvre joueur qui s'en fiche, tout ça. Et surtout, c'était pas spécialement dur aussi. Hein. Voilà, il y avait pas de chien, il y avait. Enfin, tu te balades. Tu as volé un truc, tu fais trois pas, t'appuies sur rond, tu voles le truc, enfin, c'était pas bien. Ouais, c'est ça. On peut résumer ça comme ça. Et du coup, bah, ça ressemblait à quelque chose, ça ressemblait à des missions annexes d'ennuyants qui se répétaient, qui étaient identifiées rapidement comme quelque chose de redondant. Et voilà. Donc. Il ajoute, Plourde, que par exemple, les tombeaux du 2, ils ont été construits sur le principe de navigation, donc sur le fait de parcourir, de sauter partout, etc. Et que du coup, bah, il n'a pas fallu de développer de codes spéciaux pour construire ces missions. Ils avaient juste à créer un level design, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ils pouvaient itérer facilement des trucs. Tant qu'ils soignaient les piliers centraux sur lesquels repose le jeu, ils pouvaient ensuite créer des missions intéressantes derrière, tant qu'elles reposaient dessus, quoi. Donc c'était vraiment un effort de design avant tout, plutôt que créer des mécaniques spécialement pour les trucs principaux, quoi. Donc ça, c'est comme ça qu'il explique ça, en disant que ça peut être gagner du temps. Et ce qui fait que si t'as un niveau de finition extrêmement élevé sur tes trois piliers centraux de gameplay, et ben en fait t'as pas besoin de faire un aussi bon. De soigner aussi bien toutes les 230 autres features du jeu, tu vois. Oui. Tu peux faire un truc moyen. Il dit par exemple que le système monétaire du jeu il est moyen, mais qu'on s'en fout. Genre c'est pas grave, c'est pas important pour le jeu, c'est pas le cœur d'expérience. Si ça a été mieux, ça aurait été mieux. Mais ça n'influe pas. S'il avait fait le truc le plus parfait possible, mais dans un jeu où se balader, se taper. Enfin, l'infiltration et tout serait cassé, bah peut-être ça aurait été bien, mais c'est pas intéressant. Lui il compare avec Mass Effect, il disait dans Mass Effect t'as le Mako qui est le véhicule, c'est qu'il y a un gameplay tout pété, mais Mass Effect il repose pas là-dessus. Il est intéressant pour tout le reste de ce qu'il propose. Donc ça je crois que c'était pas mal, c'est intéressant comme truc. Et du coup, mais bah c'était le plus important, c'était ces trois piliers. Donc ces trois piliers, on va les aborder en détail dans la partie suivante. Donc en commençant par la navigation, parce que encore une fois, tout ce qui fait l'originalité de la série, le plaisir immédiat qu'elle procure, vient de là. De nos jours, ça paraît encore très évident, mais en 2009, ça restait vraiment super cool et unique d'explorer une ville de cette manière, en grimpant partout. Et même si la concurrence commence à émerger, par exemple avec Infamous sorti la même année, où tu étais un super-héros, tu vas dans une ville en monde ouvert en super-héros, c'était quand même aussi assez stylé en termes de navigation. Tu pouvais voler et tout, enfin, c'est un truc assez cool, quoi. Et mais le gameplay d'Assassin's Creed restait quand même extra et super cool en termes de navigation dans un monde à l'époque et encore aujourd'hui reste tout à fait fonctionnel. Il fallait donc recréer cette force et faire en sorte que ça marche tout aussi bien dans le 2 que ça marchait dans le 1. Et c'était pas si facile que ça de faire en sorte que ça marche aussi bien parce que pour le 2, ils ont choisi de faire des immeubles bien plus hauts que ceux du 1 parce que les immeubles du 1 c'était souvent un seul étage. Et dans le 2, en fait, t'as des bâtiments en 4 étages parfois, tu vois. Donc en fait, le problème, c'est que Altaïr grimpait super lentement. Ouais. Il faisait des pauses, en fait, il avait des animations ultra réalistes de quelqu'un qui fait l'escalade sur un mur. En fait, il s'arrêtait entre deux pauses, il réfléchissait, il posait sa main, etc. En fait, quand tu as commencé à faire ça pour le 2, ça ne fonctionnait pas parce que c'était beaucoup trop lent par rapport à la taille des immeubles qu'il fallait grimper. Et du coup, finalement, les joueurs se faisaient chier. Et du coup, plutôt que s'emmerder à grimper sur un mur, ils faisaient tout à pied. Et bon, bah, tout à pied sur le sol, c'est moins fun. Et voilà. Ouais. Et ils disaient que, notamment, bah, ils ont fait des études de playtest sur le truc, où ils disaient que sur la même mission, qui est le même objectif et tout ça, les joueurs qui passaient par les toits et tout ça, et faisaient un plus grand parcours par les toits, jugeaient la mission fun, alors que ceux qui l'avaient fait tout faire en passant uniquement par les rues avaient trouvé la mission chiante.
Et juste ça qui changeait, juste cette donnée de, en analysant leur parcours, comment ils avaient joué. Et du coup, bah, ils ont, c'est là qu'ils ont mis à créer des trucs pour faire en sorte que bah, l'émission se passe sur les toits. Genre ton point de départ sur le toit, ton point d'arrivée sur le toit, tes trucs à enlever, les trucs à enlever sont sur le toit, par exemple. Enfin, pour que tu utilises le système de navigation autant que possible, parce que, a priori, les joueurs qui utilisent le moins les toits se font plus chier que ceux qui... Ça, c'est sûr. Ça, donc, du coup, bah, tout ça, ils ont fait des... je trouve ça vraiment intéressant quand même, tout ce processus-là. Et du coup, bah, pour revenir au problème du fait que bah, Ezio, il allait trop lentement au début, c'est en reprenant les animations bah, de Altaïr. Et bah, en fait, c'est que l'animation a complètement changé. Il va, il grimpe, mais il grimpe, il saute, quoi, à chaque fois qu'il... Et moi, au début du jeu, vu que j'ai enchaîné les deux jeux, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, ça m'a vraiment surpris, parce que j'aimais beaucoup ces animations d'Altaïr, je les trouvais super stylées. Ah, et là, en fait, Ezio, je trouve pas du crédible, ça. Son main dont il grimpe, elle a rien d'humain, quoi. Bah, attends, voilà, suite, hein. Ouais, bah, je sais, je suis vraiment t'inquiète, mais oui, ça a rien d'humain, mais après, tu finis par t'habituer et ne plus trop le remarquer. Oui. Et, mais au début, enfin, la comparaison entre le 1 et le 2 m'a vraiment choqué, mais je comprends cette idée de design qui fait que, bah, si c'était aussi lent, bah, tu montrais pas les... Ouais, les bâtiments avec autant d'aisance et... Voilà, effectivement, ce serait carrément un autre jeu avec un autre rythme, etc. Et ça, ce serait vraiment problématique. Moi, je trouve que le système d'escalade, il est vraiment efficace. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Ça reste bien, hein. Bah, justement, je le préfère largement. Je m'en fous que le jeu soit peut-être moins réaliste ou perde en réalisme. Du coup, en faisant en sorte que Ezio grimpe plus facilement. Ouais, c'est pas juste l'animation qui me paraissait moins réaliste. Hein. Après, ah, c'est oui. Tout juste ça que je disais. Hein. Ah, d'accord. Y a pas de critique plus profonde. Juste que quand j'ai lancé le jeu. Non, mais attends, je suis en train de défendre mon jeu. Ok, vas-y, tu peux le défendre, mais j'ai déjà en train de dire que je le critiquais pas tant que ça. Ah, bien sûr, mais en tout cas, effectivement, oui. Moi, c'était quelque chose qui m'avait gêné dans le 1, et je suis content qu'il ait corrigé dans le 2. Et dans le 1, je trouvais ça bon. Et on a compris que il fait bien attention à où est-ce qu'il pose ses mains pour s'appuyer, etc. Mais c'est bon, quoi. Ouais, mais je trouve ça bien animé, puis j'étais sensible à ça, il faut croire. Et là, dans le 2, bah, si tu pourras, quand t'as fini de te taper, te grimper un peu pour qu'on regarde un peu ça. Mais c'est vrai qu'il fait des mouvements et genre voilà, il va haut, quoi. Ouais, c'est ça. Il va très haut. Après, au final, on remarque plus très vite. Ouais, j'ai pas spécialement fait attention. La première fois, t'avais une pause entre les deux, moi j'ai enchaîné les deux, quoi. Ça reste la principale truc. Fait que j'ai remarqué. C'est quoi du coup la morale, Greg, dans l'histoire? Il faut faire des pauses. Il faut arrêter d'enchaîner l'assassin. Je pense que c'est la morale qu'il faut que tu tires de cette histoire. Ça marche. On se retrouve la semaine prochaine pour que Balala. Si seulement. Et donc, pour résumer, moi je dirais que la navigation reste super cool. Ça reste un truc qui est excellent. Mais que le jeu est tellement long et qu'on met tellement. On met quand même du temps en passant par les toits. Que vers la dernière moitié du jeu, enfin dernière tiers du jeu plutôt, bah j'ai tendance à beaucoup plus utiliser les rues qu'avant. D'accord. Parce que c'est long de grimper quand même. Oui. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que bah par la rue c'est vachement plus rapide finalement et que bah vu que le jeu est long, ouais. Et bah tu te mets à faire comme ça quoi. Enfin, moins utiliser la grimpette qu'avant pour aller plus vite. Ouais, voilà. Ensuite pour l'autre pilier de gameplay, c'est le combat. Un autre truc qui avait été extrêmement... Enfin, truc qui, en l'occurrence, était critiqué, contrairement à la navigation, qui, elle, n'avait pas été critiquée dans le 1, mais les combats du premier étaient très critiqués, quoi. Les gens, ils avaient détesté le fait que tout se passe les uns après les autres et tout ça. Ils trouvaient ça très répétitif. Détester, c'est un peu fort, mais je pense qu'effectivement, il était très perfectible, et ça, les gens l'ont vu, quoi. Et ça a été... Voilà, en tout cas, ça a été très critiqué. C'était clairement un des plus gros trucs qu'ils avaient analysé, qu'il fallait qu'ils corrigent, parce que ça n'allait pas. Et cette fois-ci, eh ben, les mecs, ils se sont donnés à fond. Ils ont donné beaucoup d'efforts pour que ce soit mieux. Ils ont ajouté de la profondeur et de la stratégie, attention. Ah bon? Heureusement que tu me le dis, hein, parce que je l'ai pas spécialement... Par exemple, t'as la possibilité de désarmer. Wow, tu peux désarmer les ennemis, J'ai pas arrêté de le faire d'un moment. Et après, tu peux ensuite récupérer leurs armes et t'en servir pour les taper. Tu peux aussi avoir plein d'armes différentes. Et il y a un moveset pour toutes les armes que tu peux utiliser. Donc souvent, tu utilises l'épée, On va regarder. Pour désarmer, tu verrouilles un ennemi. Enfin, tu verrouilles pas un ennemi, mais bon... Donc en combat, tu te mets en point et hop, et au bon moment tu pars en fait. Bim. C'est quand même assez jouissif et beaucoup plus puissant que de se battre. Donc en fait c'est ce que je faisais tout à l'heure, c'est que hop, hop, et voilà. Bah, j'ai raté. Et parce qu'après il peut plus se défendre. Mais là tu vois, j'enlève mon arme et j'attends qu'on m'attaque. Hop. Bon, je rate là mais... Ouais, on a vu. Hein. C'est pas le bon timing, mais si t'as le bon timing, voilà, tu l'as, hop. Et à partir de là, hop, tu one-shot ton ennemi que tu vas mettre vachement longtemps si je prends l'épée. Et bim sur l'armure, et c'est chiant à mourir, et encore pire que le 1 parce que t'as des coups moins puissants. Donc,
Et oui, et puis bah, le truc qui est cool, c'est quand même, c'est que avec toutes ces autres armes que tu peux soit choper sur les ennemis, soit acheter dans une boutique, elles ont toutes un moveset différent. Donc tu as les marteaux, comme on a vu là, mais t'as aussi des halbards, t'as des lances, t'as plein de trucs en fait. Et du coup, bah, les combos changent à chaque fois. Et donc ça, c'est la profondeur de gameplay, tu vois. C'est vrai qu'après, j'ai pas fait l'effort d'aller acheter d'autres armes, enfin, d'autres armes, oui, mais d'autres types d'armes, non. T'inquiète, on y vient très vite. Et avant ça, t'as aussi les combats au corps à corps qui sont mieux faits, c'est-à-dire que tu peux saisir. Ça, c'est pas mal. Les combats au corps à corps sont assez cool. Hein. Franchement, sur les toits, des fois, je m'amusais à choper les mecs et le balancer. Ça, je pouvais déjà le faire. Ouais, mais vraiment le choper comme ça au col et après le balancer. Bon, là, on m'a vu le faire plein de fois. Hein. Donc ça, c'est cool, tu peux donner des coups au. Des coups de tête, enfin, il y a pas des trucs, c'est le système de combat au corps à corps est plutôt pas mal, ouais, mais souvent quand même très inutile parce que t'es quand même plus puissant avec tes lames, etc. Bah non, en fait, enfin, ça dépend. Non, mais j'ai arrêté tes lames secrètes, t'es un petit peu plus fort quand t'as pas avec l'épée ou truc comme ça. Je suis en pleine phase d'infiltration, j'avais oublié. Et ils ont ajouté plein de trucs pour assassiner par exemple, t'as le pistolet qui remplace les couteaux de lancer. Pas ouf, mais c'est ça. Mais ça, le problème, c'est. Mais t'as les couteaux de lancer déjà. Tu les as aussi. Et le truc, c'est. Qui s'ajoute au couteau de lancer. Et c'est que le pistolet, tu l'as à toute fin et il est pas utile en fait. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a un gros potentiel. J'ai utilisé 2-3 fois, ouais. Pour quelques assassinats. Mais vraiment, c'est tout. Ouais, et puis t'as un assassinat où en fait. On te force à le faire. On te force à le faire et ce qui est nul, c'est que c'est intelligent, j'y pensais pas du tout parce que j'ai complètement oublié le pistolet et on te le dit direct, on te dit utilise ton pistolet. Je vois, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est dommage quoi, tu ne laisses pas l'occasion de réfléchir. C'est vrai, c'est vrai. Et bah en fait. Le problème de tout système de combat qui pourtant a été travaillé, mais c'est qu'en fait, bah, tout se fait très très bien à l'épée, alors pourquoi changer? Pourquoi faire autrement? Et du coup, on change jamais d'arme et le jeu est tout aussi répétitif que le 1, voire plus en fait, parce que, comme tu l'as dit vite fait, tes coups sont moins puissants que dans le 1, et du coup, tes combats sont encore plus longs. En fait, le gros problème du système de combat, c'est qu'il y a... c'est l'équilibrage. C'est l'équilibrage du truc, parce que l'épée, tu passes ton temps à te faire chier carré, 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 tu finis par y arriver. Puis en fait, la parade, dès que t'as des mecs qui sont en armure et tout, ça leur fait plus rien. Alors que dans le 1, au moins, les parades, c'était toujours efficace, ou quasiment toujours efficace. Là, en fait, ils veulent que du coup, tu fasses autrement avec tes autres armes. Mais en fait, tu peux pas avoir d'autres armes, t'as pas un... Tu peux avoir plusieurs armes sur toi, donc t'es obligé de changer. Donc en fait, il faut changer, mais choisir ton arme en conséquence, en fait. Et c'est ce que je montrais là, c'est qu'au final, les trucs les plus puissants, et j'ai remarqué à la fin du jeu, en fait, c'est de prendre ta lame secrète. Et j'ai fait ça, remarquer ça dans la toute dernière mission. En fait, la lame secrète t'enchaîne tellement vite les coups que les mecs ils peuvent pas contre-attaquer. Et donc tu fais juste ça et en quelques coups, paf, tu niques les mecs. Et si t'arrives à bien timer ta parade aussi avec les lames secrètes, bah tu en one shot aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, ce que j'ai remarqué là aussi, alors que j'avais pas remarqué, je pensais qu'on pouvait pas parer avec les lames secrètes, mais en fait je l'ai vu pendant le test. Ouais, je le faisais dans le 1. Et dans le 1, c'est comme le timing était plus chiant dans le 1. Le truc qui est sympa par contre, c'est que par contre là, les yeux ils n'hésitent pas à poignarder dans le dos et avec l'épée, avec la lame, etc. Et donc ça, c'est assez cool. Il y a toujours des animations de ouf, hein. Les animations sont très travaillées. Mais l'équilibrage, quand tu t'en viens à te dire qu'il ne faut pas utiliser l'épée parce que la lame secrète est plus puissante, alors que tu as la meilleure épée du jeu ou peu importe, bah c'est dommage, tu vois. Et puis, bon, je vais essayer d'aller acheter d'autres armes, mais c'est vrai que le fait de devoir. Aller changer d'arme au forgeron, sauf s'il y a un autre moyen que j'ai pas trouvé. Ah non, il y a pas. Hein. Et j'ai pas trouvé s'il y a un autre moyen, tu vois. Et donc, Enfin. Tu peux pas changer d'arme à la volée, t'as pas une roue des armes. Quoi. T'as pas une roue des armes. En fait, en gros, tu peux avoir une épée, enfin une arme longue, donc une épée. Et je sais plus quoi d'autre. Enfin, en gros, t'as. Des armes courtes, après sinon. Sinon, après, ouais, tout le reste, c'est des armes courtes et t'as le choix entre, bah, par exemple. Ouais, oui, c'est ça. T'as une épée, t'as. Enfin, une arme longue, du coup. T'as un petit couteau, tu vois, et bah, t'as tes lames secrètes et t'as tes points. Ouais. Et du coup, t'as une arme que tu peux avoir sur ton équipement dans ta roue des armes. Parce que t'as quand même une roue des armes, tu vois. C'est vrai, tu viens de le dire, t'as quand même une roue des armes. Oui, t'as une roue des armes. T'as pas une roue des armes épée, hache, marteau, voilà, c'est ça. Quoi, bah, on peut voir ce qu'il y a. C'est plus une roue des gadgets en vrai. Ouais, c'est ça. Tu peux même lancer le truc que j'ai jamais fait, lancer de l'argent pour être. Si, c'est grave bien. Ouais. Ça, je le faisais. Ah, j'ai mis le temps pour récupérer les codex dont on va parler, c'est que je balance de l'argent devant les gardes, et du coup les peuples ils arrivent, et du coup les gardes font pas attention à ce que tu fais. Moi j'ai recruté des mercenaires ou des prostituées. Ouais, mais du coup... Tu les lances sur les gardes et puis... Du coup, effectivement, tu peux acheter de nouvelles armes via le forgeron, donc tu peux avoir des massues, tu peux avoir des trucs comme ça, etc. Mais effectivement, si tu veux changer d'arme, soit tu passes par le forgeron, t'achètes une nouvelle arme. Soit tu retournes à Monterrey Johnny, tu vas dans ton armurerie, tu changes le... Tu définis qu'est-ce que tu veux avoir comme arme longue, donc comme épée longue, tu vois, dans l'idée.
Et à ce moment-là, bah, tu peux à nouveau. C'est ultra casse-couille parce que genre, tu vas au forgeon, tu achètes ton truc. Déjà, mon. Tu achètes ton truc et après, tu peux pas. En fait, tu peux pas juste l'acheter, c'est l'équipe directe. Et pour rééquiper ce que t'avais avant, il faut que t'ailles à Monterey Johnny. C'est ça. Tu peux pas le rééquiper. Tu sais ce que c'est que Monterey Johnny parce que. C'est la villa, on en parlera tout à l'heure. C'est ça, c'est la villa. Et puis surtout, quand tu vas à Monterey Johnny, tant qu'on y est, hein, c'est quand même, tu dois aller à un point de voyage rapide, ensuite tu dois te téléporter à Monterey Johnny, tu dois te téléporter dehors de la ville, tu dois traverser toute la ville à pied, aller à l'intérieur de la villa, non mais c'est l'enfer. Enfin, franchement, c'est. Moi j'y allais jamais juste parce que c'est trop casse-couille, tu peux pas faire ça. Ouais. Pour un truc idole comme en ça. En plus, surtout, des fois, on parlera de la ville après, mais gros, tu augmentes sa valeur en achetant les trucs, et aussi en achetant les armes. Et du coup. Bah là, tu vois, t'achètes une arme et ta valeur qui a été augmentée. Et moi, parfois, en fait, j'étais équipé de la meilleure armure, de la meilleure arme et tout ça. Et j'achetais juste les armures et les machins pour augmenter la valeur de ma villa. Oui. Et en faisant ça, on t'équipe automatiquement. Et pour la changer, t'es obligé de retourner à la villa. C'est trop casse-couille. Et heureusement que je le faisais dans Monterey Johnny. Parce que sinon. Ah oui, bah oui. Sinon, déjà, tu. Enfin, bref, tu payais moins cher depuis si tu achetais. Enfin, bref. Et ça, on parlera de Monterey Johnny un peu plus tard et un peu plus vite fait aussi. Mais c'est dommage parce qu'en gros, pour résumer, ils ont plein de bonnes idées. Mais l'équilibrage, je sais pas si l'équilibrage, la finition, enfin. Et du coup, ça fonctionne. Bah, en gros, ils ont rajouté plein de trucs parce que moi, tu sais, ils te font tout un tutoriel avec l'oncle Mario qui t'explique comment tu fais la parade, comment est-ce que tu vas taunter les gens. Ils ont fait le It's Me Mario. Ouais. Bah, c'était leur blague. C'était la blague, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Mario. Juste pour ça. Mais du coup, effectivement, genre, t'as tout un tutoriel qui est assez long. On te dit, voilà, comment est-ce que tu fais la parade parfaite, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu récupères l'arme de quelqu'un d'autre, comment est-ce que tu peux tabasser quelqu'un d'autre en le tenant contre un mur, en le tenant par le col, tu peux le tabasser, etc. Ouais. Donc on te donne plein de trucs, et au final... C'est riche, mais c'est inutile. C'est riche, mais c'est inutile, parce que bah, la technique d'utiliser l'épée, soit la lame secrète, ou soit rayer la mention inutile, du coup, c'est. Enfin, ça suffit largement, quoi. Ça veut dire que dans tous les cas, le combat, il est chiant. Oui, c'est ça aussi, ouais. Même quand tu tues. Et surtout. Enfin, en plus, il y en a trop. Comme le 1, j'ai dit qu'il y en avait trop, mais encore plus dans le 2. Là, c'est moins pire quand même, parce que. Tous les. Bah. Moi, j'ai trouvé pire le 1 quand même. Ouais, parce qu'en fait, dans le 1, ils montent tous sur les toits. Oui, ça. Alors que là, t'as 2-3 mecs qui savent monter sur les toits, et donc si tu t'en as marre, enfin, si t'es repéré, tu montes sur les toits. Il y a 2-3 mecs qui te suivent, tu les attrapes, tu les balances, c'est terminé. Et du coup, c'est quand même vachement Même, je leur disais, vas-y, allez combattre. Et puis, Même avec ça, qui arrange le problème du 1, t'as quand même dans les missions principales, tout le temps, on te dit de te battre. Tout le temps, t'es obligé de te battre, tu vois. Donc, oui, il y a plein de fois où t'aimerais juste faire de l'infiltration. En fait, t'as déjà trop de combats, et puis moi, ça m'a. Enfin, aussi parce que j'ai enchaîné les deux jeux. Ça m'a saoulé d'autant. C'est quoi la leçon, Guy ? Faut pas enchaîner les deux jeux. Voilà. Tu vois, j'ai fait une pause avant Brotherhood. Oh là là, c'est bien. Valhalla. Dis le mec qui s'appelle Valhalla. Une pause qui s'appelle Valhalla, ouais. Ouais, c'est ça, merci. Bref. Et du coup, les développeurs, ça a repéré ce problème en playtest, mais c'était trop tard pour chercher une solution, en fait. Pas le temps de trop. C'était trop compliqué à corriger, quoi. Donc, c'est resté en l'état. Le troisième pilier gameplay, c'est se mêler à la foule. Et quand Plourde, il explique le concept à la GDC, il dit que par exemple, là, s'il y avait un assassin qui se cachait dans la salle, personne ne le saurait avant qu'il se révèle. Là, voilà. Sauf que ce concept, c'est toujours un peu ridicule parce que l'assassin, tu le remarques quand même. Enfin, généralement, c'est le mec qui a une capuche et des armes et une armure, quoi. Donc, c'est un peu ça le truc. Mais sinon, le concept est cool, quoi. C'est le concept du fait que quand tu te mêles à la foule, on fait pas attention à toi. Et du coup. Bah oui, parce que c'est en agissant normalement dans la foule. Qu'on te repère pas, alors que si tu te cachais contre les murs, t'es un peu suspect, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour passer inaperçu dans la ville, tu fais ça. Et dans le 1, ce système était déjà présent avec les moines, qui étaient vraiment à des endroits très spécifiques. Donc, c'était plus réaliste dans le 1. Dans le sens où t'avais les moines, et effectivement, les moines ressemblaient un petit peu à Altaïr, et du coup. Alors que là, quand t'es au milieu des prostituées, moi je suis désolé, mais tu te remarques pas. Bah, en fait, c'est des prostituées, c'est autre chose. C'est genre qu'elles sont tellement belles que. Elle détourne l'attention, c'est pas la même idée. Mais la foule, c'est pas une question qui te ressemble, c'est une question que t'es mêlé dans un groupe et on fait pas attention au groupe. On fait attention mec tout seul à la rigueur, mais les gars, ils font pas attention à un groupe de 5 personnes. Moi, je pense qu'il y a un moment où les mecs, quand ils ont peur d'être assassinés tout le temps, ils font attention au groupe. Quoi. Non, mais je pense. Peut-être. Mais je veux dire, moi je trouve quand même le truc cool et crédible en vrai. Moi je trouve dans la vraie vie, tu ferais pas attention à un groupe de personnes qui marchent.
Tu chercherais un mec louche, mais je peux comprendre que tu sois plus difficilement visible dans un groupe et je... Oui, oui, plus difficilement visible, oui, mais de là, être totalement... Bah après, c'est mécanique gameplay, après... Enfin, t'es difficilement... Enfin, faut préciser, mais t'es difficilement visible en tant qu'individu dans un groupe qu'en tant qu'individu tout seul. Bah ça, c'est sûr. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est aussi, malheureusement, je pense, une limitation technique. Que si, parce que là c'est des groupes de 3-4 personnes, tu vois, ou 4-5 personnes. Ouais, mais ça suffit en vrai dans la... Bah, si ça avait été une foule, tu vois, de 10 personnes, là, peut-être que ça aurait été plus réaliste, tu vois, dans oui. l'idée, mais bon, après... moi je trouve normal que pour notre de gameplay pur et dur, oui, c'est ça. Il te suffit que t'aies 2-3 personnes non, pour sûr, former un groupe. Okay. Je trouve que ça suffit pour que on te remarque, sauf si t'es en poursuite, et là ça marche pas dans tous les cas, tu vois, mais si t'es, tu cherches à être discret, dans une zone à risque, que tu te mêles aux piétons, bah je comprends qu'ils fassent pas gaffe aux piétons, tu vois. Enfin, dans l'idée, moi ça me choque pas, et au contraire, je trouve que c'est un truc que j'ai trouvé vraiment très cool et super original, tu vois. Et un truc qui est rigolo par rapport à ce système là, c'est que au tout début, pour se mêler dans le développement, bien sûr, pour se mêler à la foule, il fallait maintenir le bouton rond ou B, tu vois, selon ta manette. Mais là, aucun joueur ne l'utilisait en playtest car c'était chiant, un s'incline, il s'appuyer sur rond pour rester pour se mêler à la foule, tu vois. Et en fait, là, ils ont dit, merde, ça marche pas, il faut qu'on rende le truc automatique, comme c'est dans le jeu final. Et les programmeurs disaient, non, en fait, c'est impossible pour X ou Y raison, genre ça marchait pas, quoi. Genre, il fallait changer trop de trucs, et là, on n'a pas le temps, tant pis, on laisse comme ça, tu vois. Comme des décisions que tu prends tous les jours. Et a priori, c'est plourde, ça l'emmerdait. Ils voulaient vraiment changer ça, alors que lui, qui n'est pas un programmeur très, très évolué, enfin, il s'est programmé, mais pas... Un programmeur. Il connaît juste les bases, quoi. Et donc, il a quand même bidouillé un truc cradingue lui-même. En fait, il a fait en sorte que de base, le jeu considère que le bouton rond est maintenu constamment. Ce qui fait que du coup, bah, pas de problème. Quand t'es vers les gens, bah, le rond est appuyé. Et du coup, en tout cas, il explique comme ça. Donc, après, ils ont dû. S'il y avait des trucs. C'est la combine pour que ça marche dans le jeu. Et ça a suffi. Après, okay. Ils ont sûrement corrigé des trucs en fonction derrière, mais. Oui, mais ça suffit, ça ouais. suffit pour sauver le problème, un truc aussi dégueu que c'est tellement sale. Et voilà, du coup c'est devenu fun. C'est marrant. Okay. Et voilà, moi surtout c'est une idée vachement cool. Et puis c'est dommage que c'est pas plus utilisé dans d'autres jeux d'infiltration éventuellement. Bah après, moi c'est un truc qui est encore mieux. Alors j'ai pas regardé l'état des serveurs sur Assassin's Creed Brotherhood, si ça fonctionnait pas du serveur et que si les serveurs étaient encore... Pour jouer en multi, tu veux dire ? Oui, pour jouer en multi, parce que là, ça prend toute son importance en multi. Hein, le pistolet, il prend toute son importance en multi. Ouais. Pareil pour le fait de se masquer dans la foule, etc. Dans ce jeu-là. Non, voilà. Brotherhood, effectivement. Mais disons que c'est encore mieux. Associé. Voilà, exactement. Donc là, en fait, des mécaniques secondaires, parce qu'il y en a de nombreuses, en plus des grands piliers dont on a parlé. Par exemple, il y a le tout nouveau système de recherche qui est vachement mieux foutu. Parce que un peu reproche du 1, tu l'as dit VGM, c'est que bah, tous les gardes pourraient sauter dessus dans la ville, sur les toits et tout, et c'est hyper chiant pour fuir. En plus, c'était repéré super facilement, c'était chiant. Ouais. Donc là, le système est vachement plus réaliste, par plusieurs niveaux de recherche, etc. Et ça marche mieux. Et surtout, les ennemis, il y a 3 types d'ennemis différents qui ont des compétences différentes en fonction de leur type d'ennemi. Quoi. Et il y a un seul type parmi les 3 qui peut aller sur les murs et en plus, ils sont plus lents. Donc en plus, c'est vachement plus facile de fuir. Et ça rend la scène de recherche vraiment plus sympa. Ouais, donc ça, c'est clairement plus digeste. Ça, je trouve vraiment cool. Autre système, c'est celui de la notoriété. Donc ça, ça s'accompagne à... en fait, on peut le voir en haut à gauche. C'est un niveau de notoriété. On peut voir que tu es quasiment entièrement rouge. Donc tu es au niveau de notoriété de 75%, je dirais. C'est ton niveau de... Est-ce qu'on te connaît dans la ville? Est-ce que on sait que tu es une menace toi-même à ce niveau-là, quoi. Donc là, t'es plutôt considéré comme une menace. Et donc, pour faire baisser ce niveau de notoriété, tu as des actions que tu peux faire, comme par exemple, enlever des affiches dans la rue, ou sur les toits, parce que, évidemment, on met des avis de recherche sur les toits. Et si tu enlèves l'affiche qui se trouve à 3 mètres au-dessus du sol, et ben, d'un coup, les gens, ils t'oublient. Voilà, ça y est. Alors, c'est très grossièrement expliqué, parce que t'as tout un système de jauge, c'est-à-dire que t'as deux états. Oui, mais je parle juste pour l'instant, on va passer à les deux jeux après, mais pour faire baisser les trucs, ça reste que... C'est le système qui est absurde, quoi. Enfin, franchement, ça, pour le coup, c'est vraiment un designer qui a pensé que c'était une bonne idée, alors que c'était pas du tout... Il s'est dit, c'est pas crédible, mais c'est la feature, on s'en bat les couilles. Ouais, mais c'est ça, alors qu'en fait, pour les affiches, tu aurais juste dû les laisser sur le sol. Au sol, quoi, tu vois, t'enlèves pas des... En plus, c'est chiant, tu vois, franchement, c'est chiant. De devoir grimper sur un petit balustrade là, pour enlever une affiche que personne voit. Et t'as d'autres trucs à faire, si, genre, par exemple, soudoyer un héros, on l'a vu tout à l'heure, tu donnes de la thune.
ça fait perdre beaucoup plus de l'autorité d'un coup. Ouais, c'est clair. Et aussi, tu... Soudoyer, ça fait perdre 50%, et sinon tu tues un haut dignitaire, parce que pourquoi pas. Et là, tu perds 75% d'un coup, donc autant trouver un haut dignitaire, tu le tues. C'est ça, parce que soudoyer un héros, c'est 500 florins, et c'est trop cher. C'est trop cher, ouais. Bah autant... trop cher pour moi, j'ai quasiment tout fait avec les affiches. Les affiches. Sur ma route, je prends une affiche, et puis hop, voilà. Ça, t'as trouvé le jeu trop long, mec. De chercher les affiches. Bah après, c'est pas que j'ai cherché, c'est que c'est sur ma route. Tu vois. Il y en a, c'était pas sur ta route, je suis sûr que t'es grimpé des étages pour chercher. Ah, j'étais déjà sur les toi. Ouais. Alors, un peu débat. Alors, effectivement, R.A., comme tu disais, ça se veut avec deux jauges. Donc là, tu es à la première étape de la jauge, c'est tant que t'es pas encore repéré. Tant que ta autorité n'est pas à 100%, quand elle sera à 100% ta autorité, et ben, tu seras en état de recherche. Là, ils vont faire beaucoup plus attention à toi, ils vont te repérer beaucoup plus facilement. Et peut-être que là, c'était à 100%, effectivement, je trouve que c'est pas crédible si ils te repèrent pas dans une foule. Mais tant que t'es pas à 100%, ça me paraît tout à fait normal. Fasse pas attention. Mais, c'est pas mal, mais c'est très imparfait. C'est très imparfait. Et, mais ça reste un bon début du système de notoriété, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, il y a le système monétaire qui apparaît. Et c'est pas incroyable, mais il fait le taf. C'est qu'on gagne de l'argent avec nos missions, on gagne de l'argent avec les coffres qu'on trouve dans la ville, on gagne de l'argent avec les vols qu'on peut commettre. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, c'est retranquer d'abord en chasse. On peut voler de l'argent sur tous les passants, tu peux être un véritable kleptomane, pickpocket. Et aussi, surtout avec ta villa, dont on va parler très rapidement. Et donc voilà, ça c'est... tu peux gagner plein de trucs qui peuvent gagner de l'argent. Et l'argent sert à plusieurs choses, se soigner chez un médecin, acheter des soins, parce que si t'as pas de soins, tu peux pas te soigner. Ça a un impact direct, donc du coup, sur la gestion de la santé, être plus ou moins fortuné. Qui est nouvelle d'ailleurs. Effectivement. C'est pas du tout là avant, tu peux pas du tout soigner de cette manière-là. Ça, avant, c'est juste très général. Là, maintenant, il faut acheter chez des médecins des objets de soins pour te régénérer. C'est ça. Et donc, ça, c'est. Et aussi, tu peux acheter de nouvelles tenues, plus ou moins résistantes, qui aussi ont un impact sur la difficulté. Donc, moins tu dépenseras des sous, moins tu seras résistant. Et aussi, des nouvelles armes qui, elles aussi, sont plus fortes et tout ça, qui rendent le jeu moins dur. Si t'as la meilleure arme possible, vraiment, c'est l'idée, quoi. Donc, l'argent, son importance, très classique mais efficace. Donc, l'argent, tu vas la gagner surtout grâce à la villa de Monteriggioni, qui est le point principe suivant que je veux évoquer. Donc, tu as cette grande villa qui, au début du jeu, est complètement vide, le village, il est pauvre, tout ça. Et toi, tu vas, avec ton argent, tu vas payer un architecte pour qu'il reconstruise les différents commerces. Et plus les commerces seront présents et plus seront développés, plus ta ville elle gagnera de l'argent de manière en background, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est aussi simple que ça. Mais ça fonctionne plutôt bien. À l'époque, j'avais beaucoup aimé ce système de gestion. De nos jours, c'est fait, quoi. C'est quand même cool. C'est plaisant d'avoir le truc qui arrive et qui te fait « Ah, t'as gagné 3000 balles enfin, !» Oui, c'est pas mal. C'est un idole, un peu, quoi. Tu restes, enfin, tu programmes tes trucs, tu pars, tu reviens, t'as de l'argent, c'est plutôt sympa. Ça serait vraiment beaucoup mieux si, comme dit, tu pouvais soit le gérer à distance. Ouais. Ce serait encore mieux, gérer à distance. Comme la Mother Base de MGS. Soit si tu peux pas gérer à distance, c'est parce qu'ils veulent t'obliger à revenir, au moins que tu puisses te téléporter dans la ville. Téléporter directement dans la ville au bon endroit, tu vois. Enfin, parce que c'est ça qui rend le truc chiant, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'était pour les mécaniques secondaires de gameplay. Sauf si c'était un truc à ajouter, je vais passer aux missions. Non, c'est juste, effectivement, ouais, tu gagnes de l'argent régulièrement. Le mieux, c'est vraiment, effectivement, de rénover les boutiques très tôt dans le jeu. Plutôt que de t'acheter des nouvelles armes, etc. Donc très très tôt dans le jeu, il est recommandé de rénover les boutiques de Monteriggioni, etc. Comme ça, tu vas gagner de l'argent plus facilement et plus rapidement. Sachant que c'est une caisse qui se remplit toutes les 15 minutes. 15 minutes ? Wow ! C'est pas Hey, je vais faire super mieux, les gars. C'est toutes les 20 minutes. Et en fait, la caisse, elle a un plafond. Un plafond, voilà, c'est ça. Un plafond qui dépend de ton niveau de restauration de la ville, etc. Et donc, du coup, ça va t'entraîner à retourner régulièrement en ville pour aller récupérer l'argent de la caisse et pouvoir, soit continuer à rénover la ville et acheter des trucs. C'est bien fait pour t'inciter à y retourner, mais comme dit VGM, ça aurait été mieux si t'avais pas besoin d'y retourner. C'est comme la forteresse des assassins du 1, effectivement. C'est le rôle que ça joue. Voilà, c'est exactement le même rôle. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est trop long et tu retournes trop souvent, etc. Pendant que tu fasses un effort, que tu te dises « Ah non, je veux bientôt atteindre le plafond, il faut absolument que je passe par là, etc. » Pour récupérer ma thune. Pour récupérer ma thune avant que je perde de l'argent, etc. Donc, après, moi, je trouve que c'est efficace dans le sens où c'est bien parce que ça te permet de... C'est un petit truc qui fait que le jeu, il reste un petit peu...
Il y a des enjeux, tu vois. Oui. Oui, oui, c'est des enjeux monétaires, etc. Ça te permet d'éviter que... En vrai, c'est vrai que c'est assez cool. Enfin, rien que le plaisir de rénover ta ville et tout. C'est ça, ouais. T'as une progression à ce niveau-là qui est assez sympa et efficace. Et puis surtout, enfin, juste dernier petit truc, mais t'as des œuvres célèbres de tableaux de la Renaissance que tu vas retrouver dans le jeu, du coup. Et acheter. Et acheter. Donc, t'as des œuvres qui sont exclusives à Venise, t'as des œuvres exclusives à Florence, etc. Et du coup, tu vas derrière retrouver dans la villa de Monteriggioni, dans les couloirs et dans les pièces, quoi. Donc, t'as une belle villa à la fin, t'es un bon riche. Voilà, c'est ça, t'es un bon riche. Mais de gauche. on a compris. Donc on peut passer maintenant en mission, donc parce que Arpal du gameplay ne nous dit pas ce que je propose. Alors comme ils l'ont expliqué, toutes les missions du jeu doivent contenir les éléments principaux de gameplay, c'est-à-dire un peu d'infiltration, de combat, de balade, au choix, soit l'une d'entre elles, soit les trois, au maximum, quoi. Par exemple, dans le jeu, t'as les séquences narratives qui se traduisent dans le gameplay par des moments qui cassent un peu la routine, comme l'utilisation de la machine volante de Vinci, par exemple, ou le moment où tu vas conduire une charrette. Ouais. Ou il y a le carnaval de Venise aussi, par exemple, que tu vas nous montrer un peu plus tard dans charrette. Ce test ou quoi. Et même si les objectifs du carnaval restent classiques, rien que le fait d'être au carnaval, c'est assez cool et stylé et tout ça. Et c'est souvent les séquences narratives qui sont les plus palpitantes et les plus haletantes. Même s'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions qui se ressemblent, je dirais quand même. J'ai plus trop les exemples en tête, mais par exemple, c'est délivrer des mecs, suivre des gens, aller à tel endroit, se battre, encore et toujours, chercher un truc à tel endroit. Et finalement, il y a plus de types de variétés de missions différentes que dans le 1, les missions se répètent quand même dans un jeu qui, comme je l'ai dit, est long. Et long, enfin voilà, il dure plus longtemps que ce qu'il a proposé. Ouais, c'est ça. Donc on finit par retrouver la répétitivité du 1, mais quand même bien plus tard. Hein. Ça met un peu plus de temps à arriver. Ouais, c'est un peu trop pour son propre bien, quoi. Quelques missions auraient pu être cut, quelques chapitres éventuellement, enfin tu vois, comme on l'a dit, même pour l'histoire. Évidemment, mais ils n'ont pas eu le temps d'avoir du recul. Hein. C'est le problème du développement du jeu, hein, comme on l'a dit. C'est un peu rapidement, quoi, ouais. Et il y a aussi encore des assassinats qui sont bien moins mis en avant que dans le premier, mais t'as quand même quelques idées sympas. Par exemple, dans le monastère, j'ai trouvé cette idée assez cool, avec les moines noirs, par exemple, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était assez cool. Aussi, t'as parlé du truc où il faut utiliser les pistolets, je trouve l'idée vraiment sympa aussi, qu'il y a derrière. L'idée est vraiment sympa. Il y a des idées sympas, mais je trouve que c'est pas très... L'exécution est pas, ouais. Ça va plus loin quand même qu'Assassin's Creed 1, où faire les assassinats, c'était vraiment galère. Ouais. Enfin, de les faire sans se faire repérer, genre de les faire proprement, c'était vraiment difficile. Là, ça va un peu plus loin, mais ça reste très très largement perfectible. Ça. Mais ça reste quand même sympa. Et après, t'as les régions de Toscane et les montagnes, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est les zones ouvertes qui relient les villes entre elles, comme le faisait le 1 avec le royaume, qui sont bien plus intéressantes que le royaume du 1. C'était pas difficile, mais c'est quand même beaucoup mieux. On y trouve des villes également, mais je trouve que ça sentait que les missions ici manquaient de finition par rapport à celles de Florence et de Nice quand même. Mais ça permet de varier les décors. Bon, je trouve ça assez cool, même si c'est un peu inabouti. Ouais. Donc, peut-être, on l'a vu, c'est resté un petit peu vide, hein, quand même. Ouais, clairement, ouais. Ensuite, et là, il faut parler à des objectifs secondaires. Parce qu'en fait, les pages du codex, c'est pas un objectif secondaire. Mais mince alors, en fait, dans le jeu, tu dois récupérer des pages du codex qui sont dans le jeu depuis le début, et on te dit, va récupérer ça si tu peux, c'est cool, tu vois. Toi, tu penses que c'est un objectif secondaire random et tu ignores. Et puis, tu arrives à toute fin du jeu. Là, il dit, ouais, en fait, tu peux pas faire la mission principale tant que t'as pas toutes les pages du codex. Tu peux pas finir le jeu. Pardon? Moi, j'avais pas récupéré du tout. Moi, je m'en foutais, on m'avait dit que c'était optionnel. Bon, et voilà. Du coup, j'en ai pas fait. Du coup, j'allais 30 à récupérer d'un coup. Et voilà, et t'es là, t'es comme un con, t'as joué. Et tu penses que tu vas arriver à la fin. Et en fait, t'as 30 pages du codex à aller chercher. Parce que c'est quand même extrêmement fun à faire. C'est vrai? Tu veux nous en parler? Non. Non, parce qu'en fait, c'est chiant. Tu l'as montré tout à l'heure. C'est à deux gardes devant une porte qui gardent un coffre. Tu récupères, tu ouvres le coffre, tu as ta page du codex, c'est super, merci, merci. Ah, et voilà, quoi. C'est la mort du fun. Et en fait, même quand t'es prévenu que t'en fais petit à petit, ça peut aller, mais à la fin, t'as jamais les 30, quoi. Franchement, vous m'aviez dit, et puis j'étais genre à 23, 30. Après, bon, j'ai mis une demi-heure, 40 minutes à récupérer tous les autres, mais bon, vu qu'il faut se déplacer de ville en ville et tout, c'est un peu... C'est long, et puis c'est chiant, et puis franchement, c'est la mort du fun. C'est vraiment le truc le moins fun du monde à faire. Même les trucs d'Assassin's Creed 1, c'était plus fun à faire que ce truc de codex, quoi. Enfin, genre... Je comprends pas qui a eu l'idée de dire que c'était principal, quoi. En fait, c'est ça. Affiches, quoi. C'est...
C'est le même mec. Tout le monde touche son pot sur ses épaules. Mais en fait, tu comprends pas, parce qu'ils doivent bien savoir que c'est un truc qui n'est pas intéressant à faire, pas spécialement, c'est secondaire. C'est parce que dans l'histoire, c'est important qu'il y ait toutes les pages du codex. Ah oui, mais dans ce cas, tu aurais pu dire qu'il y a quelques pages principales que tu récupères dans l'émission principale, et après, tu as des pages secondaires qui te révèlent un secret en plus pour du complétionnisme à la rigueur, tu vois. Mais pour le besoin de la quête principale, c'est pas, enfin, c'est pénible. Franchement, c'est bête. Enfin, je comprends pas l'idée, quoi. Quelle est l'idée derrière la vocation, juste te balader, faire une quête. Ils ont réussi à ignorer à éviter de faire des. Tu vois, Plour, Didi, on a fait en sorte que les missions, elles aient pas. Elles utilisent toutes les trucs de. Bah, pas là. Les trois piliers de gameplay, bah, pas là. En fait, ça, du coup, c'est une mission principale. Si, parce qu'en fait, l'idée, c'est regarde, tu peux utiliser du distrait à l'égard de plein de manières différentes, ouais, mais bon, 3 fois, quoi, merci, c'est ça. Donc, bon, ça, c'est pas ouf du tout. Donc, là, je peux vraiment parler des vrais objectifs secondaires. Parce que tu as quand même pas mal de vrais objectifs secondaires à faire, des contrats d'assassinat. Pas grand chose à dire dessus, j'en ai pas fait. Je pense que c'est sympa en plus, mais que c'est sympa. Je me suis tenu le plus loin possible de tous ces trucs. Pareil. J'ai quand même fait les tombeaux, qui eux font un peu Tomb Raider, après c'est pas ça qu'on l'a vu au tout début de ce test, il y en avait quelques-uns. Et là, le level design, il est invraisemblable totalement. Genre, quand les parcours qu'Ezio y fait et tout, genre ils ont aucun sens en termes d'architecture et tout. De quoi sur... Dans les tombeaux. Ah oui, oui. Quand t'arrives dans l'église et qu'il faut faire des trucs, machin, ça n'a aucun sens, hein, vraiment. C'est-à-dire, ouais, il fait des trucs un petit peu chelou, tu vois, mais ouais, effectivement. Les parcours de level design. En fait, c'est vraiment un exercice de level design, mais qui n'est pas vraiment crédible, c'est pas plus crédible que c'est ça. Après, moi, je trouvais ça fun, quoi. Ah, c'est fun. J'aime bien les tombeaux aussi. Ils sont pas tous du même niveau. Ouais. Il y en a 6 en tout. Il y en a 4 qui sont vachement bien, il y en a 2 qui sont un peu chiants. Enfin, je dirais que c'est un peu ça. Je crois qu'effectivement, alors, je sais pas si tu l'avais noté sur ta fiche, mais t'as des tombeaux qui sont exclusifs à certaines éditions de Assassin's Creed 2. Ah bon ? Donc, sur la version PC, t'as tous les tombeaux, en fait. Okay. Mais en gros, t'avais une édition black, t'avais une black édition qui avait 2 tombeaux en plus. Je crois que c'était les tombeaux de Templiers ou un truc comme ça, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment genre, oui, c'est ça, t'as 2 tombeaux de Templiers, là tu vois, t'en as 2 qui sont affichés sur la map, en bas à droite de la map, t'as en gros une icône d'assassin et une icône de Templier qui sont juste à côté. Ah oui, les tombeaux de Templiers sont nouveaux. Ouais. Et les tombeaux de Templiers, en fait, c'est vraiment c'est les tombeaux en fait qui sont exclusifs à certaines. D'accord. Trucs. Okay. Et les tombeaux d'assassins, c'est pas les plus intéressants. Les tombeaux de Templiers, c'est ceux qui sont plus fun. Ah ouais. Mais ils sont pas sur PS3. J'ai pas fait la différence entre les deux. Je les ai tous faits. Il y a moins des trucs de Templiers. Et je trouve sympa, après, je trouve du même niveau, en fait j'ai pas vraiment vu de différence, mais bon. Ouais, ouais, j'en ai fait 3, hein, donc la moitié. Moi je sais pas trop être. En fait ça a vieilli, c'est ça le problème. C'est vachement plus fun à l'époque, quoi. Alors ça a vieilli, c'est sûr, mais surtout, moi j'aimais bien, c'était un petit défi de plateforme qui est sympathique. C'est sympa, ça renouvelle bien. Mais c'est vrai que, quand j'arrivais à la fin du jeu, en fait j'ai commencé à en faire un, puis j'ai fait... Entre les codecs, c'est ça, je vais mourir d'ennui. Ouais, t'en as qui sont mieux que d'autres, mais ça. Non, mais vu que le parcours est bien, mais c'est pas un gameplay qui est. C'est pas le gameplay ni de Prince of Persia ni de Tomb Raider pour ce genre de plateforme. Et j'en tirerai pas un fun infini. Non, tu passes déjà ton temps à faire ça tout le temps. C'est ça. Mais ça reste sympa, surtout qu'à la fin, tu gagnes la super tenue de ouf d'Altaïr, et qui est hyper belle et hyper résistante. Et du coup, t'as un petit bonus qui vaut le coup quand même, ouais, je te dirais. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et sinon il y a les coffres à ramasser, c'est un petit peu OZEF, mais c'est toujours là pour te rapporter de la thune. Un mot sur les DLC, en fait il y en a 2, t'as le premier qui est sur la bataille de... C'est 2 DLC solo. Il faut préciser comment ça se fait, en fait tu arrives dans le jeu, et d'un coup, si t'as pas les DLC, d'ailleurs quand le jeu était sorti, ils étaient pas là, simplement. Donc là, dans le jeu, les personnages du jeu te disaient, ah il y a un problème dans l'animus, 2 séquences sont corrompues. Du coup, on passe directement à 1495. Tu passes de la séquence 12 à la séquence 14. T'en sautes 2. De la 11 à la 14, quoi. Tu sautes la 12 et la 13. Et c'est vrai que c'est plutôt bien fait parce qu'en plus, du coup, les personnages disent qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séquence. En plus, il y a Borgia qui devient pape, etc. Donc la transition est plutôt bien faite. En tout cas, je me rappelle, j'avais trouvé ça frustrant qu'il n'y ait pas tout le jeu. En fait, on a trouvé ça frustrant qu'il n'y ait pas tout le jeu. À l'époque, quoi. Mais je pense aussi surtout quand. Après, ça a été annoncé en DLC, tu vois. Peut-être sur le moment aussi, déjà, en mode, c'est frustrant, mais encore plus, surtout... C'était le début de DLC, en plus, ça, et tout, c'était et vraiment le scandale. Vu, Ubisoft, ils ont quand même mis la fin de Prince of Persia Reboot en DLC, ils ont mis 2 séquences de DLC. C'était les rois du jeu en kit qu'on n'a pas eu le temps de finir, et du coup, on met après en DLC. Et c'était ça, c'était très très frustrant, de savoir que t'avais une partie du jeu qui avait été enlevée,
en fait, qui, maintenant, avec le recul, je pense, juste n'avait pas été fini dans les temps et a été vendu. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas fait du tout, voire pas... Ils ont dit qu'ils le feraient plus tard, quoi, peut-être, tout simplement. C'est qu'ils avaient envisagé des DLC et puis hop. Ouais, je pense que dans la production, c'est plutôt un truc qu'ils voulaient faire à la base et qu'ils ont dit, bon, les DLC, c'est à la mode, on n'aura pas le temps de les faire, on les cale à côté en DLC. Ils savaient pas encore que ce serait très mal accueilli, je pense. D'ailleurs, maintenant, l'édition sur Steam normale a tout. Que des DLC. Ouais, DLC tu peux plus les acheter en standalone. Quoi. Et d'ailleurs, bah, un truc à dire, c'est que bah, si tu as acheté le jeu avec les DLC, et ben tu peux pas. Si tu dis, je m'en bats les couilles du DLC, ben, je veux passer de la séquence 11 à la séquence 14, tu peux pas. Ouais. Tu es obligé de faire ces DLC. Donc en fait, si jamais t'étais pas intéressé, bah tant pis pour toi. Ils sont bien avoir ces DLC. Donc en fait, il y en a un qui est sur la bataille de Forli, son nom, et ça, c'est un événement historique, ça a passé, donc c'est dans la ville. De Forli, on va et là ça va un peu creuser quelques personnages qui apparaissent très très rapidement dans la campagne solo. C'est la nana Katrina, je crois que ça s'appelle. Katarina Sforza. Oh, merci. Oui, merci. C'est vrai que c'est très frustré de ne pas l'avoir plus. Non, c'est Sforza. Parce que dans le seul dialogue que tu as avec elle, un peu, tu as une sorte de gros flirt et ça amorce un truc. Ouais, genre, elle te dit. Ouais, reviens quand tu veux, je t'accueillerai bien chez moi. Et toi, tu retournes à Forli, elle est pas là. et c'est ça, et en fait, enfin vraiment, il y a du flirt, et puis bon, avec la VO des personnages et tout, c'est assez fun comme moment. Donc ouais. C'est plutôt sympa, et c'est vrai que c'est assez frustrant de pas la revoir du tout de tout le jeu. Ouais. Alors après, le côté flirt, tu vas pas plus loin, mais dans l'idée, c'est après... Parce qu'ils disent, quand ils parlent de la mémoire corrompue, ils disent que dans les mémoires corrompues, on parle du règne de Borgia et des organes reproducteurs de cette meuf. Ah oui, ah oui, parce qu'elle parle beaucoup de ses boobs et tout ça. Enfin, elle est un peu particulière, mais après, ses enfants ont été capturés, il faut les sauver et tout. Ouais, mais en fait, c'est tout sous la bataille de Forli, et en fait, du coup, c'est très orienté combat, et tout, c'est celui que j'ai pas trop aimé. Tu vois. Ouais. Il reste sympa parce que t'as le côté historique, et puis c'est un vrai truc qui s'est vraiment passé, puis t'as Machiavel qui est vachement plus présent, qui est complètement absent sinon du jeu, à part la révélation finale à la con. Hein. Et donc, t'as une révélation sur Machiavel. Ah, mais à la fin, il fait partie de la révélation. Et donc, du coup, il est plus présent dans ce DLC-là. Et du coup, je passe un peu de temps avec lui. C'est pour ça qu'il arrive là. Okay. Donc, ça, c'est assez cool, tu vois. Mais bon. Donc, du coup, c'est sympa, sans plus, ce premier DLC. Parce que t'as beaucoup de combats, et moi qui n'aimais pas trop les combats, c'était pas le plus fun. Mais après, effectivement, le seul intérêt de ce DLC, c'est. Plutôt le côté historique. Pour moi, c'était plus le côté genre. Moi, j'avais fait à l'époque. Sur PS3 ? Ouais, parce que je crois qu'ils étaient offerts au bout d'un moment. Au bout d'un moment, Ubisoft, je crois que c'était un an après la sortie, ils offraient ces deux DLC-là, en fait. Gratuitement, ou alors peut-être pendant une période, ou un truc comme ça. Le principe d'offrir, généralement. En tout cas, c'était pas vendu trop cher, c'était genre moins 10€ le DLC. Hein. Non, mais il me semble que je les avais pas achetés, en tout cas, dans tous les cas. Et du coup, en fait, j'avais profité, je sais plus... Ouais, c'était peut-être... Ouais, il y avait une période de gratuité, tu le gardais à vie après, et je l'avais récupéré comme ça, alors que j'avais pas le jeu, tu vois, et du coup, bah, j'ai fait les DLC comme ça, gratuitement, quoi, mais... Effectivement, moi, j'aimais bien le fait qu'il renforce un petit peu le personnage de Katarina, pendant le DLC, quoi. Donc, d'avoir ces personnages un peu plus longtemps. Et, elle est 238 heures, mais... Voilà, ouais. Et ensuite, le deuxième DLC, c'est le Bûcher des Vanités, dont on a parlé plus tôt dans la partie historique, et bah là en fait Florence est sous les mains d'un dictateur et du coup toi tu vas essayer de diminuer son influence en tuant ses serviteurs les plus proches. Donc en fait c'est un DLC très orienté assassinat. Du coup tu vas vraiment faire des assassinats vraiment plus à la Assassin's Creed 1. Tu fais plein d'assassinats. Et ils sont cool en fait, je les trouvais ensemble, pas tous, mais la majorité était très sympa et ressemble un peu plus à ceux du 1 que les autres du jeu. Ouais. Et donc ils sont assez sympas, mais en soi le... pas non plus incroyable. C'est pas incroyable, mais il y a quelques assassinats où j'ai recommencé. Il y en a un sur l'église là, du Duomo là, de Florence. Ah ouais, où cet assassinat là, il est tellement en fait, c'est tellement c'est de l'infiltration pure et dure. C'est genre, si tu te fais repérer, bah tu recommences la mission. Tu te fais repérer une nouvelle fois, tu recommences la mission, etc. C'est très punitif de ce côté-là, et je me souviens avoir pété des câbles du coup, quand j'ai refait, quoi, du coup. J'ai pas dû me faire repérer, j'imagine que tu m'en souviens pas. Bah ouais, je sais pas, je me faisais repérer super facilement, je sais pas pourquoi spécialement, quoi, donc, voilà, un petit peu dommage, peut-être que je passais pas par le bon chemin, effectivement, quoi. Peut-être que c'est juste ça, mais bon, en tout cas, ça reste sympa, sans plus. Moi, ce que j'ai bien aimé à la fin de ce DLC, c'est que tu as, à la fin, Ezio, il fait un grand discours que j'ai trouvé super stylé. Et genre, en fait, et ça, tu vois, qui trouvais que Ezio, il manquait vraiment de personnalité, de fond. Et en fait, ce discours à la fin du DLC, là, je fais « Ah putain, là, Ezio, il a pris les devants, là, tu vois, là, il y a quelqu'un qui joue à The Crew 2, là.
Là, Lenzo, il a un truc, il a gagné en charisme, il a gagné, à la fin de ce DLC, il fait vraiment un grand discours au peuple, et parce que du coup, il a libéré Florence du Tiger, tu vois. Du coup, il fait vraiment un bon discours, et je fais, ok, là, le personnage, il a bien évolué grâce à ce DLC, et donc ça, ce serait cool. C'est ça. Donc là, voilà. Bon. Voilà. Et on peut maintenant parler de la direction artistique, pour dire que bah, dans l'ensemble, c'est vraiment très très joli. C'est pas du tout la même direction artistique que celle du 1. Cette fois-ci, on oublie complètement la morosité, la désolation du premier. C'était très gris, hein. L'ambiance festive et chaleureuse de l'Italie, de la Renaissance, et de l'Italie en général, sûrement. Hein. Il y a un côté féerique, je trouve, dans tout le jeu, qui vient un peu Disneyland, tu sais, dans le côté... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais c'est positif, c'est genre... Ça brille, enfin c'est assez lisse, les couleurs sont accentuées, enfin tu vois, il y a un côté... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et là, il y a les deux îles qui sont toutes les deux très bien designées. Tu as Florence, qu'on a vu dans toute la première partie de ce test. Et à partir de maintenant, on est maintenant à Venise. On a cherché de sauvegarde pour montrer un peu l'ambiance du carnaval de Venise. Et donc du coup, là, qui va lui vraiment mettre un bon accent, une direction artistique pour te montrer que bah, là, tout le monde fait la fête et tout. C'est super, super stylé. Et les deux jeux, Assassin's Creed 1 et 2, ont une ambiance très différente, et perso, j'ai pas de préférence entre l'un ou l'autre. Parce que dans les deux cas, ils cherchent à faire quelque chose de très différent, et dans ce qu'ils font, ils sont très bons. L'un comme l'autre. Okay. En tout cas, je trouve que la reproduction des villes est aux petits oignons. Vraiment, après, je suis jamais allé là-bas. J'ai pas trop d'affinité pour Florence, hein. Franchement, je le trouve assez oubliable comme ville, vraiment. En fait, on est d'accord. L'ambiance de Florence est très cool, mais en fait, c'est très semblable. Ouais, en fait, voilà, c'est très semblable partout, et moi, je trouve qu'il y a... J'ai pas trouvé spécialement qu'il y ait vraiment beaucoup d'endroits ou d'endroits mémorables dans Florence. Et c'est pas du tout une ville que j'ai affectionnée dans le jeu. Par contre, Venise, pas forcément. Venise, donc là, tout de suite, ça n'a pas le même cachet. Et forcément, toi, RL, tu es allé à Florence, toi-même, dans la vraie vie. Et nous, moi, nous sommes allés à Venise. Ouais. Alors non, mais j'ai pas fait que Florence. Je sais, t'as fait la Toscane. Alors, donc voilà, effectivement, donc, j'avais fait un road trip en Italie. C'était quand? C'était en 2010 ou en 2011, je sais plus. Toi, quand il parle des riches de gauche. Mais non, en plus, non, le pire, c'est qu'à l'époque, en 2011, là, je découvrais Assassin's Creed 2. Ouais. Et je m'étais dit, tiens, je vais en vacances en Italie avec ma mère. Et en fait... on n'avait pas un vrai programme trop défini, tu vois. Et on avait quelques trucs, mais je disais, est-ce que on pourrait à tout hasard passer par San Gimignano? Est-ce que à tout hasard on pourrait passer par... Et du coup, en fait, on faisait des petits détours pour voir, est-ce qu'on pourrait passer à Monteriggioni, tu vois. Et c'était très marrant. Mais c'est bon, pourquoi pas. Si tu veux. Bon, Assassin's Creed, ok. Et du coup, j'avais filmé quelques images à l'époque de ce voyage-là. Je voulais faire un espèce de mini documentaire making-of, machin, truc, etc. Comme quoi? Comme nous, on avait fait avec Eugène. Oui, c'est ça, parce que vous avez fait de votre road trip, vous avez fait une vidéo... Non, mais n'en parlez pas, c'est tout. Qui est toujours disponible sur la chaîne à l'heure actuelle. Non, mais moi, je voulais faire un petit truc, genre une vidéo comparative de qu'est-ce que donnent les villes d'Italie par rapport à... En vrai, par rapport à ce qu'il y a dans Assassin's Creed 2. Et du coup, j'avais filmé quelques images, je les diffuse un petit peu pêle-mêle comme ça. Mais voilà, et du coup j'ai vu San Gimignano, Florence, Monteriggioni, etc. Incroyable quoi, l'ambiance déjà en Italie en elle-même, tu vois, donc je vous recommande de visiter des différents tours dès que ce sera à nouveau... possible d'aller en Italie, surtout en Italie, hein. Surtout en Italie. Vous n'avez pas envie d'y aller en 2020 par exemple. Ouais, c'est ça. Déjà, si on pouvait aller voyager, c'est pas vrai que je serais allé. Ouais. Oui, c'est vrai. mais effectivement, voilà, Venise, c'est vraiment la ville que j'aurais bien aimé visiter, mais bon, voilà. Venise, on peut parler, c'était incroyable. Venise, c'était une super belle ville, et puis, à l'époque où on a fait ce voyage, c'était pas longtemps après Assassin's Creed 2, du coup, forcément, on avait encore les images vraiment en tête, et je me souviens avoir eu l'impression d'être vraiment dans le décor du jeu, quoi. Ouais. Ah, surtout le... Sous la Place Saint-Marc, quoi. Ouais, la Place Saint-Marc, le Palais des Doges, tu vois, forcément, ça fait son effet, tu vois, qu'effectivement, la reconstitution est vraiment impeccable, quoi. Et Venise, c'est effectivement une ville qui est magique en vrai aussi, tu vois. Enfin, dans le jeu, je me souviens un truc, la nuit était un peu... Et entre potes, c'est stylé, il n'y a pas besoin d'aller en amour, en fait. C'est vrai. C'est ça le truc qu'il faut dire aussi, c'est que franchement, il y a plein de trucs à faire. Qui dit qu'on n'est pas allé en amour?
Ça leur dit pas tout. Ouais, je me souviens d'images un petit peu avec des barreaux de prison, c'était un petit peu BDSM, voilà, voyage en amoureux, c'est évident. Hein. Bah, toi, tu te souviens rien du tout, t'avais 10 ans à l'époque. J'avais 10 ans à l'époque. Les trucs un peu plus prison, c'était plus à Budapest. Hein. Oui, non, je sais, c'est... je fais exprès de tout mélanger. C'est pas la même ambiance. Budapest, c'est pas le même délire que... Non, mais je faisais exprès de tout mélanger, effectivement, mais voilà. Et donc, bref, tu as. Bon, c'est, l'ambiance est vraiment stylée dans le jeu, elle est très représentative de celle que tu as dans le jeu. Je sais pas si on peut parler, mais il y a une troisième ville aussi, quand même. Un troisième petit truc. Bah, on a parlé de Furly et de. Non, c'est pas ça dont je parlais. De la fin, quoi. Enfin, Oui, bah tu peux. À la fin, on va à Rome, enfin, on va au Vatican. Oui, c'est vrai. Je pense que maintenant, on peut en parler. C'est un tout petit bout, quoi. Mais vu que ça sera vraiment le sujet de Brotherhood. Ah ouais, mais du coup t'as la chapelle Sixtine et t'as pas mal de trucs et tout. Non, c'est vrai que c'est assez stylé. Et ça, aussi, bah moi je suis allé il y a un an et demi. Je suis allé il y a 20 ans. C'était la seule première fois que j'allais à Rome. Moi, je crois que c'est vrai que c'est pareil, t'as ce côté-là, toujours sympa quand t'as été ou quand tu vas dans un endroit après avoir vu dans un truc à reconstitution historique comme ça. C'est toujours très sympa, quoi. Ouais, après, tu vois pas grand chose de Rome dans Assassin's Creed 2. Hein, tu vois le bout du Vatican. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, bah, je suis d'accord avec vous pour dire qu'au Florence, j'adorais l'ambiance Florence au tout début, mais après, c'est vrai que c'est assez semblable, surtout que la vue depuis les toits est toujours très semblable. En fait, c'est impossible de repérer dans la ville, à part avec les monuments historiques, parce qu'en fait, des toits, t'as très peu de variations, tu vois que c'est la première ville qu'ils ont créée, quoi. En fait, ça se voit, ça se sent. Après, il y a vachement. C'est plus détaillé, plus profond. Et les villes sont plus intéressantes dans Venise parce que ils sont aperçus que du coup bah il valait mieux mettre cette ville en deuxième parce que vu que le joueur sait mieux grimper bah voilà on peut faire des immeubles plus hauts etc dans Venise et du coup tout ça fait que les villes sont complètement vachement plus intéressants parce que tout est plus haut les lieux sont plus charmants enfin surtout que t'as une nouvelle mécanique de gameplay au moment où t'arrives à Venise où on te dit où tu peux sauter en fait en escaladant quoi c'est vrai. Alors qu'avant tu pouvais pas le faire. Et voilà pour la direction artistique. Niveau technique, c'est. Les dios, on prend un visé, putain. Bah, t'as pas utilisé le lock des dios aussi. Donc, bref, pour la technique, c'est vachement. C'est pas mal, franchement, la technique. Je saurais pas dire ce que ça valait en 2009, parce que pour du monde ouvert, c'était du haut niveau. Après, voilà, ça reste joli aujourd'hui. Ouais, sur PS3, ça tient très bien la route. Hein. C'est ça. Ouais. Bah, les temps de chargement sont un petit peu longs. Oui. Mais moins long que dans Assassin's Creed 1 et surtout. Non, pas du tout. Enfin, sur PS3, pas sur PS3 en tout cas. Ah ouais, non, sur PS3, là, justement, dans le test, je disais qu'ils sont assez rapides sur Assassin's Creed 1. Okay. Là, sur AC2, ils sont assez longs. Mais bon, autant pas souvent. Donc, alors, effectivement, sur PC, c'est plus long aussi, hein, dans tous les cas. Hein. Moi, j'ai fait sur mon PC, il est pourri, et du coup, le jeu est ramé un peu. Bon. Voilà, c'est la vie, quoi. J'ai pu vraiment évoluer la technique du jeu, pas vraiment. Oui, c'est ça. Mais ça m'a pas gâché mon expérience, donc c'est l'essentiel. Maintenant, on peut passer à la musique, partie très importante du jeu, puisque la musique, RL a déjà commencé à en dire du bien au tout début de ce test. Elle est toujours composée par le brillant Jesper Kidd, ou on dit plutôt Jesper Kidd, puisque c'est du contré plus au Danemark, je crois. Je crois qu'il est danois. Pas sûr, hein. Dont on avait déjà dressé le portrait dans le test du 1. Et donc il a donné pas mal d'interviews sur la musique de ce jeu, donc je vais pouvoir vous donner quelques détails. Donc déjà pour lui, c'est l'une des OST dont il est le plus fier. L'une sur lesquelles il a le plus aimé travailler, donc ça c'est cool. Mm-hmm. Pourquoi ? Bah déjà parce qu'il a adoré écrire des musiques pour l'époque de la Renaissance. Il ne l'avait jamais fait, il a adoré le challenge que ça représentait, quoi. Il a dû se renseigner sur les styles musicaux de l'époque, sur les instruments qu'ils utilisaient, et il a convenu avec les développeurs que ce ne serait pas intéressant, amusant de faire de la musique typique de l'époque. Il fallait plutôt faire la musique qui évoque cette époque, trouver son propre style, qui mène encore une fois à des compositions un peu plus historiques, au style un peu plus historique, et à des trucs un peu plus science-fiction, parce que c'est tout le délire d'Assassin's Creed, à la fois de la science-fiction et à la fois de l'historique. Donc il faut qu'il y ait ça dans la musique avec des synthés, etc. Des trucs qui dénotent un petit peu des instruments qui pouvaient être utilisés, donc ça c'est très bien fait. Mais il a quand même fait un très gros travail historique en voulant conserver une ambiance romantique voulue par les développeurs. Exactement. Et il a aussi tenu à se laisser emporter par l'histoire d'Ezio, parce qu'il fallait connecter avec le voyage émotionnel de notre héros. Et c'est pour cela qu'il y a des pistes très émotionnelles comme Earth ou Ezio's Family qui donnera le thème principal de la franchise. Et qui reviendra pas tout de suite hein, d'ailleurs hein, dans la franchise, hein, il reviendra... Bah, Ezio's Family ne reviendra que... Alors, je crois qu'il...
Je sais pas s'il l'utilise, je me souviens plus trop s'il l'utilise dans, dans Assassin's Creed Brotherhood et Révélation, ça sera à voir. Mais en tout cas, le thème disparaît complètement après, et il revient que au bout de Assassin's Creed Unity en fait. Ok. Donc, ce qui est très dommage parce que déjà à l'époque il y avait plein de joueurs qui disaient ah mais non mais le thème Ezio's Family c'est vraiment le thème représentatif de ah, Assassin's Creed. Que c'était le thème d'Ezio et du coup ils pouvaient pas, ils étaient un peu bloqués quoi. Mais bon. Et bon du coup finalement c'est le thème de la série, tu le retrouves dans Odyssey, blablabla. Exactement. Le thème principal quoi. Et au sujet de ce thème, il dit qu'il ne figurait pas dans la liste des thèmes qu'il avait prévu de faire à la base, ah ouais. Mais il dit qu'il a senti qu'il fallait qu'il écrive cette track, et il s'est laissé porter, et il l'a fait, tu vois, ça paraît un peu cliché quand il dit ça, mais... L'inspiration divine, tu vois, dans l'idée, ouais. Ça, c'est très bizarre. J'ai senti, il fallait que je le fasse, ok, bah, c'est cool, l'important, c'est que tu l'aies fait, quoi. Et surtout, il a pu enregistrer avec un orchestre, sûrement déjà fait avec le 1, mais ce sera pas fait avec Brotherhood des Révélations, qui a un moins gros budget, d'ailleurs. Et donc, du coup, le 2 a un orchestre, et il dit que, bah, au moment de l'enregistrement, de ce thème-là, bah, il y avait une ambiance émotionnelle dans la salle qui était palpable et ça, c'est un souvenir ultra marquant. Quoi. Ah, cool, je trouve que c'est cool. Quoi. Ah, tu m'étonnes. Et en plus de tout ça, voilà, il voulait garder des instruments un peu plus modernes, je l'ai dit. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la création de la musique. Mais en tout cas, c'est un très gros travail qui est fait. Voilà. Alors, ouais, du coup, je voulais juste... On parlait 40 minutes. Parler pendant 40 minutes. Non, en vrai, il y a juste deux trucs. Donc, tu as eu une release officielle de l'OST. Alors, je sais pas si ça avait été fait pour le 1, mais bon. Je crois que si, ouais. Mais du coup, tu as eu une release... Enfin, tu as eu une sortie officielle de l'OST d'Assassin's Creed 2 sur iTunes à l'époque. Ouais. Ce qui était très rare, d'ailleurs. Mais du coup que j'avais acheté alors que j'achetais pas beaucoup d'albums à l'époque parce que bah je faisais j'avais pas de sous quoi voilà. Et bref et donc du coup voilà t'as cette OST qui est une sélection des plus grosses tracks. Pas de sélection. Une grosse sélection. Mais il y a pas tout parce que tu as des tracks qui apparaîtront dans l'OST de Assassin's Creed Brotherhood. Okay. Voilà, déjà d'une part. D'autre part, t'as plein de petits thèmes, tu sais, de peut-être 10-15 secondes que tu as pas retrouvé, que tu as dans le jeu et que tu ne retrouves pas dans l'OST officiel. Et donc, du coup, bah, t'as des gens qui ont extrait l'OST du jeu via les fichiers sur PC, etc. Donc, qui est plus longue. Je sais plus combien de temps dure l'OST, mais elle est assez longue. Ok. Et 10 ans plus tard, donc en 2019, Jasper Kidd a ressorti, je crois, une dizaine de morceaux d'Assassin's Creed 2 qui n'étaient pas dans l'OST officiel. Et okay. Du coup, c'est Assassin's Creed 2 Rare Tracks, qu'ils appellent ça. Du coup, je l'ai pas fait. Qu'il a appelé. Et du coup, dedans, tu as un truc vraiment cool. Alors, ça fait un peu bizarre quand tu l'écoutes la première fois. Mais tu as le thème Earth, enfin, ou slash Ezio's Family. C'est pas le même, hein. C'est pas le même. Ok. Mais du coup, c'est Earth, enfin, t'as le thème Earth que tu retrouves, mais en version chantée. Oh. Et donc, avec une voix, une voix d'une chanteuse, etc., qui... alors, je me souviens plus de son nom, donc on l'affiche en ce moment à l'écran. Okay. Mais du coup, ça fait très bizarre au début. Et c'est très bizarre parce que ce thème, il commence et t'as l'impression que c'est vraiment genre... Ça a été enregistré dans une pièce qui était frigorifiée, etc. Et au bout d'un moment, ça gagne en chaleur, etc. C'est très intéressant musicalement. C'est des vraies paroles, c'est des vraies paroles, où t'as des mots, etc. Quoi, contrairement au reste de l'OST du jeu. Parce que, effectivement, dans le reste de l'OST du jeu, tu as du chant, en fait. Ok, ouais. Oui, oui. Tu as du chant, t'as, évidemment, celui qu'on connaît bien, et d'Ezio's Family. Mais tu vas avoir des petits passages un petit peu chantés qui vont... s'ajouter au reste de l'instrumentation, enfin okay. de l'instrument, et ça contribue vraiment à l'esprit romantique, poétique, etc., etc., que voulait véhiculer Jasper Kidd sur cette époque-là, etc. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et cette OST, je l'ai écoutée des dizaines et des dizaines de fois quand j'étais au lycée, du coup, au moment où j'ai fait le jeu. Je me rappelle qu'on avait fait notre première émission sur les musiques de jeux vidéo, ça nous ramène de vieux souvenirs, c'était en 2012. Et à la fin, on avait un espèce de petit top 3 de musique qu'on voulait faire écouter, et toi, tu avais justement choisi Venice Rooftop. Exactement, ouais, qui est juste incroyable et qui est reconnu par tous les fans comme étant
une des tracks. Alors c'était pas Venice Rooftop, c'était Venice. Non, c'était Venice Flight. Ah. Et incroyable ce truc-là. C'est... Alors tu as deux variations de ce thème-là. T'en as une plus calme et t'en as une qui est magnifique avec de sur toutes les tracks, avec de la voix, etc. Ça s'adapte au niveau d'intensité du gameplay, etc. Et puis moi, mon avis sur la musique, c'est que j'ai adoré l'OST du 2 in-game. Elle m'a vraiment soufflé. Souvent, elle accompagne vraiment tes balades dans la ville, en fait. Quand t'es sur les toits, d'un coup, t'as une petite musique qui se déclenche, qui correspond toujours à l'ambiance dans laquelle tu te trouves. Et c'est des belles tracks, franchement. Et même les musiques de combat, les musiques de suspense fonctionnent bien in-game. Ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Et ça, il y a vraiment des moments donnés où j'étais genre « Waouh, c'est beau !» Enfin, le 1, j'avais bien aimé son OST, mais j'avais mieux aimé que prévu. Il n'avait pas foutu de claque, alors que le Z du 2, tout de suite, j'ai lancé. J'étais en mode « Waouh, la musique, elle déchire, quoi, franchement. » Ouais, clairement. Ouais. Et il y a l'album dont tu as parlé, que moi, j'ai pas à l'écouter. Et il y a... En fait, il dure 1h50, cet album. l'album de base qui comprend pas tout, que tu disais. Et moi, j'ai eu un peu de mal au départ sur cet album, parce que je l'écoutais en faisant la fiche, etc. Et les premiers thèmes sont ouf. T'as genre les 5 premières tracks, 6 premières tracks, c'est les meilleurs, tu sais. C'est Earth, c'est Eidos Family, c'est Flight Over Venice, c'est une des best tracks de l'album, tu vois. Et après, t'as tous les thèmes un peu plus gameplay, tout. Et du coup, je trouvais ça Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu plus compliqué à écouter. Mais malgré tout, vu que je l'écoutais à chaque fois que j'écrivais la fiche et que j'ai passé beaucoup de temps sur la fiche, je l'ai quand même écouté plein de fois, cette OST. Et au bout d'un moment, elle passait très bien en fond, quand je bossais, j'ai continué à la laisser passer et tout, et j'ai continué à l'écouter, et c'est vraiment, même mon album, j'ai fini par l'apprécier vachement bien. Moi c'est... ouais. Mais je préfère son utilisation in-game, quoi. Oui, oui. In-game, elle est incroyable, en album, ça se débat un peu plus, mais il reste des tracks de malade, quoi. Ouais, vas-y. Ouais, il y a aussi, à part celle que l'on a cité, il y a aussi Dreams of Venice, t'as aussi The Madame, t'as... un truc à Florence Tarantella, ou Home in Florence, t'as plein de thèmes qui sont... C'est dingue, quoi. T'as écouté, là, je pense que ça doit être sympa ici, la musique. Ouais. Ça avait rien de parler pendant des heures, suffisait de faire écouter. voilà, des fois, c'est bon, la musique vaut plus que les mots. Hein. C'est beau, Non, après, en plus, ça, c'est justement, je crois que c'est Flight Over Venice qui claque, quoi. Enfin, ouais. In-game, comme en dehors. Qui reprend un petit peu le thème de Ezio Family, forcément. Très bien utilisé. Et, franchement, je suis d'accord avec vous. Au début, quand tu te prends une vraie claque sur l'OST, et puis de manière générale, dans le jeu, effectivement, elle est vraiment super bien utilisée. Et elle accompagne plein de moments qui sont super beaux grâce à ça. Ouais. Après, c'est vrai que moi, un peu comme Gag, j'ai quand même pas mal écouté dernièrement l'OST en travaillant. Et c'est vrai que la première partie est ouf, et puis après, le reste, c'est plus oubliable, quoi. En tout cas, quand tu n'insistes pas. Oui, c'est ça. Sûr. Du coup, au lycée, je l'ai écouté des dizaines de fois parce que je faisais mes devoirs en fait. En l'écoutant. En boucle, et ça me portait et tout. Je me couchais super tard, tu sais. Évidemment, je faisais mes devoirs super tard. Ah, c'est voilà, chose qui ne change jamais. Chose qui ne change jamais. C'est que maintenant, c'est les États-Unis. Voilà, c'est ça. On a terminé, du coup. On va passer maintenant à la conclusion, et je me propose de débuter parce que je crains que ma note soit la plus basse. Je vais commencer par. Il va mettre un 13. Ah, oh, quand même. Laisse-le pareil, on a plus le temps. Non, en vrai, du coup, Assassin's Creed 2, c'est un jeu que j'ai quand même bien aimé, malgré les reproches que j'ai à lui faire. Alors, en fait, c'est l'inverse du 1, dans le sens où le 1, je m'attendais à le détester. Et j'ai trouvé que des bonnes surprises, en fait, en y jouant. Du coup, j'étais waouh. Et le 2, au contraire, je m'attendais à adorer, et puis en fait, j'ai déchanté, quoi. Donc c'est dommage, et la déception est là. Alors, il y a plein de trucs qui fonctionnent bien. Le début est ouf, le gameplay reste très efficace. C'est prenant au début, mais... Tu sais, mes 10 premières heures, elles étaient cool, quoi. J'ai vraiment été à fond, et le problème, c'est qu'après, il y en a encore 10-15, quoi. Parce que moi, j'ai dû mettre entre 10 et 15. Mais c'est parce que voilà, moi, j'ai fait toutes les tours, j'ai fait tous les tombeaux, voilà. Toutes les tours? Mais oui, j'aime bien grimper, moi. J'aime bien grimper. J'ai passé du temps sur le jeu, mais quand même, c'était un plaisir. Enfin, tout ce qui est gameplay et tout, il y a des reproches à faire, mais moi, mon reproche, c'est tout le scénario, quoi.
le temps que j'ai passé et la répétitivité qu'il peut y avoir, c'est un problème en soi. Je m'attendais à une mission plus intéressante, certes, surtout qu'à l'époque, je me souviens avoir trouvé le jeu beaucoup plus fun que le 1, genre beaucoup plus, quoi. Genre, il y avait un gap énorme. Et là, en fait, j'ai pas trouvé le gap si énorme que ça, finalement. Et surtout, bah, pour conception, ça reste le scénario qui, au début, est très bien, et à la fin, je trouve, s'essouffle et mène dans des directions qui vont pas au bout avec les ellipses. Comme je l'avais dit, où Borgia fait tous ces trucs quand tu joues pas, les ellipses temporelles de 5 ans que tu vois pas passer, le fait que le jeu finalement il parle beaucoup mais il a pas grand chose à dire, alors que le 1 il parlait peu, mais dès qu'il parlait, il avait un truc à dire, ta gueule VG. et voilà, en fait du coup je suis resté sur un constat en fait un peu déçu, et qui ternit un peu bah, le label, direction artistique, la magnifique OST, c'est dommage. Bon du coup je mettrai une note de 14 sur 20. Qui est une bonne note, et finalement c'est la même note que j'ai donnée au 1 avant que vous me disiez de mettre plus, et j'avais mis 15, mais bref, du coup... je pense que Harry va devoir mettre plus. ouais, augmente s'il te plaît. Non, en vrai, je rends 14. Voilà, j'aime bien, mais il a pris un coup de vieux, voilà, c'est tout, ça reste un bon jeu. Hein. Mais il a pris un coup de vieux, malheureusement, donc en vrai, je mettrais 14 au 1, 14 au 2, pour des raisons très différentes. Je pense que le 14 au 1 est un peu plus discutable, j'en sais rien. En vrai, peu importe. Je trouve c'est un bon jeu, mais franchement, je suis resté sur déception quand même. Mais attends, et j'ai quand même mis la même note pour pas dire que j'ai moins aimé le 2 que le 1. J'assume pas trop ça, tu vois. Donc, du coup, justement, t'as testé le 1 à l'époque. Je peux pas accepter ce genre de choses. Donc, je suis dans le déni total. Donc, on va rester là-dessus. Je vais laisser VGM prendre le relais, puisque dans l'ordre des échelonnés, ça se passe comme ça. Oui, bah, moi. C'est pas pareil. c'est pas pareil, mais disons que. Assassin's Creed 2, franchement, c'est un jeu sur lequel j'ai pris du plaisir tout le long. Alors, c'est vrai que dans ma conclusion sur Assassin's Creed 1, j'avais pas fini le jeu encore. Je l'ai fini après ça. Hein, faut savoir que. La fin est pénible. Savoir que je l'ai fini avec ça, et c'est vrai que la fin est pénible. La fin est. L'enthousiasme que j'avais, qui était à la fin du test, je me permets juste de le temporer rapidement maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que je serais descendu à 14 quand même sur mon temps de jeu, enfin, sur le temps de jeu final. Parce qu'au final. C'est que des combats en fait. Voilà, c'est que des combats, c'est un peu chiant, c'est un peu répétitif. Et c'est vrai que ça m'avait un peu saoulé. Ça restait les points positifs du 1 que j'avais donné, restent. Mais c'est vrai que ça ternit un peu l'expérience sur le long terme. Et bah, Assassin's Creed 2, c'est pareil sans être pareil, mais dans l'idée, c'est pareil, c'est le long terme qui nuit au jeu, entre guillemets, parce que j'ai pris quand même plus de plaisir sur le long terme. Il m'a jamais vraiment ennuyé, à part bon, à la toute fin, le codex, machin. Voilà. Ouais. Mais à part ça, sinon, globalement, c'est un truc que j'ai quand même parcouru avec des petites sessions assez courtes, tu vois. Rarement plus d'une heure de jeu, mais avec quand même sans déplaisir. Après, ça n'a pas été une énorme claque, et c'est vrai que surtout, je trouve que c'est un jeu qui est quand même, enfin, je suis désolé pour tous les fans, mais qui est quand même globalement plaisant, mais creux. Et parce que dans le sens où, malgré tout le côté plaisir brut qu'il y a de procurer en tant que jeu vidéo, par gameplay, par la musique, par le fait d'être à Venise, le fait de tout ça, et bah c'est vrai que c'est un jeu qui a pas grand chose à raconter, et les événements finaux le prouvent. Et notamment, mais après ça empêche pas qu'on peut aimer. Et d'ailleurs j'ai plutôt bien aimé, c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que notamment par rapport au 1, qui vraiment je trouve le 1, comme j'avais déjà dit, il fait plus de jeu d'auteur. Parce que vraiment dans le 1, il y avait déjà ce côté de je veux raconter quelque chose, j'ai des choses à dire, je parle d'un conflit qui est compliqué, je montre que bah voilà, tu penses que les assassins sont, enfin que... sont gentils, mais peut-être il y a des nuances un peu partout et tout, et tu sens vraiment ce côté un peu jeu d'auteur. Et dès le 2, je trouve que tu le perds en fait. Dès le 2, il y a plus ça. Dès le 2, c'est je pense que tu ne le retrouveras jamais et que tu ne retrouveras jamais dans une production Ubisoft, je pense, à part peut-être Soldat Inconnu, tu vois, à partir de Assassin's Creed 2, tu vois, et c'est pas un truc là. Donc c'est un truc qu'il y avait dans le 1, et je pense qu'il a été apporté parce que c'est un nouveau projet et tout. Et dans le 2, déjà, on est déjà sur un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus plaisant sur plein d'aspects. Mais qui du coup perd ce côté. Qui est une production plus gérée quoi. Plus formatée aussi. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est un truc qui me plaît moins. Après, au niveau de la note, je pense que je mettrais. Je pense que dans le contexte de l'époque et tout, je mettrais 15 sur 20 à Assassin's Creed 2. Bah, ce qui reste quand même pour moi mieux que le premier, qui je mettrais 14. Et pour, voilà, je les aime pour, vraiment pour des raisons différentes. Il y en a un qui est plus plaisant que l'autre, mais qui est plus. Peut-être générique en un sens.
Disons que c'est une formule qu'on va retrouver et qui d'ailleurs aura, finira par lasser hein, dans les épisodes suivants. Le problème aussi du 2, c'est que bah, quand tu rejoues maintenant, alors ça, tu vois, en fait, t'as pas le même contexte de c'était nouveau Assassin's Creed. Bien sûr, alors ça, c'est ça, évident. C'est clair que ça joue énormément. C'est pour ça que je dis contexte de l'époque, oui et non, parce que dans les époques, ça se trouve, ça aurait été un 17, hein, potentiellement, tu vois, tu sais pas. Maintenant, la formule est un peu éculée, on la connaît très bien, et du coup, ça reste un jeu qui a posé beaucoup de bases qui seront réutilisées encore. Mais en même temps, si ce jeu était sorti en 2020, hein, tu vois, il aurait pas eu 15. Donc c'est pour ça que 15. Normal, voilà ça. Donc pour ça, 15, ça me semble être une bonne note entre le plaisir sympa sans plus que j'ai passé sur le jeu. Moi, j'ai envie de faire une bonne pause quand même avant le prochain, pour se calmer. Mais je suis chaud pour essayer de continuer, on verra. Voilà. Ok. Vas-y, RL, c'est ton moment là. Alors moi, je mets 20 sur 20. 20 sur 20. 21. Non, je rigole. Non, en vrai, en fait, alors j'ai juste un dernier petit truc à te dire par rapport à la. Un dernier truc à te dire que non. Non, mais on n'en a pas parlé, j'aurais dû le dire à ce moment-là pour la direction artistique, mais effectivement, le côté technique sur Assassin's Creed 2 sur PC en tout cas. Ouais. Et quelques petits défauts que tu remarques beaucoup plus en y jouant en 2021 forcément. Genre le clipping et tout le truc comme tu vois le clipping, tu vois les textures le streaming de textures qui est très très visible quand même. Ouais. C'est-à-dire que à Forlì t'as un endroit où tu vois une grande façade de mur qui est toute baveuse. Et t'avances de quelques mètres et là, boum, tu vois toutes les briques, les fenêtres, etc. De façon hyper nette, etc. Là, ça se voit beaucoup plus. Tu vois beaucoup plus aussi tout ce qui est collision de textures, etc. Ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est un peu chiant aussi. Mais, et tu vois beaucoup plus le pop de petites touffes d'herbe qui sont en fond d'écran, etc. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais au final, ça va. Je sais pas à quel point la version Ezio Collection sur PS4 et Xbox One corrige ce truc-là. Corrige ce petit problème-là. Il a d'autres problèmes. On en reparlera, je pense, au moment où on fera le test de Brotherhood, effectivement. Mais voilà, c'est un truc assez sympa. Tu vois beaucoup plus l'aliasing que dans les jeux d'aujourd'hui aussi, précisé. Mais bon, voilà. Allez, mais bref. Ta diatribe. Donc, Assassin's Creed, le meilleur jeu de tous les temps. Non, je regarde. Hein. C'est bien, c'est deux. Non. En vrai, effectivement, il y a des défauts que t'as relevé, Gag, effectivement, qui sont que je remarque aussi. Le côté ça s'essouffle, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'essouffle à partir de Venise et du coup, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, tu vois. Où la quête prend un peu plus de recul et t'es un peu moins impliqué dans la quête d'Ezio. Donc ça, c'est vraiment dommage. Le fait que effectivement, in fine, le jeu, il a pas grand chose à te raconter, mais ça vous l'avez dit juste avant. Mais par contre, l'OST, tellement bien intégré au jeu et tellement sublime tellement le jeu, l'ambiance générale des villes, de Venise, de Florence, etc. Tu captes que c'est des ambiances différentes, beaucoup plus que dans Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1, c'était genre juste on te mettait un filtre marron, un filtre vert, un filtre bleu pour différencier les villes. Là, tu vois vraiment la différence de... Alors, ça sera encore mieux dans les Assassin's Creed suivants, mais tu captes vraiment la différence d'ambiance, etc., entre les différentes villes dans ce jeu-là. C'est le dernier Assassin's Creed où t'as aussi autant de villes à explorer, en tout cas. Ça, je trouve ça dommage que ça se soit perdu par la suite. Dans les jeux récents, si. C'est revenu, du coup, depuis Black Flag, quoi, du coup, dans l'idée. Mais jusqu'à... même après. Même le 3, effectivement. Mais en gros, dans tous les autres Assassin's Creed, c'était genre uniquement Rome dans... Brotherhood. Dans Brotherhood. Uniquement Constantinople dans Révélation. Uniquement Paris dans Unity. Uniquement Londres dans Syndicate, etc. Et donc, moi, j'aimais bien ce côté voyage, en fait, dans ce Assassin's Creed-là. Ce côté, tu vas de ville en ville, tu résous différents trucs, etc. Tu changes d'ambiance, tu changes de musique, etc. Donc ça, c'est un truc qui me manque dans les Assassin's Creed actuels et qui est là vraiment très, très cool. Mais voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps, je pense. Mais effectivement, les défauts que vous avez relevés, dont j'étais au courant,
m'ont pas spécialement dérangé ou ont pas trop atténué mon... Tu t'es concentré du coup sur le positif, sur l'ambiance, sur le personnage. Bah c'est pas que je me suis spécialement concentré dessus, mais ça m'a moins... Oui, ça m'a impacté, tu vois plus et retiens plus le positif. C'est oui, c'est dire, ça, ouais, clairement, ouais. Et donc voilà, donc... Non, c'est un jeu que je recommande, en connaissant ses défauts, que je recommande encore à l'heure actuelle. que j'ai été tenté de faire plusieurs fois, là, c'était la troisième fois que je recommençais le jeu, tu vois, dans l'idée. J'ai refait, genre, toutes les tours, je les ai réescaladées, j'ai récupéré... Tu vois, ça critique, mais... Ah non, moi j'ai pas critiqué, hein, moi j'ai refait... T'étais pas au chômage, toi. J'étais pas au chômage, mais j'étais vraiment tellement à fond dans le jeu que... Bah, malgré moi, en fait, je faisais les trucs un peu débiles de collectibles, enfin de base, tu vois, mais du coup, moi, je me suis replongé dedans avec plaisir dans ce jeu-là, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Brotherhood par la suite, quoi, mais voilà. Donc, note de combien, tout ça? Bah alors, ma note de cœur que j'aurais mise à l'époque, ça aurait été 18. T'as mise à l'époque? Bah non, j'avais pas fait le test à l'époque, mais... Et donc, la note d'aujourd'hui... Non, mais... La note d'aujourd'hui, elle perd un point, parce que effectivement, donc ça sera 17 sur 20, voilà, pour les gens qui ont du mal avec les maths, mais pour un jeu du cœur, c'est toujours un jeu que je recommande chaleureusement pour... c'est incroyable, quoi, c'est toute une époque... C'est juste un jeu qui te fait du bien, tu vois, juste pour son époque et tout, pour son ambiance, tout ça, quand il joue... Ça fait plaisir malgré ses défauts, il n'y a pas de... C'est exactement ça, c'est ce genre d'ambiance, c'est ce genre de truc-là que j'aurais bien aimé retrouver dans Assassin's Creed 3 ou dans Assassin's Creed Unity, tu vois, c'est-à-dire un jeu où l'ambiance elle est bien retranscrite et où tu te sens vraiment à fond, tu peux limite sentir, tu vois, l'herbe coupée dans les, dans les prés de la Toscane, etc. C'est ouf, quoi. J'ai le truc de d'Odoa qui s'active quand je jouais au jeu, tu vois. C'est tout con, quoi. J'ai pas Covid, visiblement. Mais bref. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un jeu. Bah, je vais arrêter d'épiloguer dessus, mais on a bien compris. Cœur, attention, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous regardent, qui partagent exactement le même avis que toi. C'est sûr. On vous laisse, du coup, vu ce que c'est la fin de ce test, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. On vous laisse commenter en long, en large, en travers pour dire tout ce que vous avez pensé de ce jeu et avec lequel de nous trois vous vous rapprochez le plus, ce serait intéressant. Je pense que ce jeu a énormément de fans et ce serait intéressant de discuter de nos jours parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On vous remercie donc d'avoir suivi jusqu'au bout et on vous invite à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si jamais ce n'était pas déjà fait puisqu'on produit tout plein de vidéos de ce genre, longues et instructives, j'imagine, exactement. J'espère. Bah oui. Et sur ce format-là, donc si vous avez aimé cette vidéo pour ça, abonnez-vous, il y en aura d'autres et d'autres et d'autres encore. Donc vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez rejoindre nos communautés sur Discord et suivre nos lives sur Twitch en vous abonnant là-bas aussi pour avoir vos petites notifications pour vous informer. Et si vous voulez pousser les vis encore plus loin, vous pouvez nous financé via Tipeee. Exactement. On vous sera éternellement reconnaissant. Et puis il y a des contreparties qui sont sympas en plus. Ils sont très sympas. Voilà. Sur ce, on vous laisse, on vous dit à très bientôt, on vous embrasse et à bientôt pour un prochain test du prochain Assassin's Creed plus tard, pas tout de suite. On vous embrasse. Exactement. Bisous. Salut. Ciao.